Bonsoir tout le monde. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes là et que vous me recevez. Bonsoir, bonsoir. Ok, si vous me recevez, faites mon signe. Si tout est bon, on peut commencer. Tout est bon, vous me recevez, le son est bon, tout est parfait. Tout est parfait. Bonjour, 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 bonjour. Pardonnez-moi. <coughs> Bonsoir, Aline. Bonsoir à tous. Voilà, bien-aimés, bonsoir. Nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'oppression démoniaque. Voilà. Je suis très content d'être en ligne avec vous. Très content de, voilà, de faire ce programme. Et j'espère que vous aussi, vous êtes content de me voir. Surtout que nous avons prié avant-hier, hier et aujourd'hui, nous sommes encore là. C'est un combat. Bien-aimés, c'est un, un véritable combat. Et vous savez que dans un combat, tant qu'on n'a pas eu la victoire, on n'abandonne on, on, on pas parce que si on abandonne, on risque de s'avouer vaincu. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, euh, j'aimerais vous inviter déjà à partager avant même qu'on ne démarre. C'est le, le, le processus que nous suivons tous les jours pour pouvoir euh, faire passer le message. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez vraiment bénis, soyez, soyez bénis, soyez sous la couverture. Euh, du Saint-Esprit et sans plus tarder, nous allons inviter le Seigneur à venir prendre le contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions. Tu es le Maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu de tout ce qui vit. Tu es le Dieu de tout ce qui existe. Seigneur, que le nom que, que, le nom que tu nous as donné au-dessus de tout nom, que le nom que tu as au-dessus de tout nom se manifeste et se glorifie dans notre vie à l'instant même. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit que Dieu, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus au de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous terre sur terre, comme dans les lieux célestes, -pères. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment. Et nous prions déjà que toutes les manipulations de l'ennemi en vue de gâcher cette soirée soient nulles et sans effet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes les attaques de l'ennemi ciblées contre nos pensées, contre nos âmes soient nulles et sans effet. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et te demandons de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Agis dans le nom puissant de Jésus-Christ prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire et dire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous aviez partagé. J'espère que vous aviez eu le temps de partager pour, voilà, participer aussi euh, à l'évangélisation. Bien-aimés, ne, euh, ne restez pas indifférents quand on vous demande de partager. C'est votre manière aussi à vous de participer à l'évangélisation. Alors, je commence par dire merci à ceux et celles qui ont déjà commencé par partager. Que Dieu vous bénisse pour le nombre de personnes que vous nous aidez à sauver, que vous vous sauvez vous-même. Soyez vraiment bénis. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Amen. Je veux entendre quelqu'un dire, ça, tu peux écrire, ça, c'est juste euh, une déclaration de foi que j'aimerais que tu fasses. Je veux entendre quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi la source de mes problèmes. Révèle-moi la source de mes problèmes. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous lisons dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets que nous utilisons dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses bibliques que nous utilisons dans la parole de Dieu. Mais notre défaut vient de notre incapacité. À connaître nos ennemis et à savoir par quoi l'ennemi arrive à nous faire souffrir. Par quoi l'ennemi arrive-t-il à nous avoir Par quoi l'ennemi arrive à nous atteindre Et aujourd'hui, les chrétiens sont sous plusieurs formes d'oppression. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi de l'oppression. Donc, les chrétiens sont sous, sous l'emprise de ce qu'on appelle l'oppression. Quand on parle d'oppression, on parle d'une difficulté, d'un gêne que quelqu'un ressent. Ça peut être un malaise d'ordre physique, physique qui, qui s'accompagne de souffrances, de, souffrance, de douleurs, de malaise. Quand on parle d'oppression, on parle d'une action oppressive des forces occultes. Amen. Des forces occultes qui s'en prennent à vous et qui accentuent leur méchanceté, qui accentuent leurs opérations, qui se renforcent, qui combattent votre vie. Amen. On appelle ça l'oppression. Alors, lorsque ces enfants de Dieu sous oppression satanique, commencent à chercher leur délivrance, alors ils font face à ce qu'on appelle la répression, l'action de contre-attaquer, l'action de répliquer violemment. Une répression est une action punitive visant à décourager celui-là qui réclame son droit. Ça s'appelle la répression. Ces forces te répriment violemment d'une manière ou d'une autre. Même s'il leur faut casser tes finances, elles le feront. Même s'il leur faut détruire ton mariage, elles le feront. Pourvu que tu sois tellement assommé, tellement découragé, que tu perdes tellement la foi, que tu décides de quoi d'abandonner ce que tu poursuivais. Face à l'oppression satanique et à la répression démoniaque, beaucoup de gens ne savent plus s'il faut prier ou il faut s'asseoir pour attendre que Dieu fasse le miracle. Or, à partir du moment où nous décidons de cesser de prier et d'attendre que Dieu fasse le miracle, sachez que ce miracle ne viendra jamais. Parce que la loi divine déclare, demandez d'abord et vous recevrez. Invoque-moi, je te répondrai. Donc, si face à l'oppression démoniaque, si face à la répression des forces sataniques qui vous attaquent dès que vous pensez à vos projets, vous parlez de ce que vous entendez faire, vous désirez réaliser vos destinées et qui vous attaquent pour vous pousser à vous avouer vaincu, vous décidez de baisser les mains, alors vous venez de vous faire vaincre par l'oppression face à la répression démoniaque. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, rends-moi plus fort que mes oppresseurs. Rends-moi plus fort que mes oppresseurs. Dis-lui Seigneur, rends-moi plus forte que mes oppresseurs. Et lorsque nous parlons d'oppression, nous parlons d'action punitive. Nous parlons d'action visant à étouffer la personne, à la réduire au silence, à l'éteindre totalement, à la dominer, à la surmener, à l'écraser et à lui faire taire. Ça s'appelle l'oppression. Ça veut dire qu'ils vont tellement opprimer ton mariage, utiliser l'homme de ta vie pour te briser le moral, utiliser des femmes pour te briser le cœur, à tel allure que tu vas t'asseoir un bon jour, tu vas dire Je préfère être seul que de me marier. Alors, face à ces actions punitives et à ces attaques sataniques, tu as l'impression que ce sont les hommes mauvais. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont mauvais. La parole de Dieu nous dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais plutôt contre les forces sataniques, contre les princes du monde des ténèbres qui tirent les ficelles depuis le monde des ténèbres. Mais lorsque nous parlons d'oppression, nous parlons du tyran. Et la parole de Dieu nous dit en Esaïe 49 que la, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Donc nous comprenons que la raison pour laquelle tu vis l'oppression, la raison pour laquelle tu subis la répression, c'est tout simplement parce que le tyran ou l'homme fort ne veut pas lâcher prise. Alors il tire la, 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 les ficelles de part et autres en te faisant croire que tu as des ennemis partout. Mais son seul but, c'est de te dire oublie ce que tu es en train de chercher. Et aujourd'hui, face à l'oppression, beaucoup de chrétiens ont raté leur vie. Face au, à, à la répression satanique, chaque fois qu'ils décident de prier pour leur mariage, beaucoup de gens ont la foi. Et l'une des choses que je suis en train de constater, c'est que les chrétiens ont tellement perdu la foi qu'ils sont en train de perdre la tête. Je vous dis la vérité, les chrétiens ont tellement perdu la foi qu'ils sont maintenant en train de perdre la tête. Vous avez des femmes qui sont assises et parlent seules. Il y a des hommes qui parlent seuls. Il y a des gens leurs pensées là, ça se balade, ils courent à gauche. Vous les voyez comme ça dans leur esprit là, c est, c est, ça ne va pas du tout. Des gens, des pensées qui se bousculent, des pensées suicidaires ou des pensées de je veux vivre. Ça dit les gens sont tellement oppressés. Mais lorsque le monde des ténèbres t'oppresser, ils vont choisir le domaine où ils vont t'oppresser. Ils vont cibler le domaine où ils vont t'oppresser. Et ils sont tellement bien organisés. Ces sorciers sont tellement bien organisés. Ces forces démoniaques sont tellement bien organisées qu'elles ne vont pas t'attaquer n'importe comment. Mais elles vont presser le domaine clé de ta vie. Si c'est le mariage qui va te rendre heureux dans la vie, elles vont oppresser le domaine du mariage. De manière ciblée, elles vont activer leurs actions oppressives et repressives. Mais dans le domaine qui constitue la clé de ta destinée. Si arrivés dans un pays, ils savent qu'ils ne pourront plus te contrôler, alors ils veilleront à ce que ton visa soit bloqué. Aujourd'hui, il y a des gens, leurs visa spirituels sont bloqués. Le visa pour le mariage est bloqué. Le visa pour l'entreprise est bloqué. Le visa pour l'investissement est bloqué. Le visa pour l'épanouissement est bloqué. Le visa pour la joie est bloqué. Et si vous analysez bien, ils vous ont laissé n'importe quoi d'autre vous aviez fait des enfants partout dans le dans les quartiers c'est pas ça qui les intéresse vous aviez connu des hommes en désordre c'est pas ça qui les intéresse vous avez même eu du boulot c'est pas ça qui les intéresse vous avez même bâti des maisons malgré ça ce n'est pas ça qui les intéresse ce qui les intéresse c'est le plan de dieu pour vous donc, vous pouvez avoir le nombre d'enfants que vous voulez. Vous pouvez coucher avec tous les hommes. Vous pouvez aller dans tous les, tous les métiers. Vous pouvez essayer. Vous pouvez même arriver en France. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Vous pouvez même vivre aux États-Unis. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Vous pouvez traverser les frontières, avoir la nationalité. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est votre destinée. Si je me trompe, permettez-vous de me le dire. Vous avez presque tout eu dans la vie. Seule chose en laquelle repose votre épanouissement. Il y en a même qui sont au Canada, mais malheureuses. Au Canada, mais célibataire. Au Canada, mais pas de mari. Au Canada, mais pas d'enfant. Malheureuse, la seule chose qui te donnera la joie, selon toi, la seule chose qui peut t'épanouir, tu marches même seul dans la rue, et même tu parles même seul. Tu as même l'impression d'être la plus malheureuse. Mais pour quelqu'un d'autre, arriver au Canada, c'est le but le plus important qu'ils ont bloqué. Mais pour toi, arriver au Canada, c'est le mariage. Alors, l'ennemi sait comment cibler. Et lorsque nous parlons d'oppression, beaucoup de gens sont opprimés. Tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Tu m'as bien dit, tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Tu m'as bien dit que si je compte sur toi. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as bien dit que si je crois, moi je verrai, je verrai ta gloire dans ma vie. Tu m'as bien dit, tu m'as promis que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Aujourd'hui, l'oppression a changé la vie de beaucoup de personnes. L'oppression a déformé la vie des enfants de Dieu. La sorcellerie familiale ne leur a jamais laissé l'occasion de réaliser quoi que ce soit. À cause de quoi L'oppression satanique. Je vous dis la vérité. Ils n'ont épargné aucun domaine de ta vie. Ils n'ont épargné aucun secteur de ta vie. Ils ont ciblé les finances. Ils ont ciblé ta joie. Ils ont ciblé ta joie. Ils ont ciblé ta, 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 ta santé. Ils ont ciblé les domaines les plus importants de ta vie pour te réduire au silence. L'oppression démoniaque périra au nom de Jésus. L'oppression démoniaque périra. Ils sont tellement acharnés. Ils sont tellement déterminés. Qu'à cause de toi, ils ne dorment pas. Ils ne respirent pas. Ils n'existent que pour te voir souffrir. Ils ont tout écrasé dans ta vie. Ils ont tout bloqué. Voici pourquoi aujourd'hui, nous voyons même des enfants de Dieu marcher dans la rue comme des zombies. Ils marchent et pas seuls. Elles marchent et pas seul. Notre monde aujourd'hui est rempli de semblants de Jésus heureux. Semblants de fonds joyeux, de force joyeuses. Tu la vois saper comme ça au travail mais il y a quelque chose qui la ronge. Le mariage est bloqué. Tu la vois comme ça, en train de se balader dans les rues de l'Europe, mais il y a quelque chose qui la ronge. Ses papiers sont bloqués. Tu la vois comme ça, en train de se balader, on l'appelle sans papier, un nom qu'elle n'aimerait jamais entendre. À cause de quoi De l'oppression familiale. Tu la vois comme ça, obligée de coucher avec des hommes, obligée de donner son corps. Elle a perdu sa dignité. Elle a perdu son bonheur. Elle a perdu tout ce qu'elle considérait comme étant bien. Obligée de se livrer à une vie. À cause de quoi L'oppression. Obligée de vendre sa vie et son corps. Mettant sa dignité de côté. À cause de quoi? De l'oppression. Elle n'a plus la force de prier. Quand elle ouvre la bouche, avant même de dire Seigneur, ce sont des larmes qui coulent. À cause de quoi? L'oppression. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, délivre-moi de l'oppression, Seigneur. Hey! À cause de l'oppression, c'est le perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. À cause de l'oppression. Tu es même resté plus longtemps sur ton tremplin. Longtemps que prévu dans ton pays de transit. Longtemps que prévu dans ta situation de transit. Longtemps que prévu dans ton problème de transit. Longtemps que prévu dans ta galère. Longtemps que prévu. Parce que chaque fois que tu as essayé de lever la tête, ils sont venus pour te rabaisser et pour t'étouffer à cause de l'oppression. Je vais entendre quelqu'un dire, oh Dieu, lève-toi, Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi, Seigneur, de l'oppression. Délivre-moi, Seigneur, de l'oppression. Oh Seigneur, délivre mes finances de l'oppression. Délivre ma vie de l'oppression. Délivre-moi de l'oppression. Alléluia. Hey. Dis à Dieu de te délivrer de l'oppression. Dis le Seigneur. Délivre-moi de l'oppression, Seigneur. Délivre-moi de l'oppression familiale. Délivre-moi de l'oppression maritale, délivre-moi de l'oppression financière, délivre-moi de l'oppression émotionnelle, délivre-moi de l'oppression mentale, délivre-moi de l'oppression professionnelle, délivre-moi de l'oppression Seigneur, parce que tu es Dieu. Délivre-moi de l'oppression, délivre-moi de l'oppression, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi Seigneur. Hey Dis-lui Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la méchanceté humaine. Délivre-moi de la méchanceté humaine. Délivre-moi de la méchanceté humaine. Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, délivre-moi. Hey. Dis délivre le Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi. Dis encore, Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Vous allez prendre la parole de Dieu. Zacharie 7, verset 10. N'opprime pas la veuve et l'orphelin. L'étranger et le pauvre, ne méditez pas à l'encontre le mal. Ne méditez pas à l'encontre le mal dans vos cœurs. Bien-aimés, j'ai vécu l'oppression financière. Tout ce que je cherchais, c'était pour avoir les moyens financiers, pour faire ce que mon Dieu voulait. Mon rêve a été d'aller au secours des autres par les moyens financiers. Mais moi-même, j'avais besoin d'être secouru. L'ennemi savait que s'il obtenait un peu d'argent seulement, c'était fini. L'ennemi savait qu'il suffisait que j'aie les moyens, j'allais sortir de ma galère, j'allais sortir de mon problème. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Ils ont verrouillé mes finances. Ils ont tout verrouillé. Je vais entendre quelqu'un dire, heureusement, Dieu est vivant. Heureusement, Dieu est vivant. Il y a des femmes qui sont tellement opprimées. L'ennemi a verrouillé même leurs règles. L'ennemi a verrouillé leur mariage. L'ennemi a verrouillé leur santé. L'ennemi a verrouillé leur, leur, leur travail. L'ennemi a verrouillé leur papier. L'ennemi a verrouillé leur vie professionnelle. Nul, t'étais. La grâce de Dieu, ces femmes n'allaient jamais sortir. Et aujourd'hui, c'est ce que certains sont en train de vivre. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut, qu peut donner à ce que tu vis si ce n'est l'oppression démoniaque. Mais le problème, ce n'est pas en te promenant derrière les hommes que tu sors de l'oppression. Frères et sœurs, on ne sort jamais de l'oppression en courant chez des pasteurs pour demander des prières. J'ai fait cette erreur, je l'ai regrettée. On ne sort jamais de l'oppression démoniaque en courant chez des pasteurs pour demander des prières. Et c'est là l'erreur fatale que vous aviez faite. J'ai été à l'école moi aussi, même si je n'ai pas été au, au collège. Et j'ai remarqué comment certains amis peuvent t'intimider. Peuvent t'intimider. Tu peux aller parler au professeur. Tu peux aller expliquer à la maîtresse, tu peux aller, mais dès que l'occasion se présente, ils vont t'intimider encore parce que tu ne sais pas te défendre. Si je me trompe, dites-moi. Et parfois même, c'est en dehors de l'école que lorsqu'ils vont te rencontrer, ils vont encore t'oppresser, t'intimider et se moquer de toi et te dire n'importe quoi. Et là encore, ton professeur n'est pas là. Si je me trompe, dites-moi. Jusqu'au jour où je suis rentré dans les arts martiaux. Et lorsque je suis rentré dans les arts martiaux en 1995, et que je suis devenu champion de la Côte d'Ivoire, et que toutes les télés m'ont vu jusqu'au village, en ce moment, ceux qui avant m'opprimaient et se moquaient de moi me parlaient avec humilité parce que j'étais ceinture noire des arts martiaux parce que j'étais champion, médaillé d'or d'argent, parce qu'ils ont vu à la télé comment j'ai sonné tous mes amis. Alors, la peur a changé de camp. C'est en 2007 que j'ai arrêté les armes martiaux, après 13 ans, 11 médailles, argent, or, trophée, par équipe et individuellement. Donc, à partir du moment où j'ai su me défendre, alors, l'oppression savait qu'il fallait... Cesser. L'oppresseur savait qu'il devrait faire attention. J'utilise mon ancienne vie pour vous dire que tant qu'on est dépendant de la protection des hommes, on est toujours victime de l'oppression. Parce que la personne dont l'oppresseur a besoin d'avoir peur, c'est toi. Ils ont besoin de sentir que tu, tu sais prier. Et à partir du moment où tu sauras te défendre, et doté de capacités à annuler, à bloquer, à leur envoyer le tonnerre, le, la foudre. En ce moment, il te laisse tranquille. Et votre véritable malheur et vos problèmes viennent du fait que vous ne savez pas prier et vous passez toute votre vie à pleurer derrière les pasteurs. Et quand l'ennemi te regarde et puis il sait que tu es une pleurnichade, un pleurnichard, bien aimé, tu vas voir, depuis que tu pleures derrière les hommes de Dieu, là, ta situation, là, ça n'a pas bougé d'un pouce. Au contraire, même c'est en train d'empirer. Si je m'en dis moi, c'est juste quelques petites prières pour te soulager et en dehors de ça, tu n'as rien. Donc l'une des choses qui calme l'oppression, c'est quand l'oppressé sait se défendre. C'est quand l'oppressé se lève dans la prière. C'est quand l'oppressé sait comment se protéger. Et en ce moment, l'ennemi te laisse tranquille. Même les maris de nuit s'en vont. Même les sorciers de ton village ne viennent plus dans tes rêves. Et maintenant, même quand ils viennent, ils se cachent. C'est comme quelqu'un me disait. Avant là, je faisais des rêves. Mais depuis que j'ai ton livre, les mauvais rêves, comment les briser? Je ne fais plus de rêves. Je lui ai dit, mais ça tu penses que quoi? <laughs> tu penses que quoi? Tu es en train de briser tout. Tu veux que tu qu'à qu se faire voir encore? Ils sont tous allés se cacher. C'est la vérité. Tu n'as pas remarqué que dès que tu dis au nom de Jésus, je brise, j'annule. Tout ce qui a été fait dans mon rêve, je coupe la tête de tout, à tout attaquant. J'envoie le feu, le tonnerre, le canon. Bien-aimé, quand ils entendent ça là, là ils sont obligés de se chercher ou de se cacher ou de t'aveugler. Je t'assure, avant là ils venaient faire vacances chez toi. Avant là ils venaient tous en vacances, grand-père, grand-mère, tonton, tanti, tu les voyais, à visage découvert. Parfois, même sans porter habit. <laughs> tu les voyais se balader comme ça. Mais regarde, depuis que tu fermes les yeux, tu dis au nom de Jésus, j'envoie le tonnerre, la foudre, le feu, je brise, je casse, j'annule. Tu as remarqué, non Est-ce que tu les vois encore Donc, ça veut dire que tes ennemis ont peur de toi. Arrête de venir me raconter que tu ne, tu ne te souviens plus de tes rêves. Il faut commencer à lire la Bible avant de dormir tous les soirs. Tu vas te souvenir de tous tes rêves. Donc, l'ennemi sait que quand tu le vois, ce n'est pas bon. L'ennemi sait que c'est trop dangereux pour toi de le. Non, 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 non. Ils sont en danger. Surtout quand tu dis leur nom dans la prière, là, ils ne supportent pas. Alors, parfois, là, au lieu de vous poser mille et une questions et de venir nous fatiguer des questions dont vous avez déjà la réponse, je vous ai déjà dit, l'ennemi a peur de vos prières. Donc, quand il commence à faire ça, là, si tu t'es rem... rendu compte que depuis que tu as commencé à casser, briser, tu ne te souviens plus de tes rêves-là, laisse-moi te dire, laisse ton professeur de combat spirituel t'enseigner. Ça veut dire qu'ils t'ont piégé. Et je vais te dire comment ils piègent les gens. Ça veut dire qu'ils t'ont piégé. Parce que, bien-aimé, tu as vu, tu as cassé, tu as annulé. Tu es en train de compromettre leur plan. Tu es en train de mélanger leur, leur affaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Un bon matin, tu es là. Il commence à t'injecter une pensée. Tu vois, non? Et puis, tu es là, tu fermes tes yeux, tu dis, tu vas te reposer un peu. Tout à coup, voici Zumana. Tu commences à penser à Zumana. Tu dis, eh hey, Zoom. À l'époque où j'étais, Zoom. Ils vont te ramener en pensée quelque part. Toi, tu crois que ces pensées-là sont des pensées simples, non? que C'est toi juste en train de te relaxer. Tu n'es pas en train de te relaxer. J'ai dit, tu es dans la douche là, tu ne parles pas à quelqu'un là. Ils viennent se balader dans tes pensées. <laughs> ils viennent tripoter tes pensées comme ça. Ma soeur, tu as vu quand tu rentres dans la douche là, toutes tes pensées négatives qui viennent là. Tu te souviens de ça non Parfois, ils te parlent, ils disent oh non, il faut faire ça un peu. Ça dit que tu luttes quoi. Là où tu es là, tu te bats. Toutes tes pensées qui passent là, si tu nous expliquais là, on allait gâter. Ça dit que moi, je n'allais plus être camarade avec toi. Parce que tu sais ce que tu penses de moi quand je prêche. Alors, ils vont venir tripoter tes pensées. C'est par là qu'ils commencent l'oppression mentale. Je dis, c'est que tu t'imagines là. Dieu seul sait. Parfois, même, tu as tué les gens dans tes pensées. Parfois, même, tu as couché les gens dans tes pensées. Si je m'en me dit, mon frère, parfois, tu as couché les femmes que tu vois dans la rue dans tes pensées. Parfois, tu as insulté les gens dans tes pensées. Surtout quand tu es assis dans le bus ou dans le métro et puis il y a des gens qui t'énervent là. Tu dis rien mais en réalité tu dis quelque chose. J'ai dit la vérité. Parfois ton mari t'a énervé. Il croit que tu n'as rien dit mais tu as dit. Tu l'as tellement insulté dans ton cœur, insulté dans tes pensées. Parfois même tu lui dis, toi tu ne sais pas. <laughs> tu ne sais pas ce, que tu as, ce qui t'attend. Donc là ils vont venir tripoter tes pensées. Tu es assise là, tu commences à avoir des pensées criminelles. <laughs> Des pensées criminelles. Tu, tu, tu commences à faire des plans méchants. Tu veux pimenter même le gars. Donc, là, tu es assise tu crois que tout est normal, mon ami, tout n'est pas normal. Tu es en train d'avoir la démence. Donc, pendant que tu es assise, à l'aise, parfois couché, tes deux petits pieds croisés sur ton lit là, ils sont en train de te faire voyager. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en esprit, mais ils ne savent pas. Vous voyagez tout en esprit. Il faut qu'on vous délivre. Donc vous allez voir que les gens sont là. Oh man of God, I don't know why I don't remember my dream. How can you remember your dream with all the bad thoughts? Donc tu les vois comme ça là parfois en cravate, <laughs> mais on dirait ils ont perdu la tête. Donc aujourd'hui actuellement où nous sommes là, l'un des plus gros problèmes des chrétiens c'est l'oppression mentale. Les gens souffrent, ils ne sont plus maîtres de leurs pensées. Il ne faut pas provoquer une femme. Bien-aimé, si, tu... <laughs> si tu provoques une femme, tu lui as donné problème dans ses pensées. Elle est assise, même si elle ne dit rien. Ce qui se passe dans sa tête, là, Satan va venir s'asseoir pour lui donner conseil. <laughs> là, là, tu vas voir que non, tu penses que, hey, aujourd'hui, là, j'ai juste provoqué la soeur, là. Elle n'a rien dit. Qui t'a dit, elle n'a rien dit? C'est parce que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Si tu avais entendu, même tu allais prendre tes bagages pour déménager. Donc, beaucoup de gens sont en train de vivre ce qu'on appelle l'oppression mentale. Et les démons sont tellement bons dans ça. Oppression démoniaque. Il suffit d'un peu de stress et de désaccord. Ils viennent, ils s'installent à leur gouvernement. <laughs> ils s'installent à leur gouvernement. Ils commencent à devenir tes conseillers. Ils vont te dire, tu as vu ça, non? Tu as entendu ce qu'il t'a dit. Et tu as vu son téléphone a sonné. Hein? Est-ce que ce n'est pas avec une femme qu'il est en train de parler ah, son téléphone qui sonne là. Est-ce que tu ne veux pas aller jeter un coup d'œil Peut-être que c'est un gars qui l'a appelé. Et tu es en train de stresser pour rien. Tu vois, enfant de Dieu, comment le diable joue à tes pensées. Tu vois Donc, l'ennemi vient s'asseoir de tes pensées. Il porte tes pensées tous les jours. Vous êtes là, vous souffrez. Vous souffrez pour rien. Alors là, le, le, le nombre de personnes qui souffrent là, des démence spirituelles, là, c'est trop. J'ai dit des conseillers machiavéliques. Et là, tout ce qu'ils te disent là, tu gardes pour toi seul. Si c'est trop fort, tu vas exploser. Tu vas tout dire. Oh. Donc, les gens souffrent. Il y en a qui doivent commencer à se répentir, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes pensées criminelles. <laughs> Donc, euh, pardonnez. <rire> Donc, <rire> il y a des femmes et des hommes qui doivent commencer à se répentir pour leurs pensées criminelles. <laughs> Parce que <laughs> Zankia, est-ce qu'elle est menti? Aïe! Non, les gens sont forts. Donc aujourd'hui, là, vous voyez les gens qui sont là comme ça, là. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé dans l'esprit des gens. Oh, c'est la vérité. Parfois, tu vois quelqu'un qui est assis, il parle seul et puis il rit. On dit, mais tu ris pourquoi? Non, il est ailleurs. <laughs> Elle est loin, je te dis. Parfois elle est au village, dans le passé, ou je ne sais pas si c'est dans le futur. Les chrétiens ont trop de problèmes. Aïe non, vraiment. Tu peux voir quelqu'un assis, tranquille, et puis tout à coup, sa figure est serrée. Là, tu te dis, mais attends, mon ami, il y a quoi On était là tranquille tout à l'heure, là. L'ennemi a pris ses pensées pour aller dans le, dans le passé pour lui rappeler un vieux truc là. Donc euh, là, vraiment, les enfants de Dieu, ils sont, ils sont compliqués. La situation là. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance mentale. <laughs> Aïe oh. Non. Regardez comment les gens souffrent. Homo, famo, l'imagination. Oh. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont un problème mental. Ça ne va pas. Il faut les délivrer aujourd'hui là. Ils ne sont pas seuls dans leur tête. Tu les vois comme ça, là, ils ne sont pas seuls. Oh, il y, y en a, ils sont assis comme ça, tu les vois, ils sont en train de jouer aux échecs. Jouer aux braves, et il y en a qui jouent les gangsters. <laughs> dans les pensées. Je suis sûr qu'actuellement, il y en a qui sont en Russie en pensée. Ils se disent que si moi j'étais là-bas comme ça, là, voici comment j'allais gérer les affaires. Ils s'ingèrent dans l'affaire des gens. Oh, aïe! Tu les vois si là, là, déjà, ils sont en train de méditer le mal dans leur cœur, méditer les choses compliquées là, méditer. Oh. Sans oublier toutes ces femmes là qui, Zoumana et Su, elles et Pierre elle pensent à Jean-Paul. Tu comprends que Satan jouait à penser des gens. Ça dit que même dans ton intimité, il vient s'amuser. <laughs> tu vois, ma soeur, toutes les fois que tu étais à Zoom et puis tu pensais à Seydou, là, ce sont eux qui étaient là, il t'aidaient. Il t'accompagnait dans tes bêtises pour que tu puisses avoir un peu d'inspiration. Tu comprends Donc ils vont aller chercher celui-là que tu aimes plus. Ils vont venir dire bon comme tu n'aimes pas lui là, <laughs> à sa place, imagine toi que tu aimes l'autre. Ah non les gars ils sont mauvais. <laughs> C'est la vérité que je vous dis. Est-ce qu'il est mentit sur si enfant de quelqu'un Donc mon ami, <laughs> donc ils vont aller soulever là image de quelqu'un d'autre pour dire bon comme ce vieux là tu l'aimes pas là donc ferme tes yeux imagine toi que tu es avec l'autre et tu crois que c'est normal ce que tu fais c'est pas normal mon ami tu as un problème <coughs> donc voilà c'est affaire là qui est là <laughs> non aujourd'hui là je vous attrape je vous attrape en direct alors tu vas dire à Dieu de te délivrer <laughs> De l'oppression. Non, les gens ne savaient pas que Satan jouait leurs pensées. Oh, tous les complots que tu as fait dans ton cœur, là, tu dois avouer aujourd'hui. Tu dois te confesser. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens ne comprennent même pas leurs rêves. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez les femmes prier, 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 ça ne monte pas à Dieu. Les pensées sont pourriées, souillées. Vous ne savez pas qu'une pensée saine, ça rend les prières puissantes. Je vous dis la vérité. L'ennemi joue avec vos pensées. La prière, là, c'est la parole et la pensée. Tout ce que tu penses là, si tes pensées sont saines, je te garantis que ta prière vient plus. Plutôt que quand tu es bourré d'inquiétude, d'incertitude, tu, tu médites les choses dans, le, dans ton cœur et où tu as des pensées criminelles, tu, 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 tu médites le mal, tu vois le mal partout. Bien aimé, tu souilles ton âme, tu réduis ta capacité prophétique. Si je me trompe, qui n'a jamais vécu ce que vous, je vous explique? Qui n'a jamais vécu? C'est ce que vous vivez tous les jours. Aussitôt qu'il y a un problème, ils viennent et tous ils viennent, ils s'asseyent. Et ils commencent à parler à tes pensées. Et pour savoir que ce sont des démons et des esprits qui sont en train de presser tes pensées pour réduire tes capacités, tu vas voir que quand tu es en colère, si tu as une pensée de paix, de pardon et de tolérance, sache que Dieu est en train de te parler. Si dans ta colère, dans ton mécontentement, tu as une pensée de paix, de réconciliation, de tolérance, cette voix-là qui te parle te dit de te calmer. Cette voix-là qui te parle te dit de tolérer. Cette voix-là qui te parle dans ton cœur et dans tes pensées te dit, va t'excuser, va présenter tes excuses, va chercher à faire la paix. Même si lui ne veut pas te parler, même si elle ne veut pas te parler, va te réconcilier. Si cette voix qui te parle ne te dit pas ça et qu'elle te dit, regarde, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il faut le quitter même. Est-ce que tu es dans le bon mariage même Tu es avec ceci, tu es avec cela, tu es avec ça, ce Si cette voix te pousse à prendre des décisions contraires à ce que Dieu lui-même aurait pu te dire de faire, sache que tu es sous l'emprise d'un démon. Et quand c'est un démon de vengeance, ce démon de vengeance te donne des conseils, bas toi, pas. Pas. Il parle dans ton esprit. Il parle dans ton cœur. Tout ce que ce démon va te présenter, c'est la face contraire de ce que Dieu pourrait te présenter. Parce que Dieu, quand il veut te parler, il te dit les bonnes choses. Je me rappelle, un jour, quelqu'un m'a violemment offensé. La personne m'a offensé. Et lorsque J'étais en train de penser à ça. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, laisse tomber. C'est une bonne personne. Bien-aimé, je ne vous mens pas. Laisse tomber. C'est une bonne personne. Frère, dans le cas contraire, le diable nous pousse à nous venger. Le diable nous pousse à tenir rigueur. Le diable nous pousse à nous renfermer. Le diable nous pousse à méditer la réplique. Le diable nous pousse à méditer la vengeance. Les démons nous poussent à méditer la répression ou euh, euh, ce qu'on va faire de mal. Et pour savoir que vous êtes guidé par un esprit méchant et mauvais lorsque vous êtes en colère. Vous êtes blessé et vous êtes offensé. Si tout ce que vous voulez faire, c'est rendre le mal par le mal, pour être honnête avec vous, vous êtes possédé. Si tout ce que vous désirez faire, lorsque vous êtes fâché, si tout ce que vous désirez faire, c'est de prendre des actions punitives, Tenir rigueur, vous venger, rendre le mal par le mal, dire une chose méchante à la personne. Vous voulez lui faire du mal pour vous sentir heureux ou heureuse. Peut-être que vous êtes déjà arrivé dans une situation où, quand votre mari ou votre femme vous a offensé, tout ce que vous aviez voulu là, c'est d'aller chercher sa faiblesse. Pour lui parler mal, pour lui dire du mal. C'est-à-dire que vous aviez voulu le blesser ou la blesser dans son amour propre. Bien-aimé, vous aviez été possédé. Et voici comment les chrétiens subissent l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque fait que tu n'arrives pas à pardonner. L'oppression démoniaque fait que tu ne laisses jamais tomber les affaires qui se sont passées. L'oppression démoniaque fait que tu n'oublies jamais ce qui s'est passé. En fait, le démon derrière derrière ce comportement est un démon de vengeance. Parce que le démon de vengeance, quand il prend possession de ton cœur, là, juste à ce que tu sois rassasié de ta vengeance, tu ne les laisses jamais tomber. Ça veut dire que malgré le temps qui passe, c'est un peu comme si tu n'as pas encore assez fait, assez rendu. C'est l'esprit de vengeance qui fait ça. Cet esprit de vengeance qui refuse de lâcher. Qui refuse de tolérer, qui refuse de pardonner, ça soit en toi. Même dans dix ans, il va encore te poignarder avec cette même affaire. Mais le problème, certains ne sentent pas que c'est un contrôle démoniaque qui fait que quand on est en colère, tout ce qu'on veut, c'est dire du mal, c'est faire du mal. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes sous l'emprise d'oppression satanique. Ça veut dire que tu n'es même plus le maître ou la maîtresse de tes pensées. Tu as l'impression que quelqu'un d'autre pilote tes pensées contre ta volonté. Quelqu'un d'autre va chercher des vieilles histoires pour les injecter dans ton esprit, pour les ramener dans ton esprit contre ta volonté. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, délivre-moi de l'oppression. 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 Amen. La parole de Dieu déclare quelque chose en Proverbe. Dieu dit en Proverbe n'opprime pas je reprends Proverbe 22-23. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et ôtira la vie à ceux qui les auront dépouillés. Voici le verset biblique qui m'a aidé. J'ai dit à Dieu de me délivrer. Le jour que j'ai lu ce verset, j'ai prié contre tous mes oppresseurs. Amen. Contre tous mes oppresseurs. contre tous mes oppresseurs. Bien-aimé, si tu ne trouves pas un verset biblique que tu vas utiliser pour te défendre, l'ennemi ne lâchera pas prise. S'il y a un domaine de ta vie que tu dois délivrer pour être en bonne santé, émotionnellement, spirituellement, professionnellement, intellectuellement, financièrement, ce n'est ni ton corps sur lequel tu mets des, ma des maquillages. Ce n'est ni tes doigts sur lequel tu mets des vernis à ongles. Parce que, bien-aimé, cette mentalité qu'ils t'ont donnée là, jusqu'à ce que tu en sois délivré, tu ne rentres jamais dans ta destinée. L'une des choses que le diable a fait pour détruire la vie de certaines personnes, c'est qu'il est allé dans leur passé, dans leur vie et dans leur âme. Il a planté quelque chose. Qui n'a rien à voir avec leur vie. Ça n'a rien à voir avec leur vie. Alors ces personnes s'accrochent à ça pendant toute leur vie. Parfois l'ennemi plante dans ton cœur un rêve -tu qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Or, l'une des choses qui montre qu'on est dans le plan de Dieu, c'est que quand tu commences à invoquer Dieu, là où il t'a emmené, sa grâce te soutient là où ça met t'a emmené. Sa faveur t'accompagne dans tes projets. Mais le diable va faire en sorte que dans ta tête, là, tu crois que tu as tellement raison. Tu crois que tu es tellement dans le bon pays. Tu crois que tu es tellement en train de bien raisonner. Mais c'est une mentalité de pauvreté. Le diable te donne ça. On a vu des gens qui ont poursuivi des buts qui n'ont jamais atteints jusqu'à la fin de leur vie. Une bataille inutile. On a vu des femmes qui ont rêvé des choses. Qu'elles n'ont pas pu saisir jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas parce qu'il y avait un, un quelconque blocage. Ça n'a rien à voir avec un blocage. Dans tes projets-là, si tu es dans le plan de Dieu, Dieu intervient. Mais en dehors du plan de Dieu, tout ce que Dieu veut te dire là, c'est juste qu'il faut revenir à mon plan. Tu n'es pas sur mon chemin. Alors, le monde des ténèbres est malin. Ils vont introduire dans ton cœur des choses qui ne font pas partie du dessein de Dieu. Ils vont introduire dans ton esprit. Ça veut dire qu'ils vont rendre ça tellement, tellement fort que toi, tu crois que c'est une question de temps, la persévérance, la persévérance, la persévérance. Ils sont capables de te faire persévérer, même dans une relation qui ne va jamais aboutir au mariage. Et tu te bats avec l'inconnu. Donc, l'ennemi va user de l'oppression mentale. Il va faire en sorte que tu ne comprennes rien, peu importe le nombre de fois qu'on va te donner des conseils. Il voile tes pensées. Il voile ton esprit. Et l'une des choses, l'une des choses, l'une des choses que nous pouvons faire et qui change notre destinée financière, qui change notre destinée prophétique, qui change notre destinée professionnelle. C'est la délivrance de la tête. La délivrance de la tête. Frères et sœurs, je vous parle des choses réelles. L'une des choses que l'ennemi fait, c'est d'envoûter les têtes, d'envoûter les pensées, d'envoûter. Oh, le succès, la transformation, le changement commence par la mentalité. Il y a des femmes qui ont toujours eu raison dans leur vie. On ne peut jamais leur donner des conseils. Mais 20 ans après avoir pris service, elles n'ont jamais su comment économiser. Il y a des gens qui tournent en rond depuis des années. Leur vie est bloquée. Ça dit que malgré ça, va leur parler. Ça ne change pas. Leur position ne change pas. J'ai vu des artistes qui ont composé des chants. Quand tu leur dis, non, cette chanson-là, tu veux que ça marche. Voici comment tu dois orienter ta chanson. Bien-aimé, la personne est accrochée à son, à son comment on appelle ça, à son bébé. Bien-aimé, l'époque de bébé est finie. Sa musique-là, c'est ça sa passion. C'est ça son rêve. C'est ça son truc. Tu peux donner conseil à de telles femmes. Jamais. Jamais. L'ennemi va faire que la personne va s'accrocher. Même si son bateau est en train de couler, on va lui dire lâche et nage. Elle ne nagera jamais. Elle a trop raison pour écouter quelqu'un d'autre. Voici comment aujourd'hui vous allez voir des femmes qui sont dans des églises. 20 ans encore, tu es, tu es célibataire. 10 ans encore, tu es au même endroit. Mais si tu viens leur dire, oh, je connais un pasteur, ses prières me font du bien, bien aimé, elles ne vont jamais t'écouter. Elles ne t'écouteront pas. Le cerveau est déjà lavé. Le cerveau est déjà bloqué. Le cerveau est déjà verrouillé. Je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu de nos jours va soulever le téléphone le dimanche pour t'appeler. Pas pour faire une offrande, pas pour te soutenir. Le dimanche, hein. Tu es en train de te préparer pour aller prêcher. Pasteur, je t'appelle pour que tu pries pour moi. Madame, moi je suis en train de me préparer pour aller prêcher. Si tu as besoin de prier, là, il faut, faut te connecter, on va prier. Bien aimé, tu viens de parler mal à quelqu'un comme ça, hein? pour lui dire non. Bon, on, a, on, on, on se prépare à aller en direct. Si tu veux prier, joins nous on va prier. Tu viens d'insulter quelqu'un. Ils vont partir à ton mauvais nom. Ils vont dire, et puis quand tu leur dis non, je me prépare à aller en direct. C'est parce que ça sonne beaucoup, j'ai décroché. Je me prépare à aller. Bien aimé. Tu vas venir dire à quelqu'un que tu te prépares pour aller en Oh non, oui, moi je t'appelle pour que tu m'aides. Okay. Et puis non seulement dans leur mentalité, là. Quand ils t'appellent là, ils ne vont pas te demander tu fais quoi Est-ce que tu es libre Est-ce que tu as quelque chose à faire C'est un problème de mentalité, l'homme noir. Problème de mentalité. Ça dit que les gens sont en train de perdre la tête. Je vous dis la vérité. Les gens sont en train de perdre la raison. Maintenant, il n'y a plus de raison. Ça veut dire que tu peux appeler quelqu'un, même s'il est en train de se couper les cheveux, il n'a qu'à dire un mot. Parfois, même, il y a des hommes qui t'appellent. Ah, bonjour, non, non, non. Euh, non, ce n'est pas Eloge ici. je voulais parler. Ah, c'est pas ça Eloge ici. Ah, dis juste un mot. C'est devenu du n'importe quoi. On ne peut plus donner conseil. On ne peut plus être un homme de Dieu qui prêche la vérité. On ne peut plus dire aux gens, mais attends, ça fait des années que vous prenez vos problèmes pour vous promener. L'ennemi ne vous lâche pas parce que vous-même, il n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vos prières. Vous ne savez pas prier. Tout ce que vous savez faire, c'est de pleurer derrière les hommes de Dieu. Vous, donc, vous ne savez pas vous défendre. L'ennemi aussi ne veut pas reculer. Tu ne peux pas dire ces vérités-là de nos jours. Tu vas passer pour une personne nerveuse. Tu vas passer pour une personne autoritaire. Tu vas passer pour une personne colérique. Et ils vont te taxer de tous les noms, comme vous le faites. Donc, juste à ce qu'il y ait un déclic dans nos pensées. On est bloqué. Parce que l'ennemi va faire en sorte qu'on va s'accrocher à une raison qui n'apporte rien, à une réflexion qui n'apporte rien. Et c'est ce que le diable fait pour nous détruire. Je vous dis que il y a certains d'entre nous, les hommes, y compris moi, je suis dedans, il y a des femmes, il y a des hommes. Si ces personnes faisaient juste preuve d'un peu d'humilité, pour écouter leurs proches, la vie allait changer. Parce que dans la vie, là, quand tu, tu te colles à quelqu'un, là, mon professeur de sport m'a dit quoi? Quand tu écoutes beaucoup, tu apprends beaucoup. Et on nous a appris à observer ceux qui ont quelque chose à nous apporter, de les écouter. Et la Bible dit que celui qui écoute les sages devient sage. Donc l'homme doit avoir la capacité, ça dit que quand tu, un jour, tu. Tu as la chance d'être ami à Donald Trump. Tu n'as pas besoin de lui dire Donald Trump, j'ai besoin d'argent pour aller au garba. Non Tu lui dis j'ai besoin d'être enseigné par rapport à comment tu as fait pour réussir. Beaucoup de gens s'ouvrent à toi. Parce que quand on a réussi, on aime partager son témoignage. Donc, les gens vont plutôt te donner quoi Des conseils, des stratégies et autres. Mais nous, quand on vient vers les gens, on vient avec orgueil. C'est la vérité que je vous dis. Donc, ce qui veut dire que l'orgueil empêche des hommes de bénéficier de la connaissance des femmes. Il y a des femmes qui sont intelligentes, mais ce sont des gens de dehors qui bénéficient de leur intelligence. Le patron au travail et autres. Mais je vous déclare que si cette femme voulait donner des conseils à son mari, ça va envoyer palabre. Il y a des hommes qui sont des sources de bénédictions. Ce sont d'autres personnes qui profitent de ça. Au travail, le patron et autres, les conseils, c'est un conseiller dans finance, c'est un conseiller dans les affaires. Mais le jour que cet homme va oser dire à sa femme que tu dépenses trop, par là va venir. Donc, les esprits vont nous manipuler, nous rendre orgueilleux, de sorte à ce que tu es à côté d'une source dont tu ne profites pas. Tu es à côté des gens intelligents dont tu ne profites pas. Je vous dis la vérité. Donc, les esprits vont te mettre quelque chose dans ta tête, vont te manipuler et ils travaillent fort dans tes pensées. Ils vont souiller ton esprit. Ils vont souiller ton âme. Ils vont polluer ton corps. Et tu vas remarquer que... Depuis un certain temps, tu pries, mais il n'y a pas de réponse. Tu vas remarquer que tu pries, mais il n'y a pas de bons rêves. À un moment donné, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi mes prières ne montent pas Tes prières ne peuvent jamais monter. Parce que pour que la prière monte, il y a deux choses. La sainteté de la bouche qui prie et la pureté de la pensée. Qui imagine ce que tu demandes. Alors, l'ennemi sait que tu pries beaucoup, mais que tu ne connais pas de stratégie pour contrôler tes pensées. Je te garantis. Tu pries beaucoup, mais regarde les pensées noires qui t'assaillent tous les jours. Tu es mentalement opprimé. Ce n'est pas on qui dit, moi, Elo, je te le dis. Tes pensées sont bousculées. Il y a un bombardement dans tes pensées. La peur, le stress, l'inquiétude, les tourments, la haine, la colère, la jalousie, le mépris, les choses, les détestements, tout ce que tu as vécu là, ça revient te hanter. Ça dit que ton âme, ton esprit, tes pensées sont hantées matin, midi, soir, par des entités, des démons de détresse. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là et puis tout à coup, il commence à pleurer. Il commence à couler des larmes. Il commence à se sentir triste. Il commence à se sentir amerdé. Tout à coup, du jour au lendemain, tu peux voir une jeune fille qui a bien supporté son célibat. Elle a bien tenu pendant des années. Elle n'a jamais boudé. Du jour au lendemain, voici la dépression. Elle commence à pleurer. Oh oui, je suis en train de vieillir. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Mais qui est venu lui dire Elle a gardé la foi pendant des mois. Elle a persévéré pendant des semaines. Elle a, dét... elle a gardé. Ça veut dire qu'elle a vécu la même chose. Mais pourquoi elle est déprimée? Pourquoi elle est découragée? Pourquoi elle est en train de pleurer? Il faut bien lui demander, qu'est-ce que tu as pensé hier? Qu'est-ce que tu as pensé cette nuit? Qui a parlé à tes pensées hier? Et c'est là que tu vas voir qu'il y a un petit démon qui est venu s'asseoir dans ses pensées pour lui rappeler toutes les possibilités qu'elle avait à se marier, mais elle n'arrive pas à se marier. Pour lui rappeler que son âge est en train d'avancer, mais elle n'arrive pas à se marier. Pour lui rappeler que tout le monde a des enfants, elle est en train de vieillir, elle n'a pas d'enfants. Alors, cette personne qui y avait la foi, était déterminée et autre, pour avoir ouvert la porte de ses pensées, c'est fini. C'est fini. Tu peux voir une femme qui est là, elle est insécure. Elle n'a pas de sécurité, de stabilité émotionnelle. Elle est agitée parce que des démons lui font croire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu peux voir un homme qui doute de sa femme. Les petits gestes, les petits faits, et il croit que quelqu'un est en train de chercher sa femme. La jalousie va commencer à s'élever. L'oppression mentale, c'est ce qui crée la jalousie. C'est ce qui crée les soupçons. C'est ce qui crée l'insécurité dans l'âme et dans l'esprit. Parce que tous les jours, chaque minute, chaque instant de ta vie, il y a des esprits qui viennent s'asseoir à côté là, qui te disent Regarde, 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 regarde. Et puis, tu es agité, tu es tourmenté, tu n'arrives pas à dormir, tu es là, tu t'imagines des choses, ton partenaire sort, tu crois qu'il allait voir quelqu'un, ça dit que tu, tu, tu deviens parano. Ces esprits vont créer en toi la paranoïa la paranoïa. Tu deviens instable et tu vas tellement devenir instable que pour te confirmer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vrai là, tu vas commencer à rêver parce que ton esprit sera tellement impacté que tu vas commencer à rêver à ce qui se passe dans ta tête. Tu vas reproduire certains faits que tu as entendus qui t'ont influencé. Tu vas te disputer avec quelqu'un, tu vas le revoir en rêve. Tu vas regarder un film, tu vas le revoir en rêve. Tu vas penser ou soupçonner quelqu'un, tu vas le revoir en rêve. Le diable va se servir de ça. Tu as ouvert une porte. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, il n'y a ni mauvaise pensée. Il n'y a ni haine dans ton cœur. Il n'y a ni crainte. Tu as le calme et la confiance. Tu as l'assurance que ce que Dieu t'a donné, personne, ne peut te l'arracher. Tu ne t'inquiètes de rien. Tu es stable. Tu ne crains rien. Parce que l'Éternel est avec toi. C'est là, là que tu dis L'Éternel est mon perché. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton mais rassure. Et c'est là que tu dis: Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Et la présence de l'Éternel te donne le calme et la confiance, l'assurance et la paix. Et quand les démons tourmentent ton esprit, tes pensées en souffrent. Et peut-être même que alors que je suis en train de parler, Peut-être que ces deux derniers jours-là, ton âme a été beaucoup tourmentée. Ton esprit a beaucoup été tourmenté. Tes pensées ont beaucoup été souillées. Ils ont pris tes pensées possibles. Ils ont pris ton esprit possible. Et tellement c'est fort chez certaines personnes qu'elles n'arriveront pas à trouver le sommeil. Parce que le sommeil vient du fait de la tranquillité émotionnelle et sentimentale. Le sommeil vient du fait de la paix de l'esprit. Parfois, même temps, quand tu as la paix dans l'esprit, à peine tu poses ta tête, tu commences à ronfler. Le petit sommeil d'où est venu te prendre pour partie? Là, là, rapidement pressé. Mais quand ton âme est agitée par des démons, quand ton âme est oppressée par des situations, bien aimé, tu vas te coucher tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas aller au salon, tu vas allumer la télé. Rien ne pourra te calmer. Rien ne pourra te stabiliser. Parce que l'agitation que tu as au fond de toi, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Parfois, c'est quand ton esprit sent qu'un danger arrive. Peu importe que ton esprit sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ton âme n'est pas tranquille, tu ne sais pas pourquoi. C'est plus tard, tu vas dire, oh, je comprends maintenant. Hier, yeah, j'ai senti, hier, yeah, j'ai senti. Yeah, j mais bien, mais Très souvent, c'est maléfique. Et les gens ne savent pas lorsque ces pensées-là commencent à les tourmenter. C'est ce qu'on appelle les tourments. Les tourments. Les tourments. Et beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Beaucoup de femmes sont tourmentées. Beaucoup d'hommes. Je vous dis, sont tourmentés face au manque de moyens financiers. Vous allez voir que les pensées, l'inquiétude, le stress, la panique et autres. Et pendant que je te parle, peut-être que toi aussi, tu es tourmenté par le stress en entendant ce qui se passe dans le monde. Peut-être que tu es tourmenté par une situation financière. Peut-être que tu es tourmenté par une situation conjugale. Peut-être que tu es tourmenté par ta femme. Peut-être que tu es tourmenté par ton mari. Peut-être que tu es tourmenté par une situation. Bien-aimé, ajouter tourment et au tourment, ça ne peut apporter que des déluges de stress et s'aimer et mener à l'oppression et la dépression. Si vous voyez quelqu'un déprimé, découragé, abattu, c'est quelqu'un dont l'esprit a tellement été bombardé de pensées négatives. Bombardé, bombardé, bombardé. Quelqu'un qui a tellement cédé aux manipulations sataniques, cédé aux manipulations des démons, cédé que tu craques. C'est pour ça que les femmes sont parfois nerveuses. Et elles pas, on ne sait pas pourquoi elles sont nerveuses. C'est la vérité. Il se passe quelque chose dans son esprit qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et le moment où elle va ouvrir sa bouche, elle va exprimer ça par la colère. J'ai déjà étudié ça. Bien aimé, j'ai déjà étudié ça. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle de ta vie. Un sage m'a dit, il y a des années de cela, je crois, dans les années 2009, un sage a dit ceci, une injure soufferte en prépare une autre. Donc le sage nous dit que quand tu as été blessé dans ton fond intérieur, quand tu as été offensé et que tu souffres en toi, il se passe quelque chose en toi. Tu prépares la vengeance, tu prépares la réplique, tu prépares la répression, tu prépares la condamnation, tu prépares les paroles, tu prépares, tu prépares. Et dès que l'occasion se passe, parfois tu as dit, c'est parce qu'on a marché sur ton pied. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas marcher sur ton pied aujourd'hui et puis tu vas te mettre en colère quelqu'un ne peut pas te marcher sur ton pied du jour au lendemain et puis tu vas prendre tes bagages et tu as dit que tu t'en vas quelqu'un ne peut pas marcher sur ton pied aujourd'hui et puis tu as dit que tu demandes le divorce mon frère ça ne peut jamais arriver ça ne peut jamais arriver je peux vous le dire en tant que prophète de l'éternel les décisions spontanées que nous prenons là ce sont des choses qu'on a déjà médité il y a longtemps on a tout simplement utilisé une occasion comme si c'était ça mais en fait c'était la goutte qui a fait déborder le vase c'est moi qui vous le dis. Donc, si vous voyez quelqu'un prendre une décision spontanée, euh, euh, décider quelque chose, bien-aimé, cette personne a médité ça il y a longtemps. Arrêtons de nous mentir. Donc aujourd'hui, là, vous êtes là entouré de personnes qui méditent contre vous, qui vous soupçonnent et qui vous surveillent et qui vous. Qui... C'est la vérité que je vous dis. Donc, si vous voyez qu'un jour, pas patron. Parce que, bien aimé, quand une chose n'est pas, n'est pas, pas, pas préméditée, quand ça arrive là, tu cherches à comprendre. C'est après réflexion que tu as abouti à une décision. Je me trompe C'est après une bonne réflexion où tu comprends maintenant ce qui se passe, que tu as abouti à une, à une décision. Alors, ton patron ne peut pas se décider de te virer des mains. Ta femme ne peut pas décider de te quitter aujourd'hui. Ton mari ne peut pas se décider de dire « Non, je viens te présenter une nouvelle femme. » Ça a déjà été médité pendant des années. Et ces personnes attendaient seulement une occasion. Que tu leur donnes une occasion D'exprimer leur ras-le-bol. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens passent leur temps à méditer le mal, à souhaiter le mal, à te piéger, à attendre que tu tombes dans leur piège Ce sont les démons qui font ça. Et aujourd'hui, là, vous qui êtes connectés en tant que femme, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Il n'y a pas une femme qui va me dire non, dès que mon mari a fait ça, boum, j'ai plus ça a je suis parti. Non, tu as médité ça. Tu as prémédité ça. Tu as préparé ça. Pareillement, les hommes que vous voyez là-là, ils préparent. Donc, bien aimé, beaucoup de gens sont tellement en train de subir dans leur esprit, dans leur âme, ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Et aujourd'hui, le Seigneur voulait que je vous parle de ça. Parce que, bien aimé, il y a des chrétiens qui souffrent. Je vous dis la vérité. Ils ne sont plus capables de se concentrer dans la lecture biblique. Ils ne sont plus capables de se concentrer dans la parole de Dieu. Ils ne sont plus capables de se concentrer dans la prière. Ils ne sont plus capables de se concentrer à l'église. Ils sont comme des gens qui sont en train de perdre la tête. Mais le Seigneur me dit de vous dire que là où l'ennemi est en train de jouer son grand jeu, c'est dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme tripoté par des pensées de haine tripoté par des pensées de soupçons, tripoté par des pensées d'instabilité de, 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 émotionnelle, tripoté par des pensées de peur, tripoté par des pensées de déni. De, de Et c'est là que l'ennemi travaille fort. Vous savez, mes bien-aimés, dans la prière, il y a des clés. Je ne vais pas vous donner toutes les clés aujourd'hui, mais dans la prière, il y a des clés. Dans la guerre spirituelle, il y a des clés. Dans le combat spirituel, il y a des clés. Dans la prière de bénédiction, il y a des clés. Je peux vous dire et confirmer qu'il y a des hommes, des femmes, de qui vous n'allez rien obtenir. Parce que leur cœur est trop endurci. Même le pardon, vous n'allez pas obtenir. Même la faveur, vous n'allez pas obtenir. Même des lettres, vous n'allez pas obtenir. Parce qu'il y a des circonstances qui ont concouru à fermer leur cœur. Alors, ils s'ouvrent à moitié. Comme une fleur belle mais qui s'ouvre à moitié, qui a peur de s'ouvrir totalement. C'est ce que les gens sont maintenant de nos jours. C'est ce que les hommes et les femmes sont de nos jours. Dans des foyers avec l'esprit des soupçons, ils ne s'ouvrent pas. Ils se mentent tous les jours. Voici la raison pour laquelle je vous dis que dans le combat spirituel, il y a des clés. Et tant que tu ne connais pas ces clés, tu ne sauras pas comment l'ennemi fait pour te vaincre. C'est la vérité. Et Dieu dit: garde ton cœur plus que tout au monde. C'est la vérité. Et aujourd'hui, si vous voyez que nous-mêmes là, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Presque pas, presque pas de soutien. Vous croyez que c'est quoi? Les gens ont durci leur cœur. Ils ont été trompés par des pasteurs. Ils ont été abusés. Donc, les cœurs sont endurcis. Les gens te suivent, mais ils ne te font pas confiance. Vous savez combien de filles qui m'appellent Oh, homme de Dieu, oui, je veux que tu pries pour moi. Ça dit qu'ils sont prêts à te raconter leur vie. Maintenant, après, on veut acheter des livres. Quand tu leur dis non, que oui, ce n'est pas cas de crédit, ils ne vont pas te. Ça dit, ils te font confiance pour te raconter leur vie, pour t'exposer leurs problèmes, mais ils ne te font pas confiance pour autre chose. C'est le monde dans lequel on est. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai parlé mal de quelqu'un. Je ne fais que dire la vérité. Les cœurs sont devenus mauvais. Les cœurs sont devenus endurcis. Même nous-mêmes là, on est là, là, entre nous et puis nos fidèles là. Il n'y a pas confiance. Je vous dis la vérité. Parce que certaines filles sont venues essayer de nous séduire pour détruire nos ministères. Vous aussi, certains hommes de Dieu vous ont manipulés pour détruire vos vies. Finalement, là, on ne se fait plus confiance. Qu'est-ce qui a été endurci? C'est les cœurs que le diable a réussi à toucher. Le diable a réussi à rendre les cœurs mauvais. Et on est chrétien, mais avec un mauvais cœur. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, ton prétendu pasteur que tu suis là, le jour où on va dire qu'il a fait une chose là, c'est toi qui vas aller faire publicité pour le détruire. On se connaît. Aujourd'hui, là, vous les femmes, vous vous donnez à des hommes, oh oui, je t'aime, je t'aime, parce que tu attends le mariage. Mais le jour où que. Il dit que non, que je sens que ça ne va pas aller quelque part, qu'on arrête la vengeance que tu vas préparer contre lui. Là. Dieu seul sait. Et nous savons combien de fois vous vous êtes vengé. Une preuve que le cœur de l'homme est devenu mauvais. Le cœur de l'homme est devenu égoïste et mauvais. Nous sommes dans l'âge de si tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiendras à personne. C'est comme ça que nous sommes maintenant. C'est l'âge de la méchanceté, l'âge de la méchanceté, l'âge de la méchanceté où le pasteur empoisonne son frère, où, où la chrétienne empoisonne sa sœur, où on empoisonne quelqu'un parce qu'il a eu un visa pour voyager en Europe. Europe, là même, tu sais, même pas si il va là-bas, il va avoir papier, mais tu le tues par jalousie. Tu as dit quoi Tu as insulté quelqu'un. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a réussi à faire à fermer les cœurs. à fermer les cœurs. Et peut-être que toi-même là, à qui je parle maintenant là, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire de toi. À faire de toi un homme très méchant, à faire de toi une femme très méchante. Et c'est là que le diable a réussi à t'avoir. Tu as besoin de demander à Dieu de te délivrer de l'oppression démoniaque. Tu as demandé à Dieu, tu as besoin de demander à Dieu de te délivrer. Tu dois dire à Dieu Seigneur, délivre-moi de l'oppression démoniaque. Bien-aimé, aujourd'hui là on dit qu'on est ami. On est ami, on est ami. Et puis demain l'amitié se gâte. Tu vas entendre que la personne qui dit qu'elle est ton amie, là va commencer à inventer des mensonges sur toi. Mais c'est déjà arrivé en 2018. D'une seule en France qui voulait travailler avec moi, ça n'a pas marché. Elle est allée rassembler les gens pour dire non, qu'il y a un prophète qui lui a dit: fuyez eloge, fuyez eloge, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Elle a essayé, elle a essayé. Quand elle a vu que les gens ne l'écoutaient pas, elle s'est tue. Je vous dis la vérité. Donc aujourd'hui là, c'est vrai que vous vous méfiez de nous, mais nous aussi, on a peur. Alors, les gens, ils ne cherchent pas à se faire connaître. Parfois, tu les appelles ou ils t'appellent, homme de Dieu, bonjour, je vais prier. C'est qui Je ne dis pas mon nom. C'est qui Non, il faut prier seulement. C'est qui Donc, les gens ne se font plus confiance. Les cœurs sont devenus mauvais et méchants. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, bien-aimés, comment devons-nous agir Comment devons-nous faire pour que Dieu nous délivre de l'oppression des Nous devons prier pour protéger notre esprit. C'est là où toutes vos bonnes décisions se prennent. C'est là où tous vos projets se planifient. C'est là où votre avenir se planifie. C'est là où vous élaborez tous les projets que vous voulez. C'est là où vous faites tout ce que vous désirez. C'est là où se prépare votre avenir. C'est là où se trouvent les solutions à vos problèmes. Je vais entendre quelqu'un dire délivre mon esprit de l'oppression démoniaque. Délivre mon âme de l'oppression démoniaque. Maintenant, bien aimé, comment sentir. Que tu es sous une oppression démoniaque. Comment le savoir? Lorsque tu es sous une oppression démoniaque, tu n'es plus maître de tes pensées. Tu n'es plus maîtresse de tes décisions. Lorsque tu es sous une oppression démoniaque, toutes les pensées que tu as te font mal. Toutes les pensées que tu, tu reçois réveillent une blessure en toi. Ça veut dire que tu es sous une oppression mentale. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, délivre ma tête des flèches mystiques. 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 Délivre ma tête, Seigneur, des flèches mystiques. Seigneur, délivre ma tête des flèches de l'oppression mystique. Bien aimé. Durant ce problème que tu es en train de vivre, s'il y a une chose que tu dois garder plus que tout le monde, garde ton cœur, garde tes pensées, garde ton âme. En tant que serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, j'ai su comment l'ennemi a cherché à m'attaquer. Et je vais vous dévoiler le secret. Le jour que vous allez découvrir dans votre cas ce que l'ennemi utilise, l'ennemi n'arrivera plus jamais à vous vaincre. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, délivre-moi de l'oppression démoniaque. Bien-aimé, tu vas partager cette vidéo pour moi, s'il te plaît, et je vais déclarer des paroles sur toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute arme mystique... Forger contre la pensée de cette personne qui est en train de partager les vidéos pour me soutenir, soit nul et sans effet. Que toute main satanique qui tripote tes pensées, qui tripote tes pensées, soit ôtée, soit ôtée, soit brisée. Que toute main mystique. Que tout même mystique, que tout même mystique, que tout même mystique, qui tripote vos pensées, votre esprit soit chassé, soit ôté, soit détruite, soit brisée, soit cassée. Au nom de Jésus, frère, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité, mon frère. La source de ton succès, c'est ta pensée, ma sœur. La source de ton bonheur, c'est ta pensée. Aucun homme ne peut te rendre heureuse. C'est pour ça que vous cherchez le bonheur, mais vous ne l'avez jamais. Aucune femme ne peut te rendre heureux, mon frère. C'est pour ça que tu passes ta vie à changer des femmes, mais ta vie n'avance jamais. Ton bonheur viendra de ta capacité à voir. À ton homme, le meilleur des hommes, mais sans regarder ses défauts. Ton bonheur viendra de ta capacité à apprécier ta femme comme étant la meilleure des femmes, tout en sachant que toutes les femmes sont mêmes. Je vous dis la vérité, même si elles ont des petites qualités qui diffèrent. Même humeur, même tempérament, même comportement, même chose. Homme, pareil. Je te dis la vérité. Le bonheur vient de la stabilité mentale. La parole de Dieu dit que le désir, c'est la carie des os. Le bonheur vient de ta stabilité mentale. Ton bonheur vient de ta stabilité mentale. Et ta stabilité mentale définit ta stabilité émotionnelle. Ta stabilité émotionnelle détermine ton harmonie. Et ton harmonie détermine ta paix du cœur. Mais quand tu es agité par des pensées de DDM, quand tu es agité par des pensées de jalousie, quand tu es agité par des esprits, quand tu es agité par des esprits de soupçons, de méfiance, quand tu es assise et puis des démons parlent dans ta tête là, tu ne peux jamais avoir de bonheur, ton âme est tourmentée, ton esprit est agité, tu ne peux jamais avoir la paix. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais toi, ton esprit est agité par des démons, tes pensées agitées par des démons. Tu n'arrives même pas à trouver de tranquillité et parfois même. Tu n'arrives même pas à avoir sommeil. Tu n'arrives même pas à trouver la paix du cœur. Parfois, tu vois le mal partout. Parfois, tu crois que tout le monde t'en veut. Tout le monde te déteste. Tout le monde te hait. Tout le monde pense mal de toi. Mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui pense mal de toi. Tu es spirituellement malade dans l'âme. Tu es spirituellement oppressé. Tu es spirituellement oppressé. Et parfois, tes pensées deviennent telles que tu as l'impression que tu vas perdre la tête. C'est la vérité. Parfois, l'ennemi intensifie son oppression. Il intensifie, il intensifie, il intensifie. Il, le diable est capable d'aller te faire imaginer n'importe quoi. Ton mari peut aller au travail, il revient. Déjà dans tes pensées, il est allé voir quelqu'un. Je vous parle de quelque chose. Ta femme peut être en train de parler à quelqu'un. Peut-être même c'est son cousin. Dans tes pensées, tu as déjà déterminé avec qui elle parle. Un appel manqué. Peut-être que la personne ne voulait tout simplement pas parler au téléphone. Dans tes pensées-là, tu as déjà caricaturé ça. Tu as déjà déterminé. Donc, le diable va jouer avec tes pensées. Il va jouer avec ton âme. Il va jouer. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des filles là. Elles sont là. Un beau matin, elles craquent Moi, Ça part à pleurer. Tu es resté loin sans ton enfant. Ton enfant est resté en Afrique. Tu étais là tranquille, tu te battais pour l'enfant, tu appelais, oh mon bébé, comment ça va Ça va aller, bon courage à toi, maman, maman va bien, je vais te voir. Et un beau matin, le diable vient dans ton esprit, il va créer un manque, il va créer un besoin, il va créer une situation, il va créer une douleur, il va t'injecter une petite pensée, il va te vacciner. Et puis toi, là, qui étais là, comme une femme forte, tu, tu te battais là. Un beau matin, tu te vois, en train de pleurer. Tu pleures pourquoi Mon enfant me manque. Tu pleures pourquoi Et j'ai envie de voir maman. Tu pleures pourquoi J'ai envie de voir. Ils vont venir jouer dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Pourtant, quand tu regardes, hein, quand ces démons ne travaillent pas dans ton esprit là, tu n'as pas pensé à un mal. Hein? Tu voyais le bien partout. Quand ces démons n'étaient pas là, là, tu étais tranquille. Quand ces démons n'étaient pas là, là, garçon ne te disait rien. Tu as passé des, des mois, huit mois, deux ans, tu n'as pas pensé à un homme. Hein? Mais dès que tes bénédictions approchent, ils vont venir s'asseoir dans ton esprit. Les premières des choses que tu penses chaque minute, c'est avoir la l'affaire avec un homme. Tu vas te battre avec ça dans ton esprit. Ils sont assis. Les démons de sexualité sont assis. Parfois, tu vas les voir en rêve. On va introduire ça dans ta vie. Ça à dire que tu as rêvé et tu as vu deux personnes en train de s'accoupler. Quand tu te réveilles là, toi tu crois que c'est un rêve, mais ils viennent d'introduire ça dans ton esprit. À ton réveil là, les mêmes choses que tu as vues en rêve là, tu as envie de les reproduire. Ils ont introduit dans ton esprit. Donc, si tu t'es battu en rêve, si tu étais en colère en rêve, tu te réveilles, tu crois que c'est juste un rêve. C'est une sémence qu'ils ont mise en toi. Ce que tu as vu en rêve, là, tu vas reproduire ça. Tu as vu des excréments, tu étais dans une salle de toilette en rêve. Tu étais dans, en train de faire pipi en rêve. Tu étais en train de faire tes besoins dans une salle de toilette. Toi, tu crois que c'est juste tes besoins que tu étais en train de faire. Tu vas te réveiller. Oh non, je brise tout envoûtement. Je brise tout envoûtement. Ce n'est pas une sorte d'envoûtement à briser. Tu vas voir que les excréments que tu as vu en rêve, là, ça veut dire que tu vas avoir un comportement désagréable. Te voir dans la salle de toilette en train d'uriner, en train de déféquer ou voir des excréments. Ça veut dire que toi-même là, tu vas avoir un caractère désagréable. Tu seras désagréable avec ton mari. Tu seras désagréable avec ta femme. Tu seras désagréable. Un jour même, tu seras tellement désagréable que tout le monde aura peur de te parler dans la maison. Et là, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont introduit dans ton esprit. Le jour que ton mari de nuit va passer, que ta femme de nuit va passer, tu seras désagréable envers ta femme. Tu seras désagréable envers ton mari. Mais c'est parce que le mari de nuit ou la femme de nuit veut passer à l'action. Alors, il faut créer une situation de tension, comme ça, quand tu restes dans ton coin, et ils peuvent venir se servir de toi. Sinon, ton mari ou ta femme va gâter l'affaire. Alors, ils vont venir d'abord semer la zizanie dans ton esprit. Ce sont des semences diaboliques. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de toutes les semences diaboliques. Dis à Dieu Seigneur, délivre-moi de toutes les semences diaboliques. Délivre-moi de toutes les semences diaboliques. Seigneur, délivre-moi de toutes les manipulations diaboliques. Seigneur, délivre mon esprit. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, délivre mon corps, mon cœur, mes pensées. Au nom de Jésus, frère, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y a des filles qui m'écoutent. Là où tu es là. Il y a des journées où des images sexuelles te viennent dans la tête et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il y a des journées où tu as eu des disputes avec quelqu'un. Subitement, l'image de la dispute revient. Tu as été insulté, tu as été offensé. Subitement, l'offense revient. Tu as été choqué ou quelqu'un t'a parlé mal. Tu as même oublié. Subitement, au bord de tes percées, ils vont aller chercher ça. Ranimer ça dans ton cœur et dans ton esprit. Parfois tu es en colère, et puis quand on te demande, c'est pour une chose qui s'est passée il y a dix ans. On croyait même que c'était fini. Et les démons vont aller chercher ça parce qu'ils n'ont trouvé rien d'autre que ce qui t'a fait mal il y a des années pour venir jouer à ton esprit. Et aujourd'hui là, le Seigneur veut que je parle de ça parce que beaucoup de gens accusent Dieu de les avoir oubliés et de ne pas répondre à leurs prières. Mais la loi divine est claire, c'est dans le calme et la confiance. Que sera ta force? La Bible dit que c'est lorsque il y aura de la tranquillité émotionnelle, la tranquillité sentimentale, la tranquillité mentale. C'est là que tes prières commencent à devenir puissantes. Alors toi, tu crois qu'il s'agit de se promener derrière les hommes de Dieu? Mais depuis là, comme tu n'as pas de tranquillité en toi là, tu as vu qu'aujourd'hui tu quittes ici, tu changes d'homme de Dieu, tu vas là-bas, tu es devenu spirituellement vagabond, tes pensées se baladent, il n'y a pas la foi. Oh, c'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que celui-là qui court à gauche, celui-là qui court à droite, celui-là qui est émotionnellement instable, mentalement instable, sentimentalement instable, euh, euh, priatiquement parlant, instable, la Bible dit que tu ne peux jamais recevoir quelque chose. Tu es comme les vagues de la mer. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de stabilité. Et quand tu regardes bien ta vie, c'est toi que je suis en train d'expliquer. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit c'est toi. Même si tu dis que tu es fâché là. Et qui s dit, j'assume. C'est de toi que je parle. Et c'est exactement ce que les démons te prennent pour faire. Ils te prennent comme ça pour te promener. Dans tes pensées, tu te promènes. Dans ton esprit, tu te promènes. Tu n'es même pas stable. Parfois, même tu es avec ton copain. Le copain croit que tu es avec lui. Mais tes pensées sont en train de se balader là-bas avec d'autres hommes. Ça dit que l'ennemi ne les laisse pas. Même dans ton foyer, il vient te contrôler. Il vient te contrôler. Il va venir te prendre pour aller. Te souvenir des beaux moments que tu as passés avec un voyou alors que tu es assis tranquillement. Tu n'es pas seul dans ta tête. Tu t'assois dans un véhicule. Si tu es malin là, prends une Bible, commence à lire. Si tu es malin là, prends une prière, commence à faire. Tu ne peux jamais t'asseoir dans un métro comme ça, aller jusqu'à arriver. Le diable va injecter des pensées. Tous ceux qui montent là, tu vas commencer à les dessiner. Tu vas commencer à penser mal. Tu vas commencer à les insulter. Tu vas commencer à avoir du mal à. Tu vas même changer de place tellement tu soupçonnais telle personne dans ton esprit ils vont travailler. Non, les gens montent dans le bus, ils sortent, ils descendent, mais ils savent pas ce que tu as imaginé de. C'est une preuve que là où tu es là, tu es spirituellement malade. Ton âme est instable, ton esprit est instable. Le diable est en train de jouer avec ton âme et ton esprit. Et là, les gens ne savaient pas que non. Qu Qu'est-ce qu que je suis en train de vivre? Et il croit que c'est normal. Quand ça arrive là, il se laisse emporter par la vague de manipulation. Il y a des gens même qui se perdent. Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui est arrêté avec toi, mais il est ailleurs. Ça veut dire que les démons sont quand même capables de te manipuler qu'au milieu d'une conversation, ils peuvent te récupérer ton esprit. Et t'emmener loin. En quelques secondes, il te ramène. Et puis, la personne avec qui tu parles, à quoi que tu l'écoutes. Hein, et tu lui dis Mais, ah, eh hein, hein, eh hein, hein, dit quoi Bien hein, hein, aimé. Cette personne-là, son âme ou son esprit vient de faire un voyage rapide pour revenir. Donc, beaucoup de chrétiens, leur prière ne monte jamais à Dieu. À cause de l'oppression démoniaque. Et c'est comme ça que le diable fait. Combien de fois tu n'étais pas en train de conduire, et puis en quelques secondes seulement, ils ont déplacé ton âme, déplacé ton esprit. Tu étais au volant et tu as oublié que tu étais au volant. C'est grâce à Dieu que tu t'es ressaisi. Et certains ne se sont pas ressaisis. Ils sont même allés cogner quelqu'un. Cogner un bois, cogner un arbre. Pendant que tu es au volant là, les gars sont capables de prendre ton esprit et de te déplacer. Tu perds le contrôle. Ils sont capables. Ça veut dire que tu peux perdre. Tu es en train de traverser la route. Ils prennent ton esprit et puis ils le déplacent. Ça veut dire que c'est de justesse que le chauffeur freine. Et puis on dit, mais hey, c'est quoi ça Qu'est-ce qui te prend Tu te jettes sur la route comme ça tu dis au monsieur, oh, I'm sorry, sir. Non, euh, je suis désolé, monsieur, excusez-moi. Et puis, quand tu traverses, tu dis, mais qu'est-ce qu qui vient de se passer comme ça? Ils ont déplacé ton esprit. Ils ont capturé rapidement ton esprit. Ils veulent que tu fasses un accident. Manipulation du monde des ténèbres. Et beaucoup de gens sont en train de vivre ce qu'on appelle l'oppression. Et l'une des oppressions sataniques que nous vivons, c'est quand l'ennemi déplace ton esprit. Et il va attacher ton esprit quelque part dans le monde des ténèbres, dans une bouteille. Amen. Et puis, il met notre esprit en toi. Et c'est cet esprit-là qui te prend pour aller dans une, dans une, dans une, dans une affaire. C'est cet esprit-là dans ton corps qui te prend pour aller dans tel pays où on va te tuer. C'est cet esprit-là. Ça veut dire que quand tu allais là, personne au monde ne pouvait t'arrêter. Maintenant que tu es coincé là-bas, là, c'est là que tes vrais sens reviennent. Et puis tu contemples maintenant l'ampleur de tes décisions, des conséquences. Et parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et puis je n'ai pas su que je faisais une erreur. Qu'est-ce qui m'a surpris et puis je n'ai pas su que je donnais mon argent à un escroc? Qu'est-ce qui m'a pris et puis je n'ai pas su que j'étais dans la mauvaise affaire pendant des années? Parce que, bien aimé, ce n'était pas toi-même. C'est lorsque ton esprit est venu maintenant que tu t'es ressaisi, que tu as commencé à comprendre ta situation. L'oppression démoniaque. Et. On ne peut jamais sortir d'une situation qui découle de l'oppression démoniaque en demandant des prières au téléphone. En demandant des prières au téléphone. L'une des choses qui fait que l'oppression démoniaque cesse, c'est quand l'oppressé... C'est désormais prier. C'est désormais se défendre. C'est désormais se protéger. C'est désormais appeler Dieu. C'est désormais prier. Et je peux vous le prouver. Il y a des femmes qui étaient oppressées par le mari de nuit. La femme de nuit a oppressé beaucoup d'hommes. Les démons vous ont oppressé. Vous avez beaucoup couru derrière les hommes de Dieu. L'oppression continuait. Vous avez beau demander des prières à gauche et à droite. Le mari de nuit venait les mauvais rêves. Mais regardez, depuis que vous avez commencé à prier intensément et violemment, est-ce que tout s'est pas arrêté? Dans le cas de certaines personnes, tout s'est totalement arrêté. L'ennemi ne vient même plus. Parfois même, c'est quand vous oubliez de prier qu'il vienne. Il y a la grande sœur euh, Bernadette ou quoi là, qui est là, qui peut témoigner. Elle a passé tout son temps, c'est Antoinette ou Bernadette, c'est une grande sœur, qui est là. Elle a souffert du mari de nuit pendant des années. Mais depuis qu'elle est rentrée dans le combat spirituel, quand elle est venue à Océan des Grâces, le mari de nuit même, elle ne le voit plus. Il s'est cherché, il s'est barré. Pourtant, pendant des années, elle a toujours demandé, hé, hey, bain spirituel, bain prophétique. On a lavé ses pieds, haut. je ne sais pas dans quelles conditions, haut, mais on l'a lavé, on l'a lavé. C'est vrai, grand-sœur, on t'a lavé, non On t'a jagé même fini, pas fumé. Mais le mari de nuit s'en fout de ça. Il venait toujours. Mais regarde, depuis qu'elle a appris à se défendre, <coughs> ça fait aujourd'hui quatre ans qu'elle n'a plus vu le mari de nuit. Donc, on ne sort jamais de l'oppression satanique. En demandant des prières à gauche, à droite. Mais c'est lorsque. Non, c'est pas toi, Elisabeth Nyeba. Peut-être que toi aussi. Mais depuis qu'elle a appris à se défendre, depuis qu'elle a appris à prier, depuis qu'elle a obtenu mes livres de combats spirituels, qu'elle a commencé à se protéger, C'est maintenant comment casser, briser, détruire, annuler, bloquer là. Mais bien aimé, sa situation a totalement changé. Alors, là où vous êtes là, s'il y a quelque chose que vous devez faire, c'est d'apprendre à vous défendre. D'apprendre à vous défendre. Parce que si vous continuez de vous cacher derrière vos pères spirituels, là, le jour où le père spirituel n'est pas là, est-ce que le père spirituel, il doit être toi Il ne doit pas être toi. <laughs> Sauf si toi, là, ton père spirituel et ton mari en même temps. <laughs> On ne sait jamais. Vrai ou faux? Si toi, ton père, de ton gars, en même temps, là, on sait que toi, là, ton cas est grave. Donc, mon ami, alors... <laughs> Donc, c'est affaire-là qui est là. <laughs> tu dors chez lui. Il n'y a pas de problème. Ou bien, il est ton tuteur. <laughs> Donc, mon ami, <laughs> si tu es malin, là, il faut apprendre à prier. Il y a quelqu'un qui m'a donné 10 points. Merci et je n'ai qu'obéi. <laughs> Toi, au moins, tu sais que c'est la vérité. Donc, bien-aimé, il faut finir de rire. On va avancer. <laughs> Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de subir l'oppression satanique. Amen. La parole de Dieu déclare en Jean 10, verset 26 à 28. Jean 10. Mes yeux, mais vous ne pardonnez, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de mes mains. Alléluia. Donc, bien aimé, l'oppression satanique est une mauvaise chose. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, débarrasse-moi de l'oppression satanique. Dis à Dieu Seigneur, débarrasse-moi de l'oppression satanique. Débarrasse-moi de l'oppression satanique. Ce que l'oppression satanique va faire, c'est que l'oppression satanique, amen, l'oppression satanique coupe la connexion entre Dieu et toi. L'une des choses que l'oppression satanique fait, c'est que ça te voile les yeux, ça souille ton âme, ça souille ton esprit, ça souille tes pensées. Bien-aimé, c'est ce que l'oppression satanique fait. Lorsque tes pensées sont trop oppressées, lorsque ton âme est trop oppressée, lorsque ta vie est trop oppressée, tu commences à ne plus entendre Dieu. Frère, vous allez remarquer que la plupart des temps où les frères et sœurs ont été attaqués dans leurs pensées. Tu es assise, ma sœur, tu es tourmentée par des pensées bizarres. Tes rêves ont commencé à cesser. Tu ne te souvenais plus de tes rêves. Parce que, bien aimé, dans le combat spirituel, les agents du monde des ténèbres ont des cibles. Et c'est ce que je vous dis. Et très souvent, pour pouvoir attaquer un enfant de Dieu, ils ont des cibles. À un moment donné, ils peuvent ne pas savoir que tu vois tout. Mais lorsque ils entendent que tu racontes tes rêves partout, ils entendent que tu as parlé de tes rêves, ne serait-ce qu'une fois que tu allais expliquer à quelqu'un, hey, « Hé, ma chérie, hein, j'ai rêvé, hein ?»« Oh, j'ai rêvé !» Oh, immédiatement, ils vont passer à l'action. Tu vas voir que les instants qui ont suivi, le même jour ou le lendemain, ils vont commencer à injecter des pensées négatives. C'est tellement subtil que tu ne te rendras même pas compte. Parce qu'ils vont faire en sorte que tu crois que c'est toi-même qui es en train de réfléchir. Tu seras tranquille comme ça. Et puis, ces pensées négatives d'oppression satanique ont tout simplement besoin de durer 30 secondes. Elles ont tout simplement besoin de durer que 30 secondes. Maintenant, imaginez, les gens dans leurs pensée, se laisse emporter. Ils y prennent plaisir. Parfois, même, ils vont visiter la maison des gens. Ils vont visiter leur passé. Parfois, même ils se projettent jusqu'à ce qu'ils se perdent. Donc, déjà, comme ces pensées sont déjà fausses, en ce moment, tu viens de commettre un péché. Et c'est là que le diable capture les gens. Parce qu'il va te prendre pour aller dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, même si tu t'imagines en train de coucher avec un homme, même si tu t'imagines en train de faire quelque chose, c'est du mensonge que tu es en train d'inventer. À partir de là, là c'est fini. Tes rêves se coupent. Bien-aimé, bien, il n'y a pas à dire non, demain, tes rêves vont se couper. La même nuit, tes rêves se coupent. La même nuit, et puis quand tes rêves se coupent comme ça, il ne faut pas croire que ça va revenir le lendemain. Le seul moment où Dieu va te faire grâce c'est quand il y a quelque chose de sérieux, tellement sérieux que Dieu a fait tous les efforts pour te montrer ça. C'est pour ça que vous allez remarquer que parfois, vous ne rêvez pas, vous ne vous souvenez d'aucun de, de vos rêves. Mais un jour, il y a eu une situation tellement grave, grave, et cette situation grave-là, tu as pu te souvenir de ce rêve. Parce que ce jour-là, Dieu savait qu'il fallait à tout prix que tu te souviennes de tes rêves. Pourtant, ça fait longtemps que tu ne te souviens pas de tes rêves. Mais comme cette fois-ci, c'était vraiment urgent, alors Dieu va s'arranger à ce que tu te souviennes de tes rêves. Mais en dehors des choses urgentes, et très souvent, toi-même, tu ne te souviendras de rien parce qu'ils t'ont trop enfoncé dans tes bêtises et dans la boue. Alors, c'est quelqu'un d'autre maintenant qui va rêver pour t'interpeller et qui va te dire Hé, hey, j'ai fait un rêve. Parfois, d'autres personnes vont rêver pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Pas parce que tu as péché. Pour te consoler, Dieu peut faire que quelqu'un va rêver quelque chose de bien alors que tu t'inquiètes. Dieu peut passer à quel, par quelqu'un pour te montrer quelque chose de bien, pour dire non, elle est en train de s'inquiéter, mais dis-lui que je me suis souvenu d'elle pour que tu ne t'inquiètes pas. Mais dans certains cas-là, tes rêves sont morts. Tes prières ne montent plus. Parfois, là même, c'est rien qu'un flash. À partir du moment où tu mords à la maison, que tu n'as pas rejeté cette pensée, je te garantis. Tu peux passer même des mois, tu peux passer même des semaines. Tu ne te souviens de rien. C'est-à-dire que tu n'es plus présent. Hein. Ils ont déjà capturé ton esprit. Tu avances, mais tu ne sais pas, tu avances où? Parfois, même tu as des problèmes et puis tu as comme l'impression que tu es comme, tu n'es pas là. Quand tu te regardes comme ça, quand tu te sondes, il y a des moments où tu sens que tu n'es pas présent. Les gens te voient physiquement, mais tu sens qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas trop présent là. Tu peux même arriver au travail. Tes amis même peuvent sentir que, hé, hey, Ma soeur, aujourd'hui là, on ne te sent pas trop là. Tu vas, tu vas tout faire pour leur dire non, ça va, ça va. Mais en fait, ils ont constaté que tu n'es pas présent. C'est la vérité. Parfois, même les gens n'ont pas besoin de constater. Toi-même, tu vas sentir que tu n'es plus la même personne. Pendant un temps, tu vas sentir que tu n'es plus la même personne. Tu vas le sentir toi-même. Dans ta comportement, tu vas sentir que mm, 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 deux jours là, je sens que je suis un peu nerveux. Deux jours là, je sens que je m'énerve rapidement. Deux jours là, je sens qu'elle devient lourde. Deux jours là, je sens qu'elle ne m'élève pas. Et au-delà, tu vas sentir que le monde des ténèbres a déjà déplacé ton âme. Tu vas sentir que tu es un peu évasif. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à te focaliser. Ça veut dire qu'ils ont déjà déplacé ton esprit. Et l'une des choses qui montre que une personne est sous oppression démoniaque ou bien contrôlée par le monde des ténèbres, je te donne un signe palpable qui te prouvera par A plus B ce qui se passe quand tu es capturé par le monde des ténèbres. Ton esprit n'est plus stable. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu n'arrives plus à te stabiliser. Tu n'arrives plus à te focaliser sur une chose. C'est là que tu sais que quelque chose d'autre a pris le contrôle de ta vie. Si c'est un démon de distraction, tu vas voir que tu ne pourras plus te concentrer sur autre chose, à part ce sur quoi ce démon voudrait que tu te concentres. En fait, c'est ce qui arrive. Quand quelqu'un d'autre dicte ta vie, tout ce que tu veux faire toi-même, tu n'arriveras jamais à le faire. C'est le contraire de ce que tu veux que tu fais. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que non. C'est une entité démoniaque qui est venue s'asseoir et qui contrôle ta vie. Regardez ce que je vous dis, vous allez voir. Les gens peuvent ouvrir la Bible. Des minutes après, ils ferment la Bible et il y a une voix qui leur dit va bah, regarder un peu les infos. Alors, ils ferment la Bible. Parfois, la Bible est ouverte, mais ces personnes sont sur leur téléphone. Jusqu'à l'envie de lire la Bible, ça va passer. Tu vas fermer la Bible et tu vas dormir. Ils vont venir t'attaquer. Beaucoup de gens sont sous manipulation démoniaque. Beaucoup de femmes ne sont pas maîtresses de leurs pensées. Dans leur esprit, il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de paix. Vous allez voir, il y a des femmes et des hommes qui sont tourmentés en ce moment. Tourmentés par des pensées. Tourmentés par la vengeance. Tourmentés par la colère. Tourmentés par les esprits. Tourmentés dans leur fond intérieur. Beaucoup de gens sont en train d'être oppressés. Vous allez les voir comme ça là. Ils ne peuvent pas s'asseoir tranquillement. Ils ne peuvent pas rester tranquillement. Même la bouche fermée, ces personnes parlent dans leur esprit, discutent avec les démons, parlent avec les entités qui les, off qui les oppressent. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes qui ne sont plus maîtresses de leurs leur pensées, à beaucoup d'hommes qui ne sont plus maîtres de leurs décisions. Et je sais que tu ne savais pas que c'était les entités démoniaques qui influençaient tes pensées. Parce que la pensée, c'est le moteur de tout succès. Voici pourquoi le diable fait la guerre à la pensée. Une fois la pensée comprend quelque chose, le corps a tout de suite envie de le faire. Une fois la pensée voit quelque chose le cœur a tout de suite envie de l'accomplir. Mais lorsque vous regardez les choses charnelles et que l'esprit ne les a pas encore compris, même si on vous a expliqué mille fois, vous ne vous déciderez pas. Les décisions se prennent quand la pensée, quand le réveil spirituel se trouve. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui se réveillent un beau matin, inspirés, motivés et prêts à tout faire pour réaliser des choses. Mais juste à ce que cette prise de conscience qu'on appelle le réveil spirituel survienne et que la personne est en train de dormir spirituellement, vous allez voir, peu importe sa souffrance, les décisions ne sont jamais prises. Et vous allez voir que les gens dont l'esprit a été oppressé, a été étouffé, a été endormi, le signe qui montre que l'esprit d'une personne a été attaché, a été lié, a été bloqué, a été envoûté, c'est l'indécision. Un homme, une femme, un individu, un enfant, dont l'âme et l'esprit, l'esprit est spirituellement lié, attaché et autre. Bien aimé, le premier signe qui le démontre est l'indécision. Cette personne aura du mal à se décider. Elle aura du mal à se lever. Tu vas voir qu'elle parle beaucoup, mais elle n'agit jamais. Juste à ce que Dieu donne la force la puissance à son esprit. Puisque c'est l'esprit qui vivifie et que le corps n'est rien, le jour que son esprit percevra la réalité, cette personne sera inspirée. Le jour que son esprit trouvera la force, cette personne aura le courage. Le jour que son esprit perdra aussi la force, cette personne sera découragée, déprimée, découragée, malade, faible et n'aura aucune envie. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va envoyer ce qu'on appelle les esprits vampires. Il y a une dame qui dit que quand on parle des vampires, les gens pensent que ce sont des choses dont on parle dans les sciences fiction Les vampires spirituels existent vraiment. Ce sont des entités qui sucent l'énergie d'une personne. Ce sont les entités qui bouffent l'énergie d'une personne. Ce sont les entités qui font en sorte que tu t'accroches à des choses qui te prennent le temps l'énergie, la force. Mais depuis que tu es là, là, ta force aurait pu changer ta vie. Ton temps aurait pu changer ta vie. Ton investissement dans ton, de ton temps dans la parole de Dieu aurait pu changer ta vie. Ton investissement de ton temps dans tes métiers, dans tes projets, dans tes écrits, dans tes préparations, dans ton apprentissage aurait pu transformer ta vie. Parce que la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est le temps. Et la clé du succès, c'est la pensée. Alors le diable va manipuler les gens et les accrocher à des choses qui ne sont pas importantes. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui sont pauvres, en retard, bloqués, souffrants, malades, et qui n'ont rien fait de bon de leur vie là. Si vous analysez là, ce n'est pas une malédiction quelconque qui les bloque. Mais la vraie malédiction qui les détruit là, c'est que l'ennemi a maudit ces personnes. Or, la malédiction, ce n'est pas juste le mot qu'on a dit là. C'est le démon que les, la parole là attire. Parce que toutes les paroles sont esprit et vie. Alors, quand quelqu'un te maudit là, ce n'est pas parce qu'il t'a maudit pour que ta vie soit comme ça. Par la malédiction, il t'attire un esprit. Qui va venir te condamner. Et c'est cet esprit-là qui te poussera à avoir le comportement des femmes qui n'est pas capable de se marier. Alors, ils vont te maudire en disant que tu n'as pas le droit de te marier. Et tu vas remarquer qu'effectivement, ils t'ont dit que tu n'as pas le droit de te marier. Mais analyse bien ta vie. Pourquoi tu n'as pas eu le droit de te marier? Tu vas voir que tu es une femme insolente. Tu vas voir que tu es une femme impolie. Tu vas voir que tu es une femme agressive. Pourquoi tu n'as pas eu le temps de te marier? Tu vas voir que tu es un homme volage, un homme impudique, un homme méchant. Un homme instable. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire là, si l'ennemi veut que toi là tu n'enfantes pas, ils vont te manipuler. Ils vont te faire en sorte que tu dises non, je n'ai pas encore le temps d'avoir enfant. Tu dis, je n'ai pas encore le temps d'avoir. Ils vont te faire procrastiner, procrastiner. Le temps tu vas te rendre compte tu as déjà 50 ans. Pas d'enfant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir enfant. Mais ils ont envoyé un esprit qui est venu s'asseoir en toi et qui te dit non, ce n'est pas le temps d'avoir enfant. Non, ce n'est pas le temps d'avoir enfant. Non, ce n'est pas le temps d'avoir enfant. Et le temps que tu ouvres tes yeux là, tu as déjà 50 ans. Et c'est là maintenant que tu demandes à Dieu la grâce. Ils viennent de ta voix, ils t'ont eu. Si je mens, dis-moi si ce n'est pas ce qui s'est passé dans ton cas. Tu avais la possibilité d'avoir un enfant. Tu avais même des gens qui voulaient te marier. Mais tu vas remarquer, tu as pris seulement que des produits pour ne pas tomber enceinte. Tu as pris seulement que des stérilés. Tu as pris seulement que des injections pour ne pas tomber enceinte. Tu as procrastiné. Parfois même tu avais des hommes qui voulait un enfant, tu as des miettes. Tu as tout fait pour ne pas tomber enceinte. Et ils ont poussé, poussé, poussé. Et puis au dernier moment, là, quand tu as besoin d'un homme maintenant, là, tu ne trouves pas. Le stress commence, l'inquiétude commence, la pression commence. Ils viennent de te dribbler. C'est comme ça l'ennemi fait. Alors, il travaille dans l'esprit des gens. Ils manipulent ton esprit. Ils voilent ton âme. Ils oppressent tes pensées. Les seuls moments où vos esprits ont du repos, mesdames, c'est quand vous dormez. Les seuls moments où votre âme a du repos, mesdames et messieurs, c'est quand vous dormez. Et encore, quand vous dormez, vous avez pensé tellement de mauvaises choses dans la journée que ces, ces mauvaises choses que vous aviez vues là vont venir vous hanter encore dans votre sommeil. Vous allez encore faire des rêves bizarres. Les personnes à qui vous avez pensé surtout en mal, vous allez les revoir en rêve en train de vous agresser. Vous allez croire que ce sont les personnes qui vous agressent, mais les démons qui ont trouvé cette faille et qui les prennent pour venir vous agresser. Ils profitent de toutes les occasions. Si logique qui a menti, dites-moi. Donc, l'ennemi va travailler et manipuler vos esprits. C'est pour ça, chaque jour de votre vie, dites à Dieu de délivrer vos esprits. Vous savez, un homme de Dieu doit dire la vérité. Il doit être sincère. Même si parfois, certains de ses enfants vont dire Mais pourquoi il dit ça Mais bien aimé, je suis là pour prêcher la vérité, non pour la retenir captive. Lorsque j'étais jeune, l'ennemi m'avait bombardé. Vous savez que l'ennemi, quand il t'attaque, il t'attaque selon ton potentiel. Il t'attaque selon ton don et ta destinée. Imaginez-moi, je suis un écrivain-conférencier, prophète, écrivain-conférencier. Alors, quand le Seigneur m'a révélé que moi, où je suis là, je dois écrire des livres. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ont bombardé mes pensées. Là où j'ai su que j'avais un problème, c'est quand Rebecca, l'une de mes petites cousines, Rebecca, elle a ouvert la bouche. Pour dire-toi, Éloge, là. Parfois, là, je sais que quand tu es là, là, il y a des pensées qui, pensent, qui passent en toi, mais que tu ne dis pas. Effectivement, en 2003, 2004, surtout quand j'étais oppressé et j'étais méprisé. Bien aimé, parfois quand je marchais là, oh, les gens ne m'aiment pas. voyez, ouais, ceux-là, ils ne sont pas gentils. Hmm. Ils sont mauvais. Oh. Moi, je vous ai fait quoi? Bien aimé, tout ça là dans mon esprit, en longueur de la journée, je marchais, mais je ne marchais pas seul. Il y avait ce démon là qui était assis dans mon cœur. Qui m'accompagnait partout pour me faire comprendre comment ma vie allait mal, combien les gens me méprisaient, combien moi j'étais mauvais, je ne pouvais pas réussir. Ce démon-là qui me rappelait comment j'étais malchanceux dans la vie. Je pensais seulement que tout le mal qui était en train de s'écrouler, c'est un jour. Il, il, il s'est passé deux incidents qui m'ont ouvert les yeux. Le premier incident qui m'a ouvert les yeux que j'ai vaincu, j'avais remarqué que comme à l'époque, je n'avais pas de femme et je n'avais pas de fiancée, je ne pouvais passer à côté d'une femme sans me tourner pour la regarder. Alors cet esprit-là me contrôlait. Mais je ne savais pas quel esprit. Vous savez que parfois, vous subissez des choses. C'est comme vous aujourd'hui, vous les femmes, là. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un homme sans vous demander dans la tête, j'espère qu'il me regarde. J'espère qu'il va me dire, bien aimé, vous avez le même problème. C'est cet esprit-là qui vous fatigue. Quand vous vous mettez devant la, le miroir en train de vous maquiller, là, qui vous dit de dessiner? <laughs> bien aimé, vous ne parlez pas devant votre miroir. Mais il y a quelqu'un qui vous dicte tout. J'ai dit quoi? Quand vous marchez là, parfois vous parlez seul. Quand vous êtes. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu doit être sincère, honnête. Voilà. C'est la vérité. Donc, mon ami, je vais te dire comment Dieu m'a délivré. Et les hommes ne savent pas qu'ils ont un problème. Mon ami, aujourd'hui, là, va t'asseoir à la salle d'attente. Salle d'attente, là, c'est salle de réflexion. Salle d'attente, c'est qui te bouscule dans les pensées, là. J'ai dit, oh, on peut demander aux gens de Washington, ils vont vous confirmer que j'ai dit la vérité. Ma soeur, quand tu es seul, chez toi, là, les petits esprits, là, vont venir te tourmenter dans ton esprit. Tu vas t'imaginer des choses fatiguées. <laughs> c'est ça la vérité. Mon ami, toi-même là qui es assis quelque part là-bas, euh, au Sierra Leone ou bien, euh, quoi là, Maroc, Tunisie, Liban, Afghanistan, <laughs> tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité. Tes pensées, de toute façon tu te bats dans tes pensées toutes les nuits. Mon ami, toi là qui attends bateau pour traverser, pour aller en Espagne, tu sais que c'est la vérité que je te dis. Tu as déjà imaginé tous les scénarios. Tous, tous les scénarios pour t'échapper. Tu as imaginé jusqu'à même au point même de t'imaginer dans le sac de quelqu'un qui, qui va à l'aéroport. <laughs> Aïe, Satan est mauvais. J'ai dit avant, là, on était enfants et puis quand on s'assied, on dit hey, si quelqu'un peut nous mettre dans le sac même là pour aller monter dans l'avion. Si on savait que dans le sac là, il n'y a pas d'oxygène. Non, le diable est mauvais. Ça dit que quand tu veux sortir d'un problème là, tu imagines tous les scénarios. Tu deviens un scénariste dangereux. Donc, tu imagines des scénarios, parfois tu tues les gens dans tes pensées. Parfois là, tu vas là, tu rentres quelque part, tu casses tout et puis c'est toi le brave. C'est là que tu vas savoir qu'on n'est pas dans un monde facile. Non, ma soeur, tu as besoin de délivrance dans tes pensées. Vraie, vraie délivrance de la tête là, c'est de toi. C'est de toi que je parle. Marie, est-ce que j'ai menti? Donc, euh, Vraiment, la pensée des gens souffre. Je vous dis la vérité, les gens souffrent. Tu peux juste envoyer un message à un frère. Il n'a tout simplement pas eu le temps de répondre. Hein? Oh, 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 oh. Tu es assis dans ton coin là. Tu penses qu'il est fâché contre toi. <laughs> tu crois que ce gars-là, il est fâché jusqu'à... Là maintenant, toi aussi, tu es là-bas. Tu imagines ta réplique déjà. Tu imagines ta vengeance. T'imagines comment tu as bombardé la personne. Non, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Alors, moi, à l'époque, quand j'étais en train de passer, tu, bien aimé, je, je, je témoigne pour que vous, là, qui souffrez des symptômes de la démence spirituelle, vous soyez guéri. Si je ne dis pas là, vous n'allez pas guérir. C'est la vérité, parce que parfois vous faites ça, vous ne savez pas que c'est une maladie. Mes hommes, mes, mes frères, vous les hommes, je parle de tous les hommes qui sont connectés, que vous soyez pasteur, évangéliste ou je ne sais qui, c'est de vous, je parle. Mon ami, si tu ne peux pas voir une belle femme passer sans regarder ses fesses, ça, tu es possédé. <laughs> c'est la vérité que je t'ai dit. <laughs> C'est un démon qui fait ça. Je t'informe. Il, il y a 20 ans de cela, j'ai souffrais de ce phénomène-là. Donc, le... Donc, ma soeur, toi aussi, si tu ne veux pas voir un bel homme passer sans t'imaginer des choses, t'es possédé. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Si tu es assise seule et puis tu parles seul dans tes pensées, j'ai dit, tu es possédé. Tu marches seul, tu parles seul. Tu as besoin de délivrance. Il n'y a pas de Jésus ici. Laissez Jésus tranquille dans votre affaire là. <laughs> C'est la vérité. Donc, mes soeurs, si vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans la douche, en train de vous imaginer, Seydou, Moussa, Jean, voilà, ma soeur, tu as un problème. Il y a un démon qui travaille dans tes pensées. C'est lui là qui te parle. Il va te dire aujourd'hui, tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait Il va te dire demain, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ce que je vous dis là, le diable prend plaisir à tripoter penser des gens. Et toutes vos actions commencent toujours par des pensées. Alors j'avais constaté il y a des années de cela que ce comportement n'était pas normal. Alors un jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a vraiment parlé. Ce n'est pas on qui dit. Ça veut dire que si j'ai dit j'ai entendu Dieu, que c'est comme si là, bien aimé, ce n'est pas on. Je dis Dieu m'a parlé du ciel. Parce que les gens m'avaient offensé. Tout ce que je pensais était mauvais. Qu'est-ce que je n'ai pas imaginé? J'ai trouvé qu'ils étaient méchants. J'ai trouvé qu'ils étaient mauvais. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces personnes me rejetaient et me détestaient. Tout ce que je voyais là, c'était leur méchanceté et leur mauvaise foi. Quand je marchais dans la rue, bien aimé, c'est moi qui marchais, mais mes pensées étaient chez ceux-là qui m'opprimaient. Mes pensées étaient chez eux. Mes pensées, donc, donc, ça veut dire qu'on on pouvait dire que parfois je marchais, mais c'est le vent qui me conduisait. Jusqu'à ce qu'un jour, l'ange de l'Éternel s'est présenté à moi. 2005, et l'ange a dit, éloge, rends gloire à ton Dieu, rends gloire à ton Dieu, rends gloire à ton Dieu. Je me suis réveillé. C'était le premier déclic. Parce que Dieu me disait, non, ne te focalise pas sur ça, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas opprimer, ne laisse pas le diable venir s'asseoir dans ton esprit. Ce n'est pas pour rien, Jésus dit, arrière de moi, Satan, même les serviteurs de Dieu, le diable s'est incarné en eux. Et aujourd'hui, le diable s'incarne en beaucoup de femmes, en beaucoup d'hommes qui ne peuvent même pas dépasser une femme sans regarder ses fesses. Parfois, ils vont la regarder jusqu'à. Ils vont aller se l'imaginer à la maison. Bien-aimé, il y a plein d'hommes qui sont en train de me suivre. C'est la vérité, c'est une maladie mentale mon frère. Je te dis la vérité, pour avoir vécu ça dans les années 2000, 2002, 2003, pour avoir vécu ça, je te dis la vérité. Moi, je te parle d'une affaire de 2002, 20 ans, j'ai souffert de ça. Je ne pouvais pas passer à côté d'une femme sans la regarder. Toutes les femmes que je voyais passer, je croyais qu'elles étaient belles, surtout quand tu cherches garçon. Tu souffres de cette affaire là. Tous les garçons que tu vois là-là, carnage rapide marié ou pas marié, tu, 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 regardes, tu regardes son pantalon, tu regardes son habit, est-ce qu'il est bien sapé, et oh tu regardes le doigt, est-ce qu'il est marié? Non, abandonné. Quand tu croises un autre dans la voiture, tu te dis, tiens, ça dit que tu souffres. Le diable joue avec tes pensées. Et puis tous les jours, c'est ce que tu subis. Ça veut dire que ton esprit se balade, ton âme se promène, tu n'es pas stable dans tes pensées. Quand tu sors comme ça là, tu n'es pas stable dans tes pensées. J'ai dit, ton imagination, là, tu sais que tu es comme radar. <laughs> comme radar. J'ai dit, tu n'as pas de repos dans ton esprit. Tu es devenu comme un radar en termes paraboliques, en train de chercher seulement chaque jour de ta vie. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Est-ce que j'ai inventé ça <laughs> Un radar détecteur. Il n'y a pas de zambé ici. J'ai dit, dis-moi, en Belgique, là-bas, là, quand tu es en train de marcher dans la rue comme ça, là, est-ce que tu regardes où tu t'en vas là jusqu'à tu arrives là-bas? <laughs> Dis-moi la vérité. Tiens, Dani, est-ce que l'autre a menti Quand tu es à Paris, là, tu t'en quelque part. Est-ce que tu marches comme ça là jusqu'à tu arrives là-bas Tes yeux là, c'est pas comme ça. Hein eh? eh? Hein Hé Yo Ah C'est la vérité. Donc voilà. Et puis un jour... J'ai constaté que non, Eloji, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai commencé à prier. Et voici la, la prière que Dieu m'a donnée. J'ai dit, oh Wilmine, laisse-moi te donner la prière. Ce que j'ai dit là, vous savez que c'est la vérité. S'il y a une seule femme qui veut me prouver que c'est faux, envoie-moi la preuve. J'ai dit, ma soeur, c'est de toi que je parle. C'est de toi, je parle. Il y a des gens là qui sont là, ils ne sont pas tranquilles. Surtout quand, tu, quand on t'envoie une convocation, tu ne dors pas. C'est la vérité, mon ami. Donc, euh, un jour, j'étais en train de prier, et puis j'ai eu l'idée. Et j'ai compris que non, éloge, ta situation-là, ce n'est pas simple. Il y a un serpent derrière ça. Alors, je vais couper la tête du piton. Je vais couper la tête de ce piton. J'ai commencé à prier et j'ai ordonné à tout esprit démoniaque, des eaux, tout serpent qui est en train de contrôler ma tête, tout démon dans mes pensées, je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors, 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 sors. J'ai pris autorité. Sors. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Même le Seigneur Jésus a subi ça. Bien aimé. Ce que je vous dis là, même Jésus-Christ a été tenté en esprit. Même le Seigneur Jésus a été tenté en esprit. Le diable l'a envoyé sur la montagne, il a parlé à son esprit. Le diable l'a envoyé là, il lui a montré les royaumes, il a parlé à son esprit. Juste à ce que Jésus-Christ prenne autorité pour dire arrière de moi Satan. Donc vous comprenez que ce que je vous raconte là, c'est un problème à l'échelle mondiale. Vous vous souvenez de, du disciple de Jésus en qui le diable s'est incarné? Jésus s'est retourné aussi et lui a dit: arrête de moi, Satan, tu mets, tu, 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 tu. de moi. Non, ce qui veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est un problème à l'échelle mondiale. Ça fait rire. Parce que les circonstances que j'utilise pour expliquer cela, dans lesquelles on se retrouve, nous tous, sont dramatiques. Parce qu'on est en train de revoir notre parcours. On est en train de revoir notre souffrance. On est en train de revoir comment l'ennemi s'y est pris pendant des années pour nous rendre inefficaces, pour faire en sorte qu'il y ait la connexion qui, qui se coupe entre Dieu et nous, pour faire en sorte que nous prions, prions, mais pas d'efficacité, parce que l'esprit est souillé, parce que la pensée est souillée, parce que l'âme est souillée. Bien aimé, il y a des hommes qui sont incapables de marcher dans la rue sans regarder face des femmes, même s'ils si sont avec leurs femmes. Le démon s'en fout de ça. Ce même démon-là va tourner sa tête pour les regards. Combien de femmes ont surpris leur mari en train d'admirer des femmes dans la rue et elles se sont fâchées. Ce gars est possédé. Il est possédé. Je vous dis la vérité. Combien de femmes sont incapables de marcher dans la rue sans voir des hommes musclés, bien, grands, beaux et autres, sans s'imaginer des bêtises L'oppression démoniaque. Et vous savez que ce que je suis en train de raconter, c'est ce que vous aviez subi depuis des années. C'est la façon dont l'ennemi a joué avec votre esprit. Vous savez, le Seigneur a dit que ses pensées ne sont pas vos pensées là. Il a dit ça. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a tellement de pensées négatives que l'ennemi injecte en vous, que l'ennemi sème en vous. Ce sont les semences diaboliques. Et parfois, ces semences vous ont poussé à avoir des réactions, à faire des choix, à tirer des conclusions, à dire des choses que vous avez regretté. Parce que vous avez oublié que la vraie religion, là, la vraie relation avec Dieu commence par la pureté de l'âme et de l'esprit. Et vous, vous vous êtes focalisé à sanctifier les mains, à sanctifier la bouche, à sanctifier les mains, à sanctifier la tête à sanctifier le corps et à vous séparer de tout ce qui est impurité physique. Mais le diable est malin. Il sait que l'impurité physique, là, c'est d'ordre physique et que la pureté intérieure, c'est-à-dire la pureté du cœur, la tranquillité de l'esprit, c'est de là que l'homme tire sa force. Alors, vous avez beau vous séparer de vos copains, beau arrêter de faire certaines choses. L'ennemi va maintenant changer de stratégie en venant maintenant travailler dans vos pensées et dans vos esprits. Voici pourquoi il y a bien des choses que vous ne faites plus physiquement, mais vous les faites en esprit. Or, oh! Quand le diable commence à opérer en esprit, en travaillant tes pensées, en créant la haine, la jalousie, la médisance, les choses dans ton esprit, en te poussant à ruminer, à bouder, à juger, c'est pour ça que parfois il est très important d'exprimer ce que tu ressens. Ça te libère et ça n'encaisse rien en toi. Même si certaines choses... Val mieux ne pas être dite. Alors, l'ennemi va souiller ton âme. Parce qu'il sait que l'adoration qui vient de l'esprit, c'est ce qui permet la manifestation de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer de stratégie. Ils ont vu que tu as dit non à certains gars. Ils ont dit que tu as décidé de dire ah non, tu ne peux plus le faire. Puis, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Tes copains là, tes fiancés là, ils t'ont appelé. Comme d'habitude, le monsieur voulait que tu te montres dans la vidéo. Tu lui as dit que tu ne fais plus ça. Il a insisté. Il était même étonné. Il s'est même énervé. Tu es là. Tu sais que c'est de toi que je parle. Parce que avant que tu ne découvres les prières de l'eau, j'ai C'était ce que tu faisais. Tu faisais l'amour à distance au téléphone. Alors maintenant que tu ne veux plus montrer ta nudité, tu tentes de raisonner le gars. Ok, peut-être qu'il a compris. Peut-être que bon ben, tu as tout simplement durci le temps et puis ça s'est arrêté. Mais tu vas voir, le diable n'a pas dit son dernier mot. Il vient dans ton esprit. Là maintenant, là, il vient travailler. Il vient manipuler. Il vient souiller ton âme. Et une fois qu'il a réussi à souiller ton âme, il a, atteint la, il a atteint ta vie. Parce que la Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Or, une fois que l'esprit est atteint, cette vérité ne se manifestera plus. Alors l'ennemi... Il peut ne pas t'avoir, mais il va contourner pour te piéger quelque part. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui disent Mais je ne fais plus ci, mais je ne fais plus ça, mais je ne dis plus ci, mais je ne dis plus ça. Mais pourquoi ma prière ne monte pas Oui, c'est vrai. Peut-être que tu ne fais plus de la médisance. Mais bien aimé, est-ce que tu contrôles les pensées qui entrent en toi ton imagination criminelle, tes pensées criminelles, tes pensées de haine, tes pensées de jalousie, tes pensées de mépris, tes pensées de dispute, tes pensées de colère, tes pensées de jugement, tes pensées de critique. Parfois même tu critiques les gens sans parler. Regardez comment il est habillé. Bien aimé, l'ennemi va aller dans ton esprit et travailler ton esprit. Il va te cuisiner. Parfois même tu, tu es tellement bombardé avec les pensées impures que tu crois même que tu vas perdre la tête. Aïe! Et dès que tu sors de là, tes rêves s'éteignent, tes rêves s'arrêtent, tes rêves cessent. Et puis, bon, comme tu es déjà souillé, tu vas essayer de prier. Dans ton ignorance, tu crois que tu es en train de prier. Mais cette prière ne monte jamais à Dieu. Dites-moi, bien aimé, si loge qui s'est entendu mentir là, dites-le-moi. Aujourd'hui là, tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne commets plus l'adultère et autres. Mais tes prières sont toujours bloquées. Tes prières toujours bloquées. Tes prières ne montent jamais à Dieu. Tes prières n'apportent jamais de résultats parce que tu as oublié que la prière, c'est la parole et la pensée. Le Seigneur Jésus a dit tout ce que vous demandez là, vous devez d'abord penser. Pour voir cela s'accomplir. Et la parole de Dieu nous dit qu'une personne est telle que ses pensées sont. Maintenant, toi, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu loues Dieu beaucoup, mais tes pensées te disent le contraire de ce que tu demandes. Mais le diable t'a déjà eu. Il y a celles-celles-là, les mamans, les tontilles, les tontons qui sont là, qui me regardent, là, qui savent que ce que je dis, c'est la vérité. Vous priez, mais le diable vous le diable a déjà vécu dans vos pensées. On a vu des gens qui prient beaucoup, mais qui ne croient en rien. On a vu des gens qui prient, mais qui pleurent qui prie, mais qui doute. Tu vas voir une jeune sœur qui est là, oh « oui, je prophétise mon mariage. » La même jeune sœur, demain le démon là, vient s'asseoir dans sa tête pour dire, « Ah, tu es en train de vieillir. » C'est la même encore qui avait prophétisé le mariage hier. « Je prophétise et je décrète mon mariage. » C'est la même encore qui vient remettre sa parole en doute. « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié hey, ?»« Eh Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu » Donc tu vois que les gens sont là, il sympa, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, aie pitié d'eux. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Beaucoup de mes filles font les mêmes bêtises. Là, je suis un père spirituel, je dois dire la vérité. Beaucoup de mes filles font les mêmes conneries, là. Beaucoup de mes sœurs en Christ font les mêmes bêtises, là. Des gens qui disent et se contredisent. Ce n'est pas étonnant de voir qu'elles sont en train de vieillir. Elles sont là parce que, bien aimé, si moi et l'autre est ici, j'ai déjà proclamé que je vais réussir. Qu'est-ce qui peut me faire dire le contraire? Même si une pensée me traversait l'esprit pour dire, regarde, tu as trop de problèmes, j'ai dit, je prophétise que je vais réussir. À ah, rien de moi, Satan, tu ne me diras pas le contraire. Même si une voix vient te dire, hé, hey, tu as dit, hein, mais ça fait 20 jours, j'ai dit, je prophétise. Même si un jour, tes copines, tes amis, tes connaissances, par hasard, le diable va mettre tes paroles dans leur où il faut dire, hé, hey, ton affaire là. Et puis ils vont commencer à te raconter des histoires traumatisantes. Tu commences à trembler. <laughs> non! Je prends autorité. Je prophétise que je réussirai. Bien, aimé, tu vas voir, hein, quand tu commences à agir comme ça, là, les pensées ne te résistent pas. Je te dis la vérité. J'ai pris le temps d'étudier le phénomène. J'ai parlé de ça dans mon livre Comment prophétiser. Vous avez déjà lu ça? Parce que d'abord, le démon, il vient. Il vient par tes pensées. Il tente d'entrer. Quand tu lui résistes là, il part. Mais dès que tu as fait l'erreur de repenser, c'est comme si tu ouvres une porte. Il vient, il s'assoit, maintenant, il dit causons. Là, maintenant, là, cette pensée était venue, tu l'as rejetée, mais cette fois-ci, quand ça revient là, tu te plonges dedans à fond. Ils vont créer la circonstance. Donc, un enfant de Dieu, une fille qui prétend avoir la foi, peut pas être le matin en train de prier et puis le soir, tu appelles l'homme de Dieu, tu es en train de pleurer au téléphone. Hein? C'est parce que quand deux ou trois s'accordent pour demander que Dieu donne, donc toi, ce que tu as demandé à Dieu n'a pas entendu. Toi là, ce que tu as demandé là, Dieu n'a pas entendu. Oui, la Bible a dit que si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, Dieu leur fera. Mais il dit que si tu as la foi aussi comme un grain de s'élever, tu demanderas à cette montagne-là de dégager et rien ne te sera impossible. Donc, les gens sont tellement incrédules. Ils vont justifier leur incrédulité par des raisonnements. C'est de l'incrédulité, ma soeur. C'est de l'incrédulité. Même si tu dis que c'est de toi, je parle là. Si tu veux, il faut te fâcher. Aujourd'hui, là même, là, je veux que tu te fâches. Je dis, c'est de l'incrédulité. Tu manques de foi. Tu es une femme de peu de foi. Tu es un homme de peu de foi. J'ai dit, c'est de l'incrédulité. Où est le problème? C'est de l'incrédulité. Puis, tu as dit à Dieu, je prophétise. Même si le vent souffle, tu dis, j'ai prophétisé. Même si la tempête se déclenche, j'ai prophétisé. C'est la vérité. Qu'est-ce que les gens n'ont pas essayé de faire? Oh oui, hello, tu as trop de problèmes. J'ai dit, Dieu m'a dit, va au Ghana. Ils ont dit, Ah oh, oui, mais nous aussi Dieu nous parle, nous aussi Dieu nous parle, on te donne des conseils, tu ne veux pas écouter. J'ai dit, Dieu m'a dit, Eloge, va au Ghana, du Ghana tu iras au Canada. Ils ne m'ont pas cru. Il y avait une sœur là, père son âme, Betty, père à son âme, Betty, et hey, tout le monde était là, même la sœur Annette peut témoigner. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Oh oui! Et l'autre, on lui donne des conseils. Il ne veut pas écouter. Oui, il a eu l'opportunité. Il est là. Dieu m'a dit d'aller au Canada. Dieu m'a dit d'aller au Canada. On dirait que nous, Dieu ne nous parle pas. Jusqu'à l'un de mes amis, l'a dit, mais lui-même, il est évangéliste. Lui, il me donne des conseils. Là, je ne vais pas écouter. Que moi, je suis là. Dieu m'a dit. Il dit, mais Dieu m'a dit, va au Ghana. Non, si Dieu m'a dit de partir là, j'ai parti, j'ai la conviction que Dieu m'a dit. Je suis resté ferme. J'ai eu des problèmes financiers. Ça n'a jamais changé ce que Dieu a dit. L'ennemi mien, a mien attaqué mes pensées. Ça n'a jamais changé ce que Dieu a dit. Les gens ont essayé de m'attaquer. Ça n'a jamais cherché de changer ce que Dieu a dit. Parce que il n'y a pas de problème qui va pousser Dieu à changer de paroles. Il n'y a pas quelque chose qui a venu pousser Dieu à changer de paroles. Parce qu'il est écrit. Où est-ce qu'il est écrit? J'ai dit, il est écrit. Les gens ont essayé tout, frère. Dieu m'a dit aujourd'hui là. Les gens qui m'appellent maintenant, Hé, hey, vraiment Dieu t'avait parlé, hein? Vraiment, hein? Hey, yo, comment on va faire même? Hein? Tu peux nous trouver un petit gombo là-bas? Tu vois, les mêmes là, hein? Maintenant, imaginez si j'avais été faible, si je m'étais laissé manipuler. J'allais suivre ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'ils m'ont mis assez la pression. Ils ont, ils ont tout étalé devant moi pour me faire comprendre que, hé, hey, toi là, Dieu te parle, non. Nous aussi, Dieu nous parle. Donc, un enfant de Dieu qui a la conviction, ta conviction ne peut pas changer en peur et en lamentation. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans l'Église. Des mamans, tu les vois en train de prier. Non, j'ai brisé, j'ai cassé, j'annule. Ai Bien aimé, excusez-moi de le dire. Peu d'entre elles ont la foi. Parce qu'ils vont briser, casser, annuler. Le soir, ils vont aller chercher un autre pasteur pour venir recasser. <laughs> Donc, ils vont briser, détruire, annuler, prophétiser. Et après, là, on dirait que ça ne suffit pas. Il faut augmenter la prière. Alors on soulève le téléphone, pasteur éloge. On est en train de briser, casser. Vous êtes combien On est 12. Mais il faut t'ajouter à nous. Il faut venir, on va casser, briser les gens. Les gens sont devenus super, super incrédules. Je vous dis la vérité. Ils ne croient en rien. Pas même Jésus va venir leur dire, non, tu vas faire qu'ils vont croire. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Ce sont des saints <laughs> Des, des saints à croire à l'incrédulité. Les femmes, là, vous les voyez comme ça parler beaucoup, beaucoup. Il ne faut même pas leur faire confiance, mon ami. Tu les vois prier comme ça dans les groupes de prière. Là. Ce sont des peureuses. Je vous dis la vérité. Des trouillards. Si tu mets ta foi sur une, là, tu, tu, tu es foutu, mon ami. Tu les vois prier, lancer les bombes comme ça, là. Ça dépend. C'est parce que leur père spirituel est là. C'est la vérité. Tu les regardes comme ça, là. Leur sont remplis de pasteurs. Tu n'es pas pasteur, on ne t'enregistre pas. Donc, mon ami, arrête de. Tu sais de quoi je parle? J'ai dit, oh, tu sais de quoi je parle. Toi là qui prétends être chrétien, là, quand tu appelles les pères spirituels, tu vois comment tu pleures, non? On dirait même parfois que tu as fait un entraînement de pleurs. <laughs> ça, ça dit que tu deviens une experte en pleurs. Je ne sais pas si tu as déjà fait formation de ça, mais vraiment, ça dit que quand on sonne, le téléphone décroche. <rire> <rire> Comme si c'est ça là qui va toucher le cœur de Dieu. Mais en même temps, tu les vois comme ça là là. Oh non, c'est grave, hein. J'ai dit, oh non, je, Jésus avait raison. Est-ce que si le Fils de l'homme revient, il trouvera de la foi sur terre Je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'on est en train de vivre. Tu peux voir deux sœurs qui s'associent. Oh oui, au nom de Jésus. Seigneur, mon mariage, mon mariage, mon mariage. Alléluia. On prophétise, on possède. Alléluia. Les mêmes sœurs. Là. Un beau soir, tu la vois, elle est assise chez elle, elle est couchée sur son lit. Père éternel, mon Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu <laughs> Donc, Dieu lui-même, il a étonné. Père éternel, mon Dieu, jusqu'à quand? Ah, Jésus. Affaire là, la c'est comment même? Pourquoi tu. Hey. Et après, encore, il prend le téléphone. Ah, papa, vraiment, ça ne va pas. <laughs> papa, ça ne va pas. Ah, papa, non, c'est mon affaire de mariage là. <laughs> Est-ce que tu as prié? Oui, papa. Je viens de sortir des 20 jours de jeûne. Tu as prié? Oui, combien de jours de jeûne 20. Il faut avoir la foi, mais papa, j'ai la foi. foi. Oh, tu as quelle foi oh. Tu n'as rien. Tu n'as pas la foi. J'ai dit, oh. quand c'est réglé par la foi, là, on ne parle plus de ça. Il <laughs> faut dire à quelqu'un, j'ai dit, quand c'est réglé par la foi, on ne parle plus de ça. L'attitude change. Ah, mais est-ce que j'ai menti Parce que quelqu'un qui a déjà exaucé, été exaucé par la foi, là, tu peux voir quelqu'un qui n'a rien dans sa poche, mais le gars, il marche comme ça. On dit, mais mon ami, pourquoi tu marches comme ça Tu dis, non, c'est bien, je suis béni par la foi. <laughs> tu, tu vois Mohamed sapé comme ça, la même, là, en train de marcher comme ça. Tranquille, il n'y a rien dans la poche. Mais on dit, mon ami, c'est quoi Tu as gagné au loto, il dit, je suis béni par la foi. On dit, donc c'est à cause d'affaires de foi, là, tu fais comme ça. Par la foi. Parce que, bien aimé, quand tu es béni par la foi, ta démarche change. Tu ne marches pas comme ça, comme les gens là qui sont dans la rue, on dirait qu'ils sont en deuil, là. Non. Génération de chrétiens incrédules, là. Ils prient, ils prient, ils prient, prient, prient. Au nom de Jésus, je saute, ils sautent. Les chrétiens. Les chrétiens télécommandés. Ils sont graves. Chrétien télécommandé. Tu les vois comme ça, là. Ils sont juste là pour que qui s'y donne prière. C'est fini. Donc, si le, le frère Lodge, il ne passe pas en direct, là, c'est chaotique. Chrétien télécommandé. Le père spirituel est là. Feu, 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 feu. feu. Ils, ils, tu les vois comme ça, on dirait qu'ils ont le zèle. <laughs> le père spirituel. Est là, Allez, le feu, le feu, le feu. J'ai dit, quand c'est chaud, la foi, on le feu aussi, envoie. <laughs> Non, le peuple de Dieu de nos jours là est terrible. Chrétien des 23e, <laughs> ce sont les chrétiens des 23e génération Il faut écrire en bas les chrétiens du, 23... du 23e siècle. Aïe, non, non, là tu vois que les gens, Dieu lui-même il est là-haut, il est étonné. Il dit Attends, ceux-là ils ont quoi C'est pas toi qui prophétisais avant tu es là en Afrique du Sud que tu as tes papiers. Donc, tu es allé voir un petit gars là pour donner tes papiers. Il est en train de parler un français bizarre. Tu retournes à la maison, tu lui dis Hey, tu ne donnes pas mes papiers, tu vas voir. <laughs> c'est comme ça on agit. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a la foi là, il ne tremble pas. C'est vrai, parfois c'est chaud. Mais quand même, tu as la foi. Ça s'appelle la foi. <laughs> Donc là, là quand quelqu'un tente de s'opposer à toi, là, de toute façon, tu le gifles en prière là. Là, on sent que tu as la foi. Tu t'en fous là. Tout le monde s'inquiète, mais tu es serein. <laughs> mais tu vas voir les chrétiens de nos jours, que des vagabonds spirituels. <laughs> vagabonds, aucun repère. Les chrétiens du 23e génération. Alors là, ils vont dire non, qu'ils ont la foi. Ce soir-là, moi, je vais te demander. J'ai dit, oh, qui a la foi? Je vais savoir. Est-ce que tu as la foi Marilyn, j'ai dit Est-ce que tu as la foi Parce que quand on a la foi, il n'y a pas de main dedans. Il hein? n'y <laughs> a pas de main. Là où il y a la foi, il n'y a pas de main. <laughs> j'ai la foi, mais non, 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 non. On ne peut pas avoir la foi et main à la fois. <laughs> non, on ne peut pas avoir la foi et main en même temps. Soit tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Ok? Donc, euh, voilà les histoires de, de la foi, mais là, la vous laissez ça tranquille. Les chrétiens du 23e génération Donc, c'est ça. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, euh, de ça que je voulais parler aujourd'hui. Vous devez être ferme dans l'esprit. Vous devez être ferme dans vos décisions. Vous devez être ferme face à l'oppression. Vous devez être ferme dans tout ce que vous faites. Parce que beaucoup de gens sont en train de perdre la raison. Beaucoup de gens ne savent plus où mettre la tête. Alors, avant de prier, qu'est-ce que je voudrais que vous fassiez? Faites ce que j'appelle la délivrance de la tête. Protégez vos pensées et protégez votre cœur. Protégez votre pensée et votre cœur. Parce que, bien-aimé, c'est de là que viendra votre stabilité émotionnelle. Quand on a la foi là, une seule demande exaucée, on ne s'inquiète plus pour la même chose. Parce que par la foi, mon Dieu m'a exaucé. Par la foi, j'ai la victoire. Là où nous croyons avoir eu la victoire par la foi, il n'y a pas de mais, ce n'est pas facile. Si tu peux prétendre avoir la foi, et insinuer que mais, ce n'est pas facile, ça veut dire en réalité, tu n'as pas la foi. Parce que là où il y a le doute, ce n'est pas facile. Mais là où il y a la foi, tout est possible. Tu ne verras jamais quelqu'un qui a vraiment la foi utiliser le mot mais, ce n'est pas facile. Là où nous disons que oui, mais, ce n'est pas facile. Oui, mais, à partir du moment où le mais... Intervient, sache qu'en fait, c'est ta vraie nature qui se manifeste. Une personne qui a vraiment la foi ne s'exprime pas en utilisant des mots qui soulignent l'impossibilité. Une personne qui a la foi, sa foi est tellement ferme que tout ce qui devient absurde aux yeux des hommes, devient possible dans ses pensées. Une pensée qui a la foi, ou une personne qui a la foi, n'a pas deux options. Elle a seulement une seule option. Celle selon laquelle elle pense qu'elle aura ce qu'elle veut, coûte que coûte, coûte. Et ce, peu importe le temps que ça dure. Alors, on n'a pas le temps de donner place à la peur, à la crainte à l'oppression et autres. Puisque nous savons que notre Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le, le dernier, alors pourquoi s'inquiéter Et lorsque nous sommes dans cette logique selon laquelle nous avons la foi et que la foi n'a pas deux options, elle a seulement une option, c'est la victoire. Il n'y a pas d'échec. C'est la capacité à triompher. C'est l'assurance et la ferme assurance que ce que nous avions demandé, nous l'aurons. Alors les gens de nos jours, les chrétiens du 23e génération, sont des gens qui ont une foi paradoxale. Parce que je ne peux pas prétendre avoir la foi et croire aussi à la souffrance. Je ne peux pas prétendre avoir la foi et aussi laisser la place au doute, à la peur. Je ne peux pas prétendre avoir la foi en une chose pour laquelle j'ai prié et en même temps le soir, je soulève mon téléphone pour appeler quelqu'un d'autre pour lui expliquer le même problème. En réalité, j'ai l'espérance, mais je n'ai pas la foi. Quand on espère les choses, on les essaie pour voir si ça va marcher. On attend que quelqu'un d'autre nous accorde. On attend que le temps de Dieu arrive pour que nous les obtenions. Mais lorsque nous avons la foi, nous nous levons pour provoquer les choses. Nous nous levons pour provoquer les circonstances. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui attendent le bon moment n'ont jamais eu la foi, sauf si le Seigneur lui a dit attends le bon moment. Mais ceux qui ont vraiment la foi sont toujours debout. Ils croient en quelque chose. Ils n'attendent pas que le temps les offre, mais ils utilisent le temps pour travailler pour avoir cette chose. C'est ça la vraie foi. La vraie foi nous maintient debout. La vraie foi ne laisse pas de place au doute. La vraie foi ne laisse pas de, de place à la peur. Peu importe les circonstances et ce que les gens vont dire autour de vous. La vraie foi ne nous pousse pas à déprimer, à nous décourager. Puisque nous avons la foi que notre victoire a été établie et qu'il n'est qu'une question de temps. Pourquoi donc m'inquiéter pour quelque chose que je sais que je finirai par avoir pourquoi m'inquiéter alors La place à la peur n'existe pas. Parce que là où on a l'assurance d'avoir été guéri, on ne pense plus à la maladie. Là où on a l'assurance d'avoir été restauré, on ne pense plus à l'échec. Là où on a la conviction de, 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 de réussir, on prend le mal en patience. Mais lorsque on n'a pas réellement compris ce que ça veut dire d'avoir la foi, on devient quelqu'un qui est paradoxalement opposé à ce qu'il veut. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu as la foi et te lever le matin, demander quelque chose à Dieu par la foi. Et en même temps, tu cherches le numéro de combien de pasteurs à qui tu vas expliquer. Et tu as déjà expliqué à un pasteur, il a prié pour toi, ce n'est même pas suffisant pour toi. Toi-même, tu as prié, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que pour toi, là, dans ta tête ou dans ta mentalité, là, si on n'a pas tapé 10 heures à prier pour ta chose, c'est qu'on n'a pas fait. Tant que ce n'est pas la prière d'un pasteur, ça veut dire que tu es déjà dans une logique là où c'est toi-même le blocage de ta vie. Parce que si dans tes pensées, tu as la conviction qu'à moins qu'un pasteur n'est pris pour ton cas, tu ne guériras. Parce que c'est toi-même qui fait opposition à ta, à ta prière. Dans, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que tu te mettes même à prier. Parce que ta logique, ta vision du monde, ta façon de croire seulement est une faille. Alors tu vas beau prier. Pourquoi est-ce que tu te lances à la recherche ou à la poursuite de quelque chose que tu ne te crois pas capable d'obtenir Et c'est ce que les gens font. Ils vont demander la même chose à Dieu. Ils vont aller demander la même chose à un homme de Dieu. Ils vont demander la même chose à un homme de Dieu sans même patienter. Ils vont aller demander encore la même chose à un autre homme de Dieu. Si tu leur parles, ils vont te sortir le grand balai. Si deux ou trois s'accordent pour, pour demander quelque chose, elle leur sera donnée. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose. Deux ou trois peuvent s'accorder pour demander, puis Dieu peut refuser parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'il prie dans la chair, parce qu'il ne prie pas dans les conditions, parce que l'une d'entre les deux personnes ne s'intéresse pas trop au sujet. Parce que deux ou trois peuvent se connecter, mais l'autre peut ne pas avoir trop envie de prier. Mais c'est lorsque deux ou trois demandent et croient l'avoir reçu, demandent et savent que c'est possible, demandent dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Et en plus, ce n'est pas parce que deux ou trois s'accordent pour demander, parce que beaucoup de gens me sortent de ces banalités-là. Oh non, de Dieu, je t'appelle pour que tu pries pour moi, parce que si deux ou trois, bien-aimés, tu m'appelles et je suis en train de couper mes cheveux pour venir faire direct. Tu dis non que si deux ou trois s'accordent pour demander, il sera donné. Pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Mais le gars te dit je suis chez le coiffeur, ou bien je suis en train de me coiffer. Donc, vous comprenez que la prière est devenue quelque chose de banal, les gens courent à gauche, à droite, ils ne comprennent rien et ils oublient que non. Dans la prière, il y a des étapes. Il y a des moments où l'homme de Dieu doit se préparer pour aller même devant Dieu. On se prépare même pour aller devant le Seigneur. Tu ne peux pas venir dans, te, dans, le, dans la présence du Seigneur alors que tes pensées se baladent. Parfois tu es en train de repasser à vie. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Ça va bien, ma, ma, ma fille. Oui, ça va. Oh papa, ça ne va pas. Il faut prier pour moi. Je suis en train de faire du repassage. Priez, dis seulement un mot. Tes chauffé, faire ou bien tu veux quoi. Donc, les gens ne laissent pas aux hommes de Dieu la capacité. Parfois, quelqu'un t'appelle, tu es en plein sommeil et puis il veut que tu pries. Donc, euh, en fait, ce que j'essaie de dire, ce n'est pas de parler mal de vous, ce n'est pas de vous dire ne m'appelez pas. Pardonnez-moi de le dire. Et je suis serviteur de Dieu, je ne dois pas retenir la vérité captive. Je le dis et j'assume. Pardonnez-moi de le dire, beaucoup d'Africains manquent de sagesse. Et c'est une chose qui, qui, qui gangrène nos relations. Je ne suis pas l'homme le plus sage du monde. Hein. Mais je vous dis la vérité, beaucoup d'Africains, surtout les mamans qui appellent là, elles manquent de sagesse. Frères et sœurs, quelqu'un peut t'envoyer un texto, homme de Dieu, j'ai besoin de prière. Il envoie le texto, il n'y a pas prénom ni non. Il <laughs> n'y a pas nom, il n'y a pas prénom. Parce qu'en passant quelque part, il a vu ton numéro, alors tu es pasteur, il t'envoie un message. Il y en a qui t'appellent. Bonjour, c'est qui? <laughs> Et puis j'ai dit, mais <laughs> toi-même, tu es qui euh, les, gens, les gens nous fatiguent, quoi. <laughs> ah oui, 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 oui. Tu es pasteur. Alors, il faut prier pour moi, <laughs> mon ami. <laughs> tu sais, je suis en train de faire quoi <laughs> Je vous dis la vérité. Ça dit que quelqu'un peut t'appeler <laughs> Non, les Africains ils ont fini ça quoi? Ça dit que toi tu appelles quelqu'un et puis tu te présentes même pas, tu demandes c'est qui? Bien aimé, si tu parles là, ils vont t'insulter. Si c'est Camerounais là, faut décrocher, faut pas parler. Si c'est congolais, là, pardon, tu décroches et puis tu écoutes. Si c'est ivoirien, là, fais attention. Aïe, non. Parfois, là, il te bip. Dès que tu veux décrocher sa coupe. Dès que tu veux décrocher ta coupe. À un moment donné, <laughs> tu es tellement énervé que tu rappelles la personne, tu dis, mais mon ami, pourquoi tu me bip comme ça Et il te dit, mais vous êtes pasteur, non pourquoi on ne va pas vous biper Ce n'est pas vous qui avez donné votre numéro. Parfois, <laughs> même, tu es la bouche ouverte. Aïe, non, les gars vont chauffer ton cœur. Ils vont chauffer ton cœur. Quand c'est un Camerounais qui t'appelle là, d'abord, il t'insulte et puis à la fin, il demande prière. Donc, vous comprenez que vraiment, on est, on est en danger. Il t'insulte et puis, ils vont même te dire que tu es un faux pasteur. Et puis à la fin, elle dit Bon, moi, j'ai besoin de prières. Oh. Si c'est une béninoise qui t'appelle là, pardon, fais attention. À la fin, là, elle t'envoie une lettre là pour dire non qu'elle a besoin des billets d'avion que Dieu dit que euh, c'est toi qui peux l'aider à voyager. Tu dois lui-même lui envoyer une lettre d'invitation, billets d'avion, tout ça là. Et à la, à la fin, c'est pas signé, il n'y a pas nom, il n'y a pas prénom. <laughs> non, vous comprenez que très souvent, là, les hommes de Dieu, ils sont tellement fatigués de ces bêtises là. Et parfois même, si tu sais, même pas, tu as dit quoi. Oh. Quelqu'un peut t'appeler homme de Dieu, j'ai besoin de prier. Tu dis, ok, tu as besoin de prier, ça tombe bien même, je passe. Je passe en direct dans quelques minutes, donc faut te connecter, on va prier. La personne commence à pleurer. Non, oh, mon ami, pardon, faut prier pour moi. J'ai dit, mais attends, t'ai dit, on s'en va en direct. Tu veux prier, non? Faut venir en prier. Si tu parles là, ils vont dire, tu les as insultés. Frère, Pardon, on n'est pas méchants, mais <laughs> ne nous rendez pas méchants. C'est la vérité. Un jour, j'ai appelé un pasteur, mon vieux père d'Akouri. Il a crié C'est qui J'ai dit Non, papa, c'est ton fils. J'ai dit Ah bon, ah bon, ah bon, bon. bon. J'ai dit Papa, il m'a d'abord envoyé un message. J'ai dit Appelle mercredi, parce qu'il y a des jours. Que Dieu te bénisse, vieux père d'Akouri. Donc, vraiment, pardonnez. Aidez-nous <laughs> aidez à vous aider. Oh, Aidez-nous à vous aider. Il faut. <laughs> Pardonnez, je vous aime beaucoup, mais aidez-nous à vous aider. Africain, gros nez, figure boutonné. Pardon. Avant d'appeler, il faut regarder l'heure. Voilà. Là, on va bien s'entendre. Donc, c'est l'affaire qui est là. Mais je comprends. Je comprends que la vie est compliquée, que les choses sont difficiles, et que parfois, quand on appelle, on oublie, on oublie de donner son prénom. Mais mon ami. Toujours nous, les serviteurs de Dieu, on n'est pas toujours dans les conditions. Hein. Je te dis la vérité. Parce que bien aimé, parfois il faut se préparer pour aller au devant de Dieu. Si par exemple, tu dis que tu reçois les jeudis là, ça veut dire que jeudi là, tu as intercédé, tu as prié, tu es dans l'onction. Quand les gens t'appellent là, tu donnes des révélations. Mais quand quelqu'un te réveille au beau milieu de la nuit, tu es en train de ronfler, il t'appelle jusqu'à ce que tu aies oublié de décrocher et puis il te dit non que... Homme de Dieu, j'ai un que je t'appelle pour que toi et moi on prie. Si tu parles et puis lui est fâché. Donc c'est le pasteur qui passe pour le mauvais. Là maintenant on devient quelque, quelque, des, des somnifères. Donc pardonnez, Africains. Le jour que vous allez appeler n'importe quel pasteur là, ne prenez pas numéro masqué parce que certains là prennent numéro masqué, certains appellent avec un faux nom, certains appellent, on dirait, ils ont peur de dire leur nom. Il ne pas quoi. Vous voyez tous les pasteurs comme des escrocs, mais quand vous avez des problèmes, vous ne les gardez pas chez vous là-bas. <laughs> C'est la vérité. Donc vous avez peur de dire vos noms. Vous venez devant les hommes de Dieu des faux noms, comme si le Saint-Esprit ne pas. Il y a des femmes là qui sont là, là. Depuis, on les connaît là. On n'a conna... jamais connu leur vrai nom. Il y a un an là, je n'ai jamais connu ton vrai nom. Ton nom de famille là, je ne connais pas. Moi, je sais que tu t'appelles Jacqueline Lagloire. <laughs> C'est tout ce que je sais de toi. Je sais que toi là, tu t'appelles Prunel Linda. C'est la vérité. Que de faux noms. Que de faux noms. Donc nous, les pasteurs, on est devenus des pirates maintenant. Mais on comprend que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile et que les gens sont paniqués. Donc voilà, mes amis, commençons par nous répentir. Allons-y sur Facebook. enlevant nos faux noms là. Parce que ça aussi, c'est un péché. Des faux noms, remplis sur Internet, sur WhatsApp, que de faux noms. Mais ils vont te dire qu'ils sont chrétiens nés de nouveau. Du faux usage de faux. Donc l'oppression est telle que les gens, ils ne savent même plus ils sont qui. Alors, mon ami, il faut la délivrance. Tu dois demander à Dieu de te délivrer de l'oppression mentale. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de subir la paranoïa spirituelle. Ils ont peur. Ils ont... L'esprit est tourmenté. Frère, il y a des femmes qui ont tellement été abusées que leurs hantises, ce sont des hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont vraiment peur des femmes? Frère, ce n'est pas pour ça ce n'est pas pour rien que vous voyez des hommes qui ne veulent pas s'engager. Vous, vous ne pouvez pas savoir combien certains hommes sont en train de vivre dans une hantise, dans, dans, dans la peur. La peur d'être trahi. La peur de se marier à quelqu'un qui va les tromper. La peur de se marier à quelqu'un. Bien aimé, les gens ont l'esprit tourmenté. Les femmes ont la pensée tourmentée. On voit le mal partout. Je vous dis la vérité. On voit le mal partout. On se soupçonne. On est devenu suspicieux. Il n'y a pas de tranquillité et autres. De nos jours-là, ton propre ami ne peut pas venir chez toi à la maison et puis tu vas le laisser ou le laisser à ton portefeuille. Les gens ne font plus confiance à quelqu'un. Et là maintenant, on est arrivé à un esprit que vous devez vaincre si vous voulez réussir. Cet esprit-là, il fait partie des esprits que le monde des ténèbres utilise pour travailler. Cet esprit, tu veux réussir dans ta vie. Tu veux t'en sortir. Tu veux reprendre les choses que tu as perdues. Cet esprit-là, attaque-le. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu chutes dans la vie, ça fait mal. Quand tu as été trompé et trahi, ça fait mal. Quand on t'a escroqué financièrement, je comprends tout à fait que ça fait mal. Quand les gens ont abusé de ta confiance, ça fait mal. Quand tu as misé tout ton espoir. Dans, dans, dans une affaire qui a échoué, ça fait mal. Mais moi, éloge et je ne pense pas que c'est parce que tu as rencontré des mauvaises personnes dans la vie que tu as échoué. Et je peux te le prouver. Moi, éloge et en tant que prophète de l'Éternel, je ne pense pas que c'est parce que... Tu as vécu avec un homme qui t'a abandonné. C'est parce que tu as vécu avec une femme qui t'a trahi. C'est parce que tu as essayé d'investir au pays. Ça n'a pas marché, pas, que tu n'as pas réussi. Ton échec dans la vie et même ton retard dans certains domaines-là ne vient pas du fait que tu as échoué. Tu as un seul problème que je vais te dire en tant que serviteur de Dieu pour que tu t'ouvres les yeux. Tu as un seul problème. Ton problème, c'est que tu as peur. Tu as peur de te faire avoir. Tu as peur de te faire escroquer de nouveau. Tu as peur de te faire blesser encore. Tu as peur de vivre la même chose encore. Tu as peur de t'engager avec une femme et demain tu vas devoir se te séparer, divorcer, vendre ta maison, partager tes biens en deux. Tu as peur de devoir te donner à quelqu'un qui va te pointer le couteau dans. Planter le couteau dans le dos. Tu as peur de te donner à un homme qui va t'enceinter et t'abandonner avec un enfant. Tu as peur de donner ton argent à quelqu'un qui va bouffer. Tu as peur de donner ta carte de crédit à quelqu'un qui s'est fait passer pour un homme de Dieu et il va te voler. Ton vrai problème dans la vie, ce ne sont pas tes échecs. L'une des choses que le diable a réussi à utiliser pour te bloquer jusqu'à ce jour-là, au point où tu es en train de vieillir, sans avoir le courage de faire certaines choses, c'est l'esprit de peur. Parce que la peur d'échouer va t'empêcher de te donner. La peur d'échouer va faire que tu vas passer à côté de ton bonheur. La peur d'échouer va faire que tu vas voir le mal dans la vie des personnes qui ne te pensent aucun mal. Tu vas douter de certains hommes. Tu vas douter de certaines personnes. En fait, ce qui te vole depuis des années, ça n'a rien à voir avec un quelconque mal qu'on t'a fait. Il y a une seule chose qui te freine. L'oppression spirituelle qui s'est transformée en peur, en manque de confiance, en doute. Voici pourquoi tu es instable. Voici pourquoi tu es émotionnellement instable. Voici pourquoi tu es professionnellement instable. Voici pourquoi parfois tu as de l'argent. Tu préfères garder dans ton portefeuille, dans ton compte bancaire et dépenser juste à ce que l'argent finisse plutôt que de l'investir parce que tu as déjà essayé d'investir et ça n'a pas marché. Tu as peur de te critiquer. Tu as peur que si tu prends des décisions, les gens vont te réprimander. Tu as peur de la répression. Tu as peur du jugement des gens. J'ai une sœur que j'aime bien beaucoup et je ne cesse de raconter son histoire. C'est à cause de la peur qu'elle est intéressée dans son problème. Mais c'est une personne très gentille et sympa, qui ne veut de mal à personne. C'est l'une des personnes qu'on peut appeler la femme exemplaire, gentille et sympa. Mais qu'est-ce qu'il a enfoncé dans sa situation? La peur du jugement. La peur d'être critiqué. La peur que si j'essaie de faire quelque chose, puisque ça n'a pas marché, on va parler de moi. La peur que si je tente, on va me regarder. Bien-aimé. Il n'y a rien qui soit en train de te voler ton bonheur, si ce n'est la peur. La peur d'essayer d'échouer, la peur d'avoir mal, la peur de te marier et puis d'échouer. Mais bien aimé, l'échec que nous subissons a un grand potentiel. Vous savez, lorsque j'ai écrit mon livre, Comment prophétiser pour activer votre potentiel, je n'avais pas d'expérience dans le traitement des tests. Un jour... J'ai voulu faire une manœuvre. Après avoir travaillé sur mon livre six mois sans dormir, six mois sans repos, en faisant une manœuvre, le test s'est gâché et l'ordinateur me disait que le test a été corrompu. Alors tout le traitement que j'ai fait, je n'avais pas eu la sagesse de sauvegarder dans d'autres appareils parce que je le laissais dans mon ordinateur. Une fois l'ordinateur a pris un coup, une fois que le test a été corrompu, il m'a fallu reprendre à zéro. Je pouvais dire, c'est gâté. Lorsque j'ai repris à zéro, au contraire, j'ai été encore mieux inspiré, j'ai été encore mieux motivé. Il arrivera des choses que le diable créera exprès, des échecs d'hier, des douleurs d'hier, des trahisons d'hier qui vont rester dans votre esprit et dont il va se servir pour vous bloquer et pour vous barrer. Je vous ai dit hier que certaines personnes n'ont pas de problème. elles sont le problème. Tu es le problème parce que tu es celle là qui a peur. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette femme. Tous les hommes qui venaient, elle triait les hommes. Elles criaient. Elles trouvaient que celui-là a un gros nez, elle trouvait que celui-là sa bouche sans. elle trouvait que celui-là il est laid, elle trouvait que celui-là il est court, elle trouvait que celui-là il pouvait elle trouvait elle trouvait elle trouvait mais finalement elle a vieilli. Elle n'a eu aucun homme. Parce que, bien aimé, quand l'opportunité se présente, il faut être prêt. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui. Si vous voulez sortir de l'oppression démoniaque de la peur, votre vie changera. Au moment où j'étais en train de me lancer en tant qu'écrivain-conférencier, tout le monde a essayé de me faire peur. J'ai mis ma foi en Jésus. On m'avait dit loge, tu t'en vas, tu veux faire la musique. Est-ce que la musique, même, ça marche? J'ai dit à mon ami je ne suis pas en train de faire la musique pour devenir une superstar de la musique. Si ça arrive que je sois une superstar, gloire à Dieu. Mais je vais réaliser la musique pour au moins dire que j'ai réalisé quelque chose dans ma vie. Je vais avoir un trophée dans ma main. Je vais avoir une preuve que j'ai surmonté mes faiblesses, j'ai surmonté mes lacunes. Je vais avoir une création de moi-même. La personne est revenue plus tard et me dit "Oh, musique, musique, musique. Vous savez qu'il y a des amis qui sont super négatifs." Des amis qui sont hyper négatifs, des femmes, des hommes, des gens. Ça veut dire que quand vous voulez faire quelque chose, la seule chose que le diable va faire, c'est de passer par leur bouche pour vous critiquer, pour vous juger. Combien de fois mon ami est venu C'était devenu maintenant oppressant, c'était devenu oppressif, c'était devenu autre chose. C'est un peu comme si... Une entité démoniaque s'était incarnée en cette personne et voulait passer par elle, coûte que coûte, pour me pousser à abandonner. Ce gars aussi ne lâchait pas pris. Je lui ai dit. Un jour, la personne est encore venue et me dire Mais il y a trop de pirates. Trop de pirates. Que oui, la musique, ça ne marche pas. Je lui ai dit Mon ami, je ne suis pas en train de faire la musique à cause des pirates. Je lui ai même dit que même si les pirates achètent là, ils vont faire la promotion pour moi. Et le jour, où ils sont venus et me dire Hé, hey, éloge. J'ai trouvé ton CD, j'ai trouvé ton livre à Abidjan Plateau, j'ai acheté là-bas, blablabla. J'ai dit, je m'en fous de ça. Si je veux regarder les pirates, je ne verrai pas toutes les potentialités et tout la, tous les avantages que Dieu me donne. La peur viendra vous enlever ce qui est essentiel. La peur viendra vous enlever le fait que vous pouvez encore réussir. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va vous faire traverser des situations terrifiantes. Le diable va envoyer des gens pour vous blesser, pour vous offenser. Et que, pour que demain, vous soyez limité dans votre façon d'agir. Aujourd'hui, là, il y a des femmes qui ne peuvent pas réellement vivre leur amour parce qu'elles ont peur d'être blessées. Elles ont peur de trop se donner et puis, bon, ben ça ne va pas marcher. Mais en réalité, c'est parce qu'elles ne se donnent pas que ça ne marche pas. Parce que tu vis dans une situation avec la peur, la peur d'être abandonnée. La peur d'être trompé, la peur d'être trahi. Tu crois que est, tu es en train de prendre des mesures de précaution, mais en réalité, c'est toi qui es en train de détruire ton foyer. Parce que tu ne vas pas te donner à 100%. Parce que tu ne vas pas t'engager. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Ça dit que tu prends des mesures, ça veut dire que tu es dedans, mais tu n'es pas dedans en fait. Tu es dedans, mais en prenant des mesures. Donc, c'est la peur qui vole ton bonheur. Il y a des hommes qui sont dans des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui vont pour essayer. Or, quand on a la foi, on ne va pas pour essayer quelque chose. On va avec la conviction qu'on est prêt à tout donner pour que ça marche. Ma soeur, mon frère, que la peur ne te vole pas toutes les possibilités de réussir. Il n'y a pas une seule chose qui te bloque aujourd'hui si ce n'est pas la peur. Combien de gens ont pour destiné de vivre dans un pays américain? Mais qu'est-ce que les gens ont semé dans ton esprit? Oh oui, au Canada, il fait froid. Oh, moi j'ai peur de... Ça veut dire que tu n'as jamais goûté le Canada. Tu n'as jamais testé le Canada. Tu n'as jamais vécu au Canada. Tu n'as jamais expérimenté le froid. Mais dans tes pensées, ta décision est prise. La peur a pris place. La peur a siégé en toi. Et tout ça là, ce n'est pas parce que tu es venu au Canada. Ce sont les ondits. Ce sont les j'aurais appris. Et autres. Et le diable est très bon dans ça. Si tous vos amis là sont bons dans ça, aujourd'hui là, si quelqu'un te dit, oh, tu vas aller au Canada, il fait froid, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit au Canada? Y a-t-il pas des gens qui vivent au Canada? Tu entends que les gens sont morts parce qu'à cause du froid? Tu as entendu que combien de personnes sont mortes dans le froid cette année-là? Pourtant il a fait froid jusqu'à 20 degrés. Pourtant il a fait froid jusqu'à 25 degrés. Pourtant il y a eu des endroits où il y a eu euh, moins, moins 25 degrés, moins 40 degrés, moins 39 degrés, moins 38 degrés. J'ai déposé ma bouteille d'eau dehors, dans ma voiture. Quand je suis parti, ma, ma bouteille d'eau était congelée. Mais moi, je n'étais pas congelée parce que j'étais dans la maison. Donc, l'ennemi va utiliser la peur pour vous voler. Il y a des femmes, c'est la peur qui vous a rendu célibataire. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ma soeur, tu es célibataire à cause de la peur. Il n'y a rien d'autre. Parce que ta peur, la peur, la peur. c'est bien d'être prudent dans la vie, mais pour toi, là, c'est exagéré. Je te dis ça. Même si tu dis que c'est de toi, je parle, c'est de toi, je parle, est-ce que j'ai peur de toi? Donc, ma sœur, tu n'es pas seule en France pour rien. Tu n'es pas seule aux États-Unis pour rien. Quand il s'agit des bêtises, là, nous, enfants de Dieu, on est bons dans ça. Mais quand il s'agit de prendre des bons engagements, on a peur. Alors, ils ont du potentiel. Ils ont des dons. Ils ont des appels. Et parfois, tu entends des gens même qui ont peur. Oh non, moi, j'ai honte de prendre le micro devant les gens. Mais tu n'as pas honte de souffrir. J'ai honte de chanter. J'ai honte de prêcher la parole de Dieu. J'ai honte euh, de faire tel boulot. J'ai honte de marcher devant les gens. Mais tu n'as pas honte de souffrir. Mais tu n'as pas honte de te donner à des hommes dans la cachette. Tu n'as pas honte d'aller dire des bêtises au téléphone et de faire des bêtises en cachette. C'est plutôt pour ça que tu devrais avoir honte. Donc, mon ami, dis à la peur de te quitter aujourd'hui. La peur. Quand vous allez à l'église, dès qu'on dit témoignage, qui va venir rendre témoignage, oh, ça se cache. Je suis allé à Paris pour une conférence en attendant que les animateurs arrivent. On dit, est-ce que quelqu'un veut venir prendre le micro pour chanter un peu toutes les mamans, les tanties, les tontons, les cousins, les cousines qui sont là, là. Tu les vois, on dirait qu'ils vont rentrer par terre. <laughs> tu les vois là, on dirait qu'ils vont rentrer par terre. Si on prenait un par hasard, on dit tu hey, toi, pas ici, là, ils avaient fait pipi sur eux. Donc, tu vois que les chrétiens, que Dieu ait pitié de son peuple. Que des trouillards et des purus. Ce que j'ai dit là, c'est pas faux. faut attraper une comme ça par force faut lui dire que <laughs> mon ami aujourd'hui là, je viens à Paris. Je viens à Paris dans six mois. Toi, c'est toi qui vas diriger. Ils vont négocier. Frère et <laughs> Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour faire direction là. Frère et Est-ce que Dieu t'a vraiment bien dit que c'est moi qui vais diriger? Frère et mais tu as me Frère et eh! Hein? Frère et Ils disent qu'ils ont la foi. Parfois, même vous êtes en public, dans une, dans une réception, on dit qui va, qu va bénir le placard du, de la mariée, qui va prier pour qu'on mange. Ça dit que même dans une réception de famille, réunion de famille, même dans la réunion de famille, pour trouver quelqu'un pour prier, c'est un débat. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Allez-y, faites une petite réunion de famille. C'est là que vous allez voir que les gens sont trop intimidés, facilement intimidés. Parfois on dit toi tu pries on dit non toi tu pries non toi tu pries non toi tu pries non 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 toi faut prier non toi faut prier toi faut prier et finalement le frère Claude a commencé à manger <laughs> il a commencé à manger mmh. si vous ne voulez pas prier tant pis pour vous <laughs> donc c'est là que vous voyez que les chrétiens là ils ont un problème c'est ça la vérité alors mes amis qui a peur Tous les jours, c'est ce qu'on voit. Je n'ai pas menti sur l'enfant de quelqu'un. J'ai dit, oh, est-ce qu'elle a est menti? Faut tu vois comment les gens, c'est se... niaga pour prier. On ne sait pas qui va bénir nourriture. Oh. Non, les gens ne sont pas bien. Alors, aujourd'hui, je vais te donner des stratégies pour sortir de l'oppression. Parfois même Dieu, même il préfère s'élever pour partir. Parce qu'il attend que vous bénissez le plat. Tellement vous discutez, on ne sait pas si c'est Charlie qui a béni le plat. Donc, euh, vous comprenez que vraiment nous sommes dans les derniers temps. La foi a disparu. Il n'y a plus d'audace. Les gens comme David, là, il n'y en a plus. Des gens comme David, là, il n'y en a plus. Je peux même dire que... Non, un jour là, maman destinée va donner le coup. Un coup, un coup de la foi. Un coup de la foi, un coup de la foi. Un coup de l'audace. Voilà. Un jour, un jour, un jeudi un jour. Les chrétiens de maintenant, vraiment, ils sont vraiment terribles. Actuellement, on ne peut pas aller prendre quelqu'un pour dire à Gathe, demain, tu as fait intercession. Il ne <laughs> faut pas lui dire où elle va faire intercession. La sœur, elle ne va pas venir. Demain, on va aller faire évangélisation. Tu lui donnes un, un micro. Tu lui donnes les baffes. <laughs> tu lui dis, Agathe, tu vas aller faire évangélisation. Elle va te dire où tu, tu lui dis, attends un peu seulement. Après, tu lui dis, Agathe, c'est demain tu t'en fais évangélisation. Elle va dire, mais ton évangélisation, c'est où même Attends seulement. Et puis après, tu dis, oh, 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 j'ai oublié de te dire, tu vas aller faire évangélisation devant Champs-Élysées, ou bien la Tour Eiffel, la Maison Blanche. Mon ami, c'est que toi-même, tu ne veux pas aller évangélisation. Tu as gâté tout à faire. là. Et tu dis tu les vois comme ça là Ils ont peur de parler. C'est à la maison, leur bouche, ça fait comme ça, mais tu les vois comme ça là. Tu leur dit, va évangéliser à Washington. Mon ami, pardon. Donc, pardon. On va prier et on va terminer. Alors il y a l'oppression financière. Il y a ceux-là qui sont en train de subir une oppression financière. Il y a celles-là qui sont en train de subir une oppression physique. L'ennemi te combat ta santé. Et il y a ceux-là qui sont en train de subir une oppression maritale. Vous voyez, ce que j'aimerais faire, ce n'est pas de vous juger, ce n'est pas de vous condamner, ce n'est pas non plus de vous pointer du doigt, mais de vous faire comprendre pourquoi ça ne va pas trop chez les chrétiens. Vous savez, parfois vous ressemblez à tout le monde. Vous vivez dans le même quartier que tout le monde. Vous habitez dans la même ville que tout le monde. Mais le diable sait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Le diable sait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Le diable sait que vous avez une destinée différente. Maintenant, pour pouvoir vous atteindre, il mettra une stratégie en place. Et c'est en fonction de cette stratégie qu'il opère. Alors pour détecter par quoi l'ennemi vous combat, je vous demande s'il vous plaît d'analyser ce qui vous arrive le plus souvent. Lorsque l'ennemi est en train de t'oppresser émotionnellement, tu vas voir que tu auras toujours des problèmes de cœur, de colère, d'émotion et d'instabilité sentimentale. C'est là que tu te rends compte que l'ennemi te combat. Mais pour toi, là, c'est ton cœur qui nous presse. C'est ton cœur qui l'attaque. Amen. C'est ton cœur qu'il vise. La parole de Dieu déclare en Exode 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, va, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles de l'Éternel. Donc, une fois on est beaucoup opprimé, on n'entend pas Dieu. Voici le plus gros problème que l'oppression apporte. L'oppression t'empêche d'entendre Dieu. Parce que face à l'oppression, ma soeur, mon frère, tout ce que tu vois dans ton esprit, c'est le mal. L'oppression t'empêche de voir la qualité. L'oppression t'empêche de voir la bonté. L'oppression focalise tes pensées sur le mal. L'oppression fait que tu t'attaches au mal qu'on t'a fait et tu oublies toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, délivre-moi de l'oppression mentale. Délivre-moi de l'oppression émotionnelle. Délivre-moi de l'oppression sentimentale. Délivre-moi de l'oppression émotionnelle au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est en train de subir une oppression mentale, c'est-à-dire que l'ennemi exerce une action répressive ou oppressive sur sa mentalité, sur son psychique, cette personne a du mal à contrôler ses pensées. Cette personne a un bombardement de pensées inutiles, de pensées impures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces temps-là, l'ennemi sait que tu vas avoir quelque chose. Dans ces temps-là, l'ennemi sait que Dieu va t'emmener quelque part. C'est pour ça, mes bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous demande pardon. Ne passez pas le temps. Embellis votre visage. Faites-le si cela vous plaît. Ne passez pas le temps. Embellis votre corps. Faites-le si cela vous plaît. Mais il y a une seule chose. Une seule. Une seule. Une seule. Que si vous manquez de faire, vous allez tourner en rond toute votre vie. Si vous manquez de protéger vos pensées, il devient difficile d'entrer dans la destinée. Il n'y a pas une seule chose que vous aviez obtenue dans la vie, si ce n'est pas par la pensée. Il n'y a pas un seul endroit que vous êtes allé dans la vie. Si ce n'est pas par votre pensée que Dieu a mis l'idée d'aller. Il n'y a pas une seule réponse aux questions de la vie que vous allez trouver si ce n'est pas par la pensée qu'elle commence par naître. Tout commence par une idée. Et l'idée, c'est la bénédiction que Dieu donne à une personne. Il y a des femmes qui sont devenues riches parce qu'elles ont eu de bonnes idées. Il y a des gens qui sont devenus bien parce qu'ils ont eu une idée et ils ont trouvé les, les moyens pour les réaliser. Tant que l'ennemi attaque ta tête, ta vie n'est rien. Parce qu'un homme est tel que ses pensées sont. Et l'ennemi sait que c'est dangereux pour une personne d'être libre dans sa tête. Bien aimé, vous souffrez, vous subissez des choses, vous êtes attaqué, vous êtes opprimé, vous êtes oppressé, vous êtes jugé, vous vous êtes condamné, vous avez fait des erreurs. Donnez-moi une preuve. Une preuve. Que l'oppression que vous subissez là, ce n'est pas mental. Tout ce que vous vivez là, ça est dans vos têtes, dans vos pensées. Le cœur souffre parce que la pensée n'arrive pas à se déchirer. Amen. Le cœur souffre. parce que la pensée parce que la pensée est en train de se balader le cœur souffre parce que la pensée a retenu toutes ses douleurs le cœur souffre parce que la pensée c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe le cœur souffre parce que la pensée n'arrive pas à être tranquille vos pensées se bousculent des idées noires des pensées noires des pensées de haine des pensées de critique, des pensées de jalousie des pensées d'incertitude, de des pensées d'instabilité de tout votre problème là, c'est vos pensées. Il n'y a rien d'autre. Parce que si ta tête n'est pas tranquille, tu vas trouver des solutions à quoi Tu peux avoir même le plus beau rêve, mais tes pensées là sont, sont, sont impures. Bien aimé, tout ce que le Seigneur m'a donné, tout ce que le Seigneur m'a permis de créer, ce n'est pas une pensée. Un jour, il me dit crée une chaîne télé. Ça vient comme ça, pas une pensée. Je saisis et j'écris. Un jour, il me dit, non, tu vas faire ci. Parfois, je suis là et puis il me dit, bon, tu vas demander que les gens mettent le site Océan des Grâces à jour. Ce que je vous dis là, ce n'est pas faux. Vous allez remarquer que ça fait des jours que le Seigneur m'a dit de mettre le site Océan des Grâces à jour. Quand vous allez remarquer là, il y a une nouvelle version du site Océan des Grâces qu'on va mettre à jour dans même, quelques... On va mettre en ligne. Parce que Dieu me donne les instructions. Fais ça, fais ça. Tu veux que ça aille mieux? Fais ça, fais ça. Va dans la salle de télé, tu fais ça, fais ça. Les idées coulent à flot. Et l'ennemi sait que si vous savez que faire, votre vie changera. Si vous savez où aller, au bon moment, au bon endroit, votre vie changera. Bien aimé, aujourd'hui là, que vous le voulez ou pas, votre pensée, c'est votre meilleure arme pour entrer dans la destinée. Parce que tant que l'idée n'a pas germé en toi, tu es là, tu attends seulement, il n'y a rien qui va venir dans ta vie. Aujourd'hui, là, il y a des femmes qui sont en train de souffrir. Il y a, il y a des hommes qui sont en train de galérer. Ce n'est pas parce que ces hommes-là sont stupides qu'ils sont en train de galérer. Ce n'est pas parce que ces femmes-là sont stupides qu'elles sont en train de galérer. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont des, de l'intelligence. Il y a des gens qui ont des formations. Mais le diable sait que ton diplôme-là, j'ai beaucoup de respect pour ça. Hein. Ma soeur, ton PhD-là, ton baccalauréat, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que moi, il est logique ici. Je n'ai pas eu la chance d'aller au collège. Je n'ai pas eu la possibilité d'aller au collège. Mais le Seigneur m'a donné la connaissance. Le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur m'a donné des clés. Et ce sont ces clés qui m'ont permis d'ouvrir les portes. Donc, je ne peux même pas me comparer à toi. Mais je peux te dire qu'un PhD, une formation, peut ne pas te servir à quelque chose si tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire de ta vie. Tu peux aller prendre le PhD et puis ramasser les cartons pour quelqu'un. Tu peux aller avoir le diplôme. Et tellement tu es coincé, tu es verrouillé, tu es bloqué partout, tu sais tellement pas comment tu vas aller investir ton diplôme et ta connaissance que parfois tu prends le diplôme, tu mets dans ton tiroir et puis euh, ça dit que tu sais tellement pas ce que tu vas foutre avec ton diplôme que tu vas encore aller faire un autre diplôme. Et puis demain tu as PhD, dit demain tu as baccalauréat, demain tu as ceci, tu as cela, tu es rempli de diplômes et là encore tu es insatisfait. Tu es bloqué, tu es verrouillé, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Ce que je vais te dire là, ça va te choquer, mais ça va t'ouvrir les yeux. Ton problème là, c'est un verrouillage de ton système de réflexion. L'ennemi sait que toute ta capacité à changer notre vie vient de nos pensées. Voici pourquoi tu es là, tu tournes en rond, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Donc l'ennemi va bloquer tes pensées. Il va t'empêcher de penser à ce que tu dois faire. Il bourre tes pensées avec n'importe quoi. Il bourre tes yeux avec n'importe quoi. Parfois, tu es là tellement que tu es préoccupé par des histoires inutiles que tu ne penses pas à l'essentiel. Parce qu'il sait que dès que ton esprit est tranquille, là, il y a des idées qui vont commencer à couler à flot. Alors, il te tient mentalement occupé. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit qu'on que est seulement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont assises chez elles, des hommes qui sont assis chez eux. Si tu leur dis, ah, tu as des problèmes, tu vas faire comment bien aimé, ces personnes-là réfléchissent. Aucun moyen d'avoir, ne serait-ce qu'une seule idée pour se sortir d'affaire. Elle a son salon qui ne marche pas. Aucune idée. Pour aller innover, pour aller créer, pour que les clients viennent. Rien. Je vous dis la vérité. Rien. Tout est coincé. Ça ne veut pas dire que le monde est fermé. Le monde n'est pas fermé. Mais l'ennemi, pour presser quelqu'un, il vient, il ferme ton esprit. Il ferme ton esprit. Mais le jour... Que ton esprit se libère. Inspiration sur inspiration. Ça coule à flot. Les idées viennent. Hein? Tu n'as même pas le temps de t'asseoir. Donc, pour pouvoir vous avoir, c'est l'esprit que l'ennemi attaque. L'oppression démoniaque, c'est contre votre esprit. Pendant que vous êtes en train de dormir, ils viennent et ils sèment des choses dans votre vie. Ils sèment des graines dans votre vie. Ils sèment des pensées dans votre vie. Ils pilonnent votre pensée. Ils pilotent votre pensée. Ils manipulent. Et puis quand tu te réveilles là, puisque tu as déjà été contrôlé et programmé, tu commences à avoir exactement le même comportement qu'ils t'ont dit d'adopter. Ce que je t'ai dit là, c'est ce que les gens sont en train de vivre. Et tu n'avais jamais su comment est-ce qu'ils ont réussi à bloquer ta vie, comment est-ce qu'ils ont réussi à retarder ton mariage. C'est pas compliqué. Parfois là, quand vous dites non, le fétichisme, le fétichisme là, est-ce que vous savez ce que c'est que le but d'un fétiche? Vous savez ce que c'est que le but d'un fétiche? Parfois le but de fétiche là, c'est bloquer tes pensées, c'est paralyser tes pensées, c'est paralyser ton esprit. Quand vous parlez d'enchantement, enchantement là. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un enchantement. L'enchantement, là, c'est un sort qu'on lance à quelqu'un pour mettre comme une barrière invisible. Donc l'enchantement, c'est comme, on, il y a des enchantements, là, ça veut dire qu'il y a une énergie comme un dôme spirituel, des barrières spirituelles en fait, des barrières spirituelles que, ce qu'on appelle des limites, que l'esprit ne peut pas franchir, une énergie impure, une énergie spirituelle qu'il met autour de toi. Donc, à partir du moment où l'esprit n'arrive pas à franchir cette barrière-là, toi tu peux pas aller au-delà des limites qui t'ont imposées. C'est ça que l'ennemi fait. Quand on dit non, on m'a attaché spirituellement, on m'a attaché spirituellement. Moi j'ai plus le temps d'étudier ça. Physiquement là, toi tu dis on t'a attaché spirituellement, t'a attaché spirituellement. Mais tu vas remarquer que comment ils ont réussi à t'attacher spirituellement Dans le monde spirituel, ils vont t'attacher spirituellement. Ok Dans le monde spirituel. Ils vont t'attacher spirituellement, mais dans ce monde physique-là, tu vas remarquer qu'ils t'ont attaché à un ami. Ils t'ont attaché à une chose. Ils t'ont attaché à un travail. Ils t'ont attaché à la télé. Ils t'ont attaché à des émissions. Ils t'ont attaché à des films. Ils t'ont attaché à des séries télévisées. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu as vu qu'on t'a attaché. Mais dans le monde physique-là, ils t'ont attaché à un faux gars. Qui te dit, même de plein, en plein visage, que lui-là, il n'est pas prêt à se marier. Mais tu vas remarquer que c'est la personne à qui tu es attaché. C'est la vérité. Ce voyou-là qui couche avec toi et puis il a même le courage de dire non, qu'il okay, ne faut pas que tu vas compter sur moi pour te marier. Ça à dire que dans le monde physique-là, ils t'ont juste attaché à des bêtises. Est-ce que je t'ai insulté C'est pour ça que tu es en retard dans la vie. Est-ce que Eloge s'est trompé Je ne t'ai pas insulté. Mais écoute bien ce que je dis si ce n'est pas faux. Tu me dis, si c'est vrai, tu me dis. Bien aimé, dans ce monde physique-là, tu vas remarquer que dans le spirituel, c'est comme on t'a attaché pour que tu n'avances pas. Mais dans ce physique-là, il t'a attaché à des bêtises, des distractions, ton téléphone, tes affaires, parfois même à un faux gars qui couche avec toi et après avoir soulevé ton pied à gauche et à droite, il ose te dire en plein visage que lui n'est pas prêt à te marier. Et puis tu vas remarquer que tu n'as rien à dire. Tu subis. Parce qu'ils t'ont attaché. Parce que quelqu'un qui réfléchit là, un homme qui couche avec toi, et juste après avoir couché avec toi, et puis l'autre te dit, ça s'appelle se moquer de quelqu'un, se foutre de toi. Donc, si tu es censé là, tu ne dois pas te redonner à un gars comme ça. Mais pour toi, là, il part et il vient et il part. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont t'attacher. Ils vont te bloquer et être emprisonné. Donc aujourd'hui là, quand je prêche là, par rapport à l'oppression démoniaque là, tu vas remarquer qu'effectivement, ce que là, je dis là, c'est vrai. Tu n'avances pas là. Ce n'est pas pour autre chose. Tu es attaché à des, à des gaspillages de temps. Tu es attaché à des, à des choses. Tu es attaché à des, à des distractions. Tu es attaché à des associations de femmes sans vision. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de s'appeler au téléphone pour critiquer les gens. Ce n'est pas pour rien que ta vie n'avance pas. Moi, je dois te le dire pour que tu saches que non, cette oppression-là est trop, cette manipulation est trop, frère. C'est ce que le diable fait. J'ai pris le temps d'analyser des faits réels. Et c'est ce que le diable fait. Attaché à des bêtises. C'est la vérité que je dis. Il y a des filles aujourd'hui là. Elles sont à la base de leur malheur. On va prier tout à l'heure. Mais il faut que je te dise la vérité. Tu es à la base de tes malheurs. Ça fait des années que tu souffres, mais ton comportement n'a jamais changé. Ça fait des années que tu galères. Ça dit que toi, tu es ton problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as jamais eu de problème. C'est toi qui es ton problème. Parce que quelqu'un qui souffre comme toi là, qui est oppressé comme toi là, tu devrais te réveiller pour te ressaisir et demander à Dieu de te donner la force. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait que tu es en retard. Il y a des gens, eux-là, tous leurs rêves c'est sexe. Tous leurs rêves c'est la télé. Tous leurs rêves c'est s'embellir. Tous leurs rêves c'est ceci. Tous leurs rêves c'est cela. Tous les rêves, c'est causerie. Tous les rêves, c'est critique. Tous les rêves, c'est pas Bien aimé. Qui est ton problème C'est toi-même ton sorcier. C'est toi-même ton sorcier. Et c'est ce que le diable fait. Ce n'est pas pour rien depuis là vous avez appelé Oh Dieu, secours, oh Dieu, secours, viens me délivrer de mes ennemis. Dieu n'est jamais venu parce que tu es toi-même ton ennemi. J'ai dit si tu veux, tu mets Amen. Si tu veux, tu mets pas. Amen. Si tu veux, tu mets les cœurs. Si tu veux, tu ne mets pas les cœurs. Mais je sais que tu me donnes raison. Et c'est comme ça, qu'il gâche ta vie. Tu as beaucoup de choses à réaliser. Parfois même, tu as commencé à écrire une histoire, un film. Tu n'as pas encore terminé. Tu as commencé un projet. Tu n'as pas encore terminé. Te voici en train de faire ce qu'on appelle affirage. Ta bouche est en train de se balader là-bas. Te voici en train de perdre des heures et des heures au téléphone à parler de quoi de tout et de rien. Un peu d'opposition seulement, vous savez plus ce que vous voulez dans la vie. Quand on vous effraie comme ça, un peu là, vous commencez à trembler comme feuille morte. Et l'ennemi, c'est comme ça qu'il fait il t'attache à des bêtises pour qu'à la fin de ta vie tu regrettes d'avoir gâché ta vie. Et je sens qu'il y a quelqu'un là, là, tu es trop attaché à la distraction. Tu es trop attaché au bavardage inutile. Tu es trop attaché au commérage. Tu es trop attaché à ton téléphone. De qui est-ce que je suis en train de parler? À qui est-ce que je suis en train de parler? Et qui doit se ressaisir? Qui doit demander à Dieu la force? Qui va demander à Dieu la puissance mentale? Qui va demander à Dieu la capacité à déposer un peu ton téléphone? ne serait-ce que 30 minutes, 40 minutes pour travailler dans ton, sur ton projet, pour écrire ton histoire, pour prier le Seigneur, pour lire ta Bible. Ce n'est pas pour rien beaucoup de gens prient, mais Dieu ne répond pas, parce qu'ils sont eux-mêmes leur problème, eux-mêmes le problème, eux-mêmes le mal qu'ils dénoncent à cause de la négligence, la lourdeur, à cause de la paresse et des bavardages, à cause des portes qu'on s'ouvre, à cause de l'instabilité. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été stables dans une église. Ça court partout. Ils cherchent des bénédictions faciles. Aucune stabilité. On cherche des bénédictions rapides. Mais on ne cherche pas à s'établir, à se renforcer, à se stabiliser dans la parole. Alors, comment vaincre l'oppression démoniaque? La première des choses pour affaiblir les démons, c'est la sang. La sanctification. À partir du moment où vous enlevez les impuretés de votre vie, à partir du moment où vous commencez à cesser d'utiliser vos bouches pour dire des bêtises et faire des bêtises. À partir du moment où vous apprenez à contrôler vos pensées et à ne plus laisser les pensées négatives venir dans votre vie, vous allez remarquer, vos rêves commencent à devenir clairs. C'est pour ça que quand vous plongez votre, vos yeux dans la lecture biblique, au lieu d'aller regarder des émissions négatives, toutes les fois que vous allez au lit, en lisant la Bible, 30 minutes avant d'aller au lit, si vous terminez avec la Bible, la journée, vous allez vous souvenir de vos rêves. Ça peut ne pas venir le premier jour, mais si vous le faites un jour, deux jours, trois jours, je vous garantis, 99% des cas, si vous êtes vraiment concentré, vos rêves reviennent. Et puis quand vos rêves reviennent, ça devient clair. Faites ça déjà, vous allez voir. Parce que la lecture biblique que vous faites là, ce sont des informations que vous introduisez dans votre pensée, dans votre cerveau. Et ces paroles vont faire en sorte que les démons ne puissent plus trouver d'accès. Première des choses, la purification de vos pensées. Il y a des choses que vous devez cesser de regarder. Cesser de regarder des images à caractère sexuel. Le diable a détruit beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes et de femmes. Et je peux le dire sans avoir peur de vous le dire. L'une des choses que le diable a fait maintenant, c'est les bêtises que les gens font au téléphone. Je vous assure que les gens comme ça, la même onction de prophétie, il n'y en a pas. Vision, il n'y en a pas. De nos jours c'est ce que les gens font. Même si on parle et puis ça ne rentre pas. Au moins, je vais répéter, répéter pour que ces femmes-là qui écartent leurs pieds pour donner aux gens par téléphone, là, sachent que hey, ça là, c'est mauvais. C'est mauvais. Vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder dans la, de la pornographie, à vous déshabiller pour faire des vidéos, pour envoyer à vos copains, et le copain aussi avoir des vidéos. Vos téléphones sont remplis de n'importe quoi. Et puis après, quand vous avez regardé ces bêtises, rincez vos yeux, souillez vos pensées, vous voulez que Dieu n'a qu'à venir vous parler. Je parlais mal à qui La sainteté, là, ce n'est pas dans la bouche, c'est moi, oh non, moi, je ne fais plus ça. Tes yeux, ton âme, ton esprit ont besoin de purité. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Ça souille ton âme. Deuxième chose, pour vaincre l'oppression démoniaque. Avant de passer à la deuxième chose, fais cette prière avec moi. Seigneur, garde mon cœur plus que tout au monde. Seigneur, préserve mon cœur. Seigneur, lave mes pensées. Seigneur, lave mon âme. Toutes les attaques en rêve soient nulles et sans effet. Que toutes les attaques en rêve soient nulles et sans effet. Que toutes les attaques en rêve soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Ne laissez pas l'ennemi laisser des images impures dans votre esprit. Tous les jours de votre vie. Une fois que des pensées impures commencent à venir, ça agite votre esprit, fermez les yeux. Si vous êtes assis chez vous, je vais vous montrer une technique efficace que j'ai développée il y a des années. Ça fonctionne toujours. Si tout de suite là, je prends l'exemple de Rose Jay. Rose Jay, où tu es là? Parfois... Tu peux avoir les yeux ouverts, mais l'ennemi commence à travailler dans tes pensées. Comment, comment est-ce que tu peux vaincre ça? Lorsque tu vois que des pensées de haine, de colère viennent là, ferme les yeux. Une fois que tu fermes les yeux là, remue ta tête de gauche à droite une ou deux fois. Tu remues ta tête comme ça. Quelques secondes. Et puis tu dis, tu ordonnes à cette pensée négative de s'en aller au nom de Jésus. Tu sors de ma tête. Une fois que les yeux sont fermés et que vous ouvrez les yeux, automatiquement, vos yeux sont redirigés vers autre chose. Là où vous êtes là, quand vous me regardez là, si vous fermez les yeux, vous me reverrez. Si vous regardez la lumière, si vous fermez les yeux, vous verrez la lumière. Si vous regardez la couleur jaune, si vous fermez les yeux, vous ne verrez que du jaune dans votre esprit. Ça veut dire que ce sur quoi nous focalisons l'esprit là, c'est la seule information que nous transmettons à l'esprit. Maintenant, si le jaune vient, que tu secoues le jaune, quand tu ouvres ton, ton, tes yeux, tu vas remarquer que ton esprit va se rediriger sur une autre chose. De temps à autre, la même idée va vouloir trouver une, une occasion de revenir. Mais si tu as ignoré, tu as ignoré, tu as ignoré pendant quelques minutes, là, la même idée bas. C'est bah, comme ça que l'homme est. Quand vous êtes assis là, il y aura des pensées qui vont venir vous hanter. La pensée que vous acceptez là, c'est elle qui reste et elle reste jusqu'au temps où vous décidez de la laisser partir. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont là et puis commencent à fleurir parce qu'ils ont des bonnes pensées. Ils ont gardé quelque chose de positif dans leur esprit. Parfois, même tu as te souvenir de quelque chose que quelqu'un a dit et puis tu commences à rire. Au moins, on sent que toi, tu as gardé quelque chose de bien. Mais si par malheur, tu as gardé quelque chose de mauvais, tu te souviens de cela. Immédiatement, tu vas être en colère, même si tu étais content hier soir. Donc, vous devez protéger votre pensée. Vous devez protéger votre esprit. Parce que l'esprit, c'est le terrain où le diable vient faire toutes ses expériences, ses expérimentations. Donc, vous devez le protéger. Alors, toujours demandez à Dieu le sang de Jésus dans vos pensées. Ordonnez à tout démon qui a pris possession de vos pensées de s'en aller. Et lorsque vous voyez que les pensées qui vous agitent sont différentes, parce que ce n'est pas toujours. Bien aimé, vous savez que pour enseigner le message que je vous donne là, je dois être honnête et je dois dire les mots tels qu'ils sont. Donc, le jour que vous sentez que. Vous êtes trop animé d'une pensée de haine qui vous rappelle quelque chose que quelqu'un à vous a dit ou fait. Sachez que vous avez un démon vengeur, un esprit de haine, un esprit guerrier. Fermez les yeux si vous le voulez. Prenez autorité. Tout esprit guerrier qui est en train de piloter, de manipuler et de jouer avec mes pensées. Au nom puissant de Jésus, je te l'ordonne. Sors, sors, sors! Bien aimé, même si tu ne pries pas fort, si c'est un esprit de haine, quand il vient là, il te rappelle tous les événements, les trahisons. Parfois, même, tu vas voir des gens qui sont là et puis ils pleurent. Parce qu'ils se souviennent du décès de quelqu'un qui est mort depuis 15 ans, 50 ans. Hein. Mais ils pleurent. Les démons vont venir réveiller cette douleur, penser à cette douleur. Et tu souffres, mais tu ne sais pas que tu souffres. C'est eux qui maintiennent la douleur en toi. Si tu ne t'aimais pas à prier, ils ne vont pas s'en aller. Ils ne vont pas s'en aller. Alors, lorsque la douleur vient, tu commences à prier. Seigneur, fortifie-moi. Je n'ai plus, en... plus besoin de pleurer pour cette situation. Je n'ai plus besoin de me sentir mal. Seigneur, fortifie mon esprit. Je lis tout esprit et je chasse tout démon, tout démon, tout démon. Si tu ne le fais pas, tu vas voir. Quand il vient s'asseoir là, il va dramatiser. Tu vas sombrer dans la dépression. Tu étais quelqu'un d'épanoui hier soir, mais aujourd'hui, on te regarde, on est quelqu'un qui est malade. Maman, qu'est-ce qui ne va pas Oh, souvenir de ma maman qui est décédée il y a 50 ans, souvenir de mon enfant qui est décédé il y a 20 ans. C'est vrai, quand on perd un enfant, ça fait mal. Souvenir de tel frère, souvenir de tel homme qui m'a blessé. Et puis, bon, ben, le diable, il vient, il joue à ton esprit. Une preuve que tu n'es pas bien guéri. Alors, il se sert de toi. Il se sert de toi. Maintenant, le jour que vous êtes là et puis vous pensez à beaucoup de choses, telles que les bêtises que vous aviez faites, oui, tu, tu, tu as vécu dans une situation abominable avec quelqu'un, tu étais prêt de détruire ta vie, tu étais prêt de détruire tes chances et à un moment donné, tu t'es ressaisi, tu t'es dit, mais je ne sais même pas ce qui m'a pris pour aller en relation avec telle fille, telle personne, tel individu. Tu regrettes en fait. Dieu lui-même t'a pardonné, mais tu regrettes. Alors, le diable va venir avec un esprit de culpabilité pour venir renouveler ta douleur alors que Dieu t'a déjà guéri. Alors, tu t'en veux, tu ne te sens pas digne et autre. Il met une séparation. Alors, une fois que vous commencez à avoir des regrets par rapport à un passé lointain, une vieille affaire même oubliée et enterrée, sachez que vous êtes visité par un démon de culpabilité un démon accusateur. Si c'est ça là, liez-le et dites à ce démon de s'en aller parce que les choses anciennes sont passées. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir que l'un des défis que vous avez en tant que chrétien, c'est que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos erreurs passées. Vous vous en souvenez toujours, vous regrettez toujours les occasions que vous aviez manquées. Parfois, vous aviez eu une opportunité, vous ne saviez même pas qu'est-ce qui vous a pris, vous êtes passé à côté et vous vous en voulez pendant des années. Vous vous en voulez, vous le regrettez. Parfois, il suffit de voir la personne ou de lui parler. Tu te dis, oh, cette personne devrait ci, devrait ça, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris et autres. Oh, tu t'en veux. Alors, il faut détruire ce démon de culpabilité. J'en parle parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ce phénomène. Alors, tu demandes à Dieu de libérer ton âme de toute présence démoniaque. J'ai des mamans qui continuent de pleurer. Chaque fois qu'elles voient la photo de leur fils décédé. Chaque fois qu'elles voient la photo de leur mari décédé. C'est vrai, c'est un être cher que tu as perdu. Normalement, tu devrais avoir guéri. Mais le diable est malin. Il va faire en sorte que tu ne guérisses pas, pour que tu te sentes coupable. Et depuis des années, tu as des remords. Tu n'es pas libre dans ton esprit. Tu n'es pas épanoui dans ton esprit. Et c'est comme ça que le diable fait pour voler la vie aux gens. Autre chose que tu dois faire pour vaincre l'oppression démoniaque, pour vaincre l'oppression démoniaque, il faut te préserver des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles vont créer en vous la peur. Il faut vous éloigner des gens qui vous rabaissent. Il faut vous éloigner des conversations qui vous blessent. Il faut éviter les sujets qui fâchent. Il faut éviter les sujets qui fâchent. Parce que l'une des choses que le diable a toujours utilisées, ce sont vos amis, vos proches, dans la bouche de qui Ils mettent toujours des jugements et des critiques à votre encontre pour voir seulement que des défauts. Et à partir du moment où ils jouent ce jeu, la peur, le stress, la colère vont s'installer d'une manière ou d'une autre. Et c'est par là qu'ils passent. Les gens autour de vous, les amis qui vous critiquent, qui vous jugent, ne sont pas des sorciers, mais des pions faibles dont le diable se sert. Des gens que l'ennemi utilise pour avoir accès à vous. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu de joie. Votre mari a toujours été la personne par qui le diable passe pour vous faire du mal. Il vous rabaisse. Il vous insulte. Il est tout le temps en train de vous provoquer. Pareillement, il y a des gens aussi là. C'est leur proche que le diable utilise. Peu importe ce que tu fais, il n'y a jamais de stabilité. On trouve toujours que ce que tu fais est mauvais. On trouve toujours que ce que tu dis est mauvais. Bien aimé, l'ennemi va soulever des ennemis qui n'existent pas. Et je te garantis, si tu n'as pas surmonté tes faiblesses, tu vas en vouloir aux gens qui sont avec toi, aux amis qui marchent avec toi, à tes propres enfants, à ton propre mari, à ta propre femme, avant de savoir que, en fait, tout ça-là, c'est de la manipulation diabolique. Tu vas demander à Dieu de lier toutes les puissances démoniaques qui oppressent ta vie, qui oppressent nos vies. Tu vas demander à Dieu de les lier, de les enchaîner et de les chasser. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te demandons de chasser de nos vies tous les esprits démoniaques qui influencent nos proches pour nous faire du mal. Nous chassons tous les démons. Nous chassons tous les esprits. Nous chassons toutes les entités démoniaques qui se servent qui se servent de nous qui nous manipule au nom puissant de Jésus. Nous brisons l'oppression démoniaque. Nous brisons les œuvres de l'ennemi. Nous brisons les chaînes de l'ennemi. Nous déprisons les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, il y a une autre chose que tu dois faire. Tu veux la paix. Tu veux le bonheur. Tu veux la stabilité. Tu veux un nouveau départ. Tu veux une vie sans crainte. Tu veux une vie en mode sans échec. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de ton passé. Demande à Dieu de te délivrer de tes blessures passées. Demande à Dieu de te délivrer des mauvaises habitudes que tu as forgées. A le courage de dire à Dieu de te briser et de te reconstruire. C'est ce que le roi David a fait. Le roi David a su qu'il n'avait pas de problème, mais il était le problème. Et ce qu'il a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu de le briser, de le refaire et de lui donner un esprit bien disposé. Selon le psaume 51, il y a des femmes et des hommes. Tu as juste besoin que Dieu les délivre et leur donne un esprit bien disposé. Tes pensées sont trop tourmentées, ton âme est trop tourmentée, ta vie est trop tourmentée. Même pas de paix dans ton cœur, même pas de joie dans ton esprit. Donc, tu dois dire à Dieu de te délivrer de l'angoisse, de te délivrer de tes blessures, de te délivrer de l'offense, de te délivrer des trahisons, de te délivrer... Surtout de la souffrance d'enfance qu'on a endurée, bien-aimé. Si tu n'es pas délivré de toutes ces choses, même si tu deviens millionnaire, tu n'auras jamais la joie. Si tu n'es pas délivré de toutes ces choses, même si tu te maries à l'homme le plus gentil du monde, tu n'auras jamais la joie. Tu trouveras le mal partout. On a parfois besoin d'être délivré nous-mêmes. Alors, j'aimerais que tu dises à Dieu. Délivre-moi de mon passé. Délivre-moi de mon enfance. Délivre-moi des blessures. Délivre-moi des trahisons que j'ai subies dans la vie. Délivre-moi des offenses que j'ai subies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous de tout ce que nous avions vécu dans le passé. Seigneur, délivre-nous et décharge-nous. Seigneur, délivre-nous et décharge-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Oui, Seigneur, que nous soyons délivrés de l'oppression, des malheurs, des choses que l'ennemi a faites. Seigneur, délivre mon esprit, Seigneur, délivre mon esprit au oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour continuer à vaincre l'oppression démoniaque, tu vas demander à Dieu de te délivrer de certaines personnes. Je te dis la vérité. Ton seul problème, c'est une porte qui est ouverte. Et vous savez comment le diable ouvre les portes Il va envoyer quelqu'un qui va te faire le mal. Et la personne vit en toi. Et c'est l'image de la personne que le diable utilise pour tourmenter ton esprit. Où tu es là Tu es possédé de l'ancien copain qui t'a laissé tomber. Je te dis la vérité. À partir du moment où tu ne peux pas passer d'années et de jours sans passer à ce qu'il t'a fait là, ma soeur, tu es possédée, Ce n'est pas on qui dit. Même si tu es fâché, je me dois de te dire la vérité. Ma soeur, mon frère, là où tu es là, là, tu es possédé de cette personne-là qui t'a offensé. Tu es possédé par elle. Je te dis la vérité, elle vient en toi. Elle n'est pas là, mais tu penses à elle. C'est pour ça depuis là, les gens n'arrivent pas à t'approcher. C'est pour ça depuis là, tu n'arrives pas à refaire ta vie. Tu es possédé par quelqu'un. Tu es possédé par une fille. Tu es possédé par un homme. Tu es possédé. Peut-être même que tu es possédé par ton premier amour. Il y a des femmes qui sont possédées par leur premier amour. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir des stabilités dans votre foyer. Possédé par l'homme que vous aviez aimé. Possédé par la femme que vous aviez aimé. Donc, vous êtes dans des relations en train de faire semblant. Mais vous n'êtes pas encore délivré de votre passé. J'ai menti à quelqu'un, j'ai insulté maman de quelqu'un. Bien aimé, il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés pour que leur vie avance. Parce que très souvent, vous sortez de certaines relations, vous n'êtes même pas encore délivré. Vous allez vous mettre dans une autre relation. Après, c'est pour aller comparer votre nouveau gars à votre ex. Parce que vous êtes possédé. Mon ami, j'ai insulté quelqu'un. Moi là, la première des choses que j'ai faites avant de vouloir refaire ma vie, c'était de me délivrer. De me délivrer et de détruire toute emprise de satanique sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Allez, bye. Mais je vous dis la vérité. Il y a des mamans qui sont là, là. Elles sont en train de prier. Oh Dieu, je veux l'homme de ma vie. Ma soeur, tu n'es pas encore délivrée. Maman, laisse ton fils te dire la vérité. Tu n'es pas encore délivré. Tu penses en même temps à ton nouveau mari que Dieu va te donner, mais toutes les nuits aussi, tu penses aussi à ton ancien mari. Tu es possédé. Il faut qu'il sorte de ton cœur. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit la vérité. posséder de ton ancien mari ou de son ancien gars, de ton ancien bourreau et tu veux avoir une nouvelle vie. Sois délivré. Sois délivré. Beaucoup de gens ont besoin d'être délivrés. Ils ne savaient, savaient jamais pourquoi ils étaient bloqués, pourquoi leur vie n'avançait pas, pourquoi les choses ne marchent pas. Ma soeur, c'est un cas de possession. Il y a un esprit humain qui vit en toi. L'esprit humain, là. Son, son esprit humain. Alors tu as besoin d'être délivré. Il y en a aussi qui sont possédés par leur ennemi. Ce gars-là, ce qu'il t'a fait là, t'as fait tellement mal que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Ça est dans ton cœur. En fait, ce n'est pas le mal qu'il t'a fait qui est dans ton cœur. C'est lui-même qui est assis dans ton cœur. Bien-aimé, je n'ai pas menti. Ma soeur, c'est lui-même qui est assis dans tes pensées. C'est lui-même qui est assis dans ton cœur. C'est elle-même qui est assise dans tes pensées. C'est elle-même qui est assise dans ton cœur. Quand tu es fâché, quand tu es en colère, quand tu te souviens de ça là, tu penses à qui Quand tu es frustré là, tu penses à qui Quand tu te rappelles de ça là, est-ce que tu ne vois pas quelqu'un dans ton esprit Est-ce que tu ne vois pas quelqu'un dans tes pensées Et voici comment les gens sont là. Des gens ont une double pensée. Aient combien d'esprits dans vos corps, on ne sait pas. <laughs> combien d'esprits. Et il y en a aussi qui ne rendent pas la facile. Donc, mon ami, tu vas dire à Dieu, tu dis Seigneur, aujourd'hui, Zoumana, sort de mon corps. <laughs> on va faire ta délivrance. Donne-moi le nom de ton fiancé. Je vais commencer par lui. Donne-moi le nom de ton fiancé qui est en train d'enter ton esprit. Donne-moi le nom de ton ancien gars qui est en train de te faire rater ton mariage là. Elle est en train de te faire rater ta vie là. Donne-moi son nom. Il été délivré. Tu n'es pas encore délivré. Ce que je dis là, c'est la vérité. Mes soeurs, quand vous êtes fâchés là, ce n'est pas pour aller faire des comparaisons. Emmanuel, j'ai menti. Il n'y a pas de zombie ici à Nimendo. Quand vous êtes fâché là, vous ne prouvez pas à vos maris que vous regrettez votre passé Pascal était mieux que toi. Ce que tu me fais là, George Washington ne m'a jamais fait ça. Il t'a dit, mais il faut retourner chez George Washington. Alors, Daniel Jérôme, tu me donnes raison. On va demander à George Washington de sortir de ton corps. Amen. Jean-Louis, voilà. Il n'y a pas. Toi, tu as besoin d'une délivrance en direct. Pose la main sur ta tête, ne vaut pas tomber à tes deux pieds debout là-bas. Pose ta main sur ta tête. Tu fais comme ça. Tu lui dis George Washington. Tu vois, non. Toi, tu as dit quoi, ton gars, il s'appelle comment <laughs> La question même me fait rire. <rire> il y a quelqu'un qui a donné le nom de son gars là. C'est ça qui a coupé mon souffle. Fréjus. Donc il y a autant de personnes qui souffrent comme ça là. Hein? Charles, je comprends maintenant. Aujourd'hui là, on a touché à la cause de vos problèmes. Mon ami, pose ta main sur ta tête. Que Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. <laughs> Jésus te délivre aujourd'hui, Dosso. Pose ta main sur ta tête et tu dis Dosso. Dosso, tu sors de la vie de. J'ai dit, sois honnête. S'il y a Dosso, s'il y a Moussa, s'il y a Malak, il <laughs> faut mettre les trois noms là. Il ne faut pas mettre un seulement pour nous, hier et ici. OK? Donc voilà. Il faut mettre les, tu alignes les trois noms. Donc, tu vas dire, Doso Moussa, Ahmed Malak. Ce pas nom et prénom. C'est le nom de plusieurs. Tu dois leur dire des sorties de ta vie. Sors de mon cœur. Tu lui dis, sors de mes pensées. Voilà. Alors, tu poses ta main sur ta tête, Sirose, et tu fais ta délivrance au nom de Jésus. Wilfrid, pose ta main sur ta tête. Wilfrid, donne-moi le nom. Il y a des gens qui n'osent même pas mettre le nom parce que le mari suit aussi. Ils n'ont pas envie de déclencher la guerre. Il y en a là qui ne vont pas mettre des noms. Après, ils vont appeler un cachet pour dire Homme de Dieu, tu voulais me tuer ou quoi <laughs> Homme de Dieu, tu voulais me tuer ou quoi Tu ne sais pas que mon mari suit le programme aussi avec hein, moi Oh non, la vie est compliquée. Et, en tout cas, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre des Syriacs. Que Dieu vous délivre des, des fourlins. Que Dieu vous délivre de tout le monde <laughs> à la fois. <laughs> Amen. Que Dieu te délivre. Monsieur Gilet, sois délivré au nom puissant de Jésus. mon lui mon lui Que Dieu te délivre. Sois délivré. Gaël, au nom de Jésus, je lui dis de sortir de ton corps. <laughs> Dis-lui, sort de ce corps. C'est fini là. Tu te barres d'ici. Voilà. Donc, tu vas dire son nom. Tu as besoin d'être délivré. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Il faut prier maintenant. Voilà. Jocelyne, prie. Dis à Dieu, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi dans le nom de Jésus. C'est tout. Délivre-moi. Tu dis à Zoom de sortir aujourd'hui. Voilà, fais juste. Sors de ce corps. Sors. Il y en a même qui manifestent. Tu vois ça? Donc là, c'est ton gars-là qui parle de ta bouche comme ça. Je ne sors pas. Il dit même qu'il ne sort pas. Il va sortir. Ordonne qu'il sorte. Que l'esprit humain de toute personne qui vit en toi sorte. Que son esprit humain sorte de ta vie. Qu'il sorte de tes pensées. Voilà. Sors. Il y en a même qui n'osent même pas dire sort parce qu'ils veulent qu'il reste. Ça, c'est ton choix. Voilà. Sors. Ton affaire de je l'aime, là, il faut rester là. Vous <laughs> continuez d'aimer un fantôme. Donc je demande au fantômes de sortir de ton, de ton cœur. Tu dis non que tu l'aimes. Amen. Inès, dis avec moi. Sors de mon cœur. Sors de mes pensées. Voilà, sors. Le gars s'est barré, ça fait longtemps, qu'il sorte de ton esprit, qu'il sorte de tes pensées, qu'il sorte maintenant. Voilà. Tu as besoin maintenant d'avancer dans la vie. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin d'avoir la sincérité, la stabilité émotionnelle et sentimentale. Voilà. Colombe, chasse-les tous. Dis à ta petite soeur aussi de dire le nom. Colombe, si tu veux, il ne faut pas dire des non. Ça, c'est ton problème. Mais je lui dis quand même de sortir. Sors! Au nom de Jésus! Il y en a qui n'osent même pas dire le nom. Ça dit qu'ils disent le nom, mais ils ne mettent pas ça en direct. Ça dit, que tu peux entendre quelqu'un qui dit Kwaku. <laughs> il dit Kwakou et puis après il écrit sort. Non, tu mets le nom et puis tu mets sort. Tu mets le nom, le prénom, et puis tu dis sort. C'est comme ça on fait. Toi, tu dis sort seulement, mais le nom là, tu prononces derrière la caméra. Sois honnête. Dis-lui de sortir. De tes pensées. Et de ton âme, de ton cœur et de tes pensées. Tout esprit humain qui a pris possession de ton âme doit s'en aller aujourd'hui. Tout esprit d'angoisse et de peur doit s'en aller. Momo, dis-leur de sortir. Sors Même si c'est un ennemi dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu dis à Dieu Oui, Seigneur, débarrasse mon cœur. De cet ennemi-là. Dis à Dieu, Seigneur, libère mon cœur de l'emprise de ce frère-là avec qui je me suis disputé. Seigneur, libère-moi et détache-moi de cette sœur-là avec qui j'ai eu des histoires. Seigneur, libère-moi au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps, l'ennemi profite de toi. C'est fini là. Il faut briser les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Belle divine, dis-là de sortir. Dis-là de sortir. Au nom puissant de Jésus. On va reprendre la prière. Ça fait drôle, hein? Mais vous allez voir, après cette prière-là, vous allez dormir en paix. Non. Il y a des gens là, leurs têtes sont occupées. <laughs> Je vous dis la vérité. Au oh, nom de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens là, c'est parce que leur esprit... Leur tête, leurs pensées sont occupées. Que tous ceux qui veulent entrer dans leur vie-là sont freinés. Sont freinés. Donc voilà, c'est un freinage. La tête est occupée, les pensées, le cœur, l'esprit, tout est occupé. Tout est occupé. Tout est occupé. Aujourd'hui, j'ai fait ta délivrance. Je fais ta délivrance. Alors, bien aimé, il y a une soeur qui dit non, que Eloge surveille tout. Vous savez pourquoi elle a dit que je surveille tout Parce que ce qu'elle fait là, c'est ça j'ai dit. Vous savez, un prophète, il est au courant de tout. Hein? Il y a des gens qui mettent sort. <laughs> Mais en fait, ils font ça en deux temps. Ça dit, eux-mêmes là, assis derrière leur caméra là, ils crient fort le nom. C'est nous! Et puis elle écrit sur Facebook, sort. Et nous, on regarde sort, mais on ne sait pas qui est sorti. Donc, mon ami, sois honnête. Tu vas te délivrer maintenant. Amen. Tu vas dire à tout le monde, il n'en qu'à tous partis. Tu as besoin d'être tranquille. Voilà. Alléluia. Alors, tu vas fermer tes yeux et tu vas ordonner à tout esprit, des colères. Peu importe la personne qui a fait cette chose, qui t'a blessé, offensé, peu importe la personne qui t'a fait du mal, tu vas dire à cette personne de s'en aller. Amen. Tu vas dire à cette personne de s'en aller. Tu vas lui dire, tu es Est-ce que quelqu'un t'a blessé dans ton enfance? Est-ce que tes parents t'ont mal traité dans ton enfance? Est-ce que tu es un enfant rejeté qui souffre? Est-ce que tu es un enfant oppressé qui souffre? Ferme les yeux. Est-ce que tu es une personne offensée? Une personne qui n'a pas digéré un mal qu'on t'a fait. Les choses anciennes doivent passer maintenant. Parce que de nouvelles choses doivent apparaître dans ta vie aujourd'hui. Ça ne sert à rien qu'on porte ce fardeau inutile. La vie est déjà difficile. Ne transporte pas encore le passé avec toi. Même si un homme t'a blessé, même si un homme t'a abandonné, même si un frère t'a rejeté, même si ta famille ne te donne pas l'amour que tu attendais, en gardant l'amertume aussi en toi, toi aussi tu vas priver les gens autour de toi d'amour. Cet amour-là que tu n'as pas eu va faire en sorte que toi aussi tu deviennes égoïste en amour. À cause du fait que tu n'en as pas reçu lorsque tu étais enfant. Alors tu voudras que tous ceux qui sont autour de toi te donnent de l'amour. Parce que tu penses qu'ils te doivent de l'amour. Mais au fond de toi... Ce n'est pas ta faute. C'est un vide que tu cherches à combler. Un vide que tu cherches à combler. Aujourd'hui, le Seigneur t'étend la main. Aujourd'hui, le Seigneur t'étend la main. Aujourd'hui, le Seigneur tends la main. Bien-aimé, tu vas maintenant tourner le regard vers le futur. Tu vas maintenant cesser de souffrir. Répète cette prière avec moi. Seigneur, détache-moi de mon passé. Seigneur, détache-moi des injustices que j'ai vécues. Bien-aimé, c'est ça que les démons utilisent. C'est ça que les esprits utilisent. Et c'est ça qui te bloque en fait. Nous aussi, nous sommes arrivés à un moment de notre vie où nous n'avons pas été aimés. Mais nous avons trouvé la force d'avancer. Nous avons trouvé la force de nous tourner vers l'avenir. Et les démons se servent tellement des douleurs du passé pour opprimer les âmes, pour retenir les gens captifs. Tous ceux qui ont été piégés dans le passé et qui n'avancent pas sont toujours attachés à une douleur qu'ils n'arrivent pas à oublier. Et c'est de toi que je parle. Alors maintenant, il est temps que tu prennes la main du Seigneur et que tu commences à te battre pour rendre le futur possible, mais et non te battre pour t'accrocher au passé. Il est temps maintenant que tu t'élèves. Il est temps maintenant que tu t'élèves. Si tu ne t'élèves pas aujourd'hui, la pierre jetée a toujours été rejetée. Mais, mais, mais quand Dieu décide de faire d'elle une pierre principale, personne ne peut l'arrêter. Mais il faut accepter de tourner la page et de ne plus revenir à ce qui s'est passé. Il y a des hommes et des femmes qui sont négatifs dans leur foyer. Ce n'est pas parce que ton mari a fait quelque chose. Ce n'est pas parce que ta femme a fait quelque chose. Mais c'est parce que tu souffres depuis ton enfance. Tu as un vide en toi depuis ton enfance. Tu as une peur en toi depuis ton enfance. Voici pourquoi tout le monde pour toi est un danger. Mais tu peux surmonter ça aujourd'hui. Tu peux surmonter. Tu peux refuser que la réalité, que le passé devienne ta réalité. Tu peux décider de t'élever aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse partir. Laissons partir le passé. Laissons partir le passé. Parti. Laissons partir le fardeau. Le fardeau doit s'en aller. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je me décharge sur toi. Dis le Seigneur Jésus, je me décharge sur toi. J'ai été, 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 été rejeté, mais ce n'est pas ma faute. J'ai été rejeté. J'ai été méprisé. J'ai été détesté. J'ai été rejeté, mais ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te décharger de ce fardeau inutile de la vie. Tu as la possibilité de prendre une nouvelle décision. Voici maintenant une décision que je veux que tu prennes. Cette fille-là qui habitait chez toi décide qu'elle ne contrôle, continuera pas de te contrôler. Même à son absence. Aujourd'hui, son pouvoir s'arrête ici. Ce monsieur-là qui t'a blessé, j'ai dit, son pouvoir s'arrête ici. Ces gens-là qui nous ont blessés, leur pouvoir s'arrête ici. Bien-aimés, si les hommes ne m'aiment pas, j'ai la possibilité de m'aimer moi-même. J'ai la possibilité de me faire plaisir moi-même. J'ai la possibilité de tracer mon chemin moi-même. J'ai la possibilité de redéfinir ma vie moi-même. Parce que si je deviens une personne de valeur, alors plus personne ne me rejettera. Voici comment nous devons voir notre monde maintenant. Demande avec mon Seigneur. Dis avec mon Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le courage. Dis le Seigneur, donne-moi la force et le courage pour surmonter l'oppression dans mes pensées. Dis le Seigneur, j'ai besoin de force et de courage. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas respirer profondément et laisser partir. Tu vas respirer profondément et tu vas te décharger de ton fardeau. Tu vas te libérer de, de ce fardeau. C'est dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Cette énergie négative-là que tu as emmagasinée, c'est ça qui te fait souffrir. cette force maladie, tu dois t'en débarrasser. Parce que lorsque nous allons commencer à dire, sort, 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 il faut que tu sois délivré. Bien-aimé, pendant des années, j'avais mal ici. J'avais mal ici. Ce mal a disparu à mon mariage. Lorsque le Seigneur m'a donné ma destinée, je croyais que j'étais malade. J'ai été voir un médecin. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On m'a dit que j'ai une myosite intercostale. Mais ce n'est pas une maladie. C'était l'angoisse. C'était le stress. C'était une douleur post-traumatique. C'était une inquiétude accumulée, les mauvaises énergies. Cette pensée constante-là qui me disait on ne t'aime pas. Est-ce que tu es sûr qu'une femme va t'aimer? Est-ce que tu es sûr que les gens t'aiment? Et cette douleur-là sur le côté, j'en ai souffert. Mais le jour que j'ai fait comme ça, je me suis libéré de ce fardeau sur Jésus-Christ de Nazareth. Sans aucun traitement. La douleur a disparu. Toi-même, tu as mal quelque part. Toi-même, tu as mal au cœur. Ton cœur te brûle. Ce n'est pas que tu es malade. Trop de pensées négatives, trop d'inquiétudes, trop de stress, trop de. Des, des, des doutes, trop de pensées négatives. Ton problème est un problème d'une énergie négative, d'accumulation de stress et de pensées impures. Voici ce qui est en train de te stresser. Voici ce qui est en train de te fatiguer. On dit même que tu as la tension, une tension due au stress, aux pensées négatives qui t'animent et qui te dominent. Voici ton problème qui est là. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas fermer les yeux bien amis. Tu vas fermer les yeux comme moi. Et maintenant, tu vas pousser maintenant un soupir. Un soupir. Tu vas tu vas te décharger, tu vas dire je me décharge de ce fardeau. Unit-il Tu vas maintenant parler à ta vie. Tu dis, éloge, je te décharge de, te, de ce fardeau. Unit-il Alléluia. Et n'en oublie pas. C'est juste un fardeau. C'est juste une pensée. C'est juste ton angoisse. C'est juste ta peur du futur. Mais ce n'est pas ta réalité de demain. Alors, tu as toutes les chances de réussir. Répète avec moi. Je me décharge de ce fardeau inutile. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu es en train de parler, il y a des chaînes qui sont en train de partir. Il y a des liens qui sont en train de se briser. Les mains occultes qui te retenaient sont en train de te lâcher. Tu avais peur pour rien. Tu étais inquiète pour rien. En fait, c'est ton inquiétude et ton énergie qui leur donné le pouvoir. Maintenant, tu leur dis Je vous libère. Esprit d'inquiétude, esprit de peur, esprit de rancune, je vous libère. Répète-le Je vous libère. Vous, les gens de mon, de mon passé, vous, mes ennemis passés, il est temps que vous vous en alliez. Il est temps que vous sortiez de ma vie. Il est temps que vous sortiez. Esprit d'inquiétude, esprit d'oppression, démon d'oppression, tu pars maintenant. Toi, cette voix-là qui parle à mon esprit. Silence au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas voir, il y a des chaînes qui sont en train de te libérer. Il y a des choses qui sont en train de se retirer de ta vie. Tu ne le savais pas. Mais tu avais besoin d'entendre cette parole. Ta, ta, vie, ta vie avait besoin que tu lui parles. Donc tu vas parler à ta vie. Tu vas parler à ta vie. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu dis par exemple, Eloge. Eloge. Je prophétise que désormais tu te détaches de ton passé. Alléluia. Tu guéris de ton passé. Tu guéris de tes douleurs d'enfance. Tu guéris de tes blessures d'enfance. Tu guéris de tes angoisses d'enfance. Tu guéris totalement. Tu guéris totalement. Alléluia. Bien-aimé, tu vas voir qu'il y, y a quelque chose de noir qui est en train de sortir de ton esprit. C'est le voile de l'angoisse. Le voile de l'oppression s'en va. Alléluia. Je parle à la vie d'une femme, d'une femme dont l'esprit a longtemps été voilé. Ce voile t'a empêché de voir, de voir ta vie comme Dieu voulait. Alléluia. Ce voile t'a limité. Ce voile t'a freiné. Ce voile t'empêchait de voir loin. Ce voile t'empêchait de te faire confiance. Alléluia. Depuis que tu as subi cette, cette affaire, depuis que tu as subi cette trahison, depuis que tu as subi cet échec, cet échec, depuis que tu as échoué, depuis que tu es tombé, depuis que ce mal t'a frappé, tu ne t'es plus jamais fait confiance. Tu ne t'es plus estimé, tu t'es rabaissé. Mais aujourd'hui, le voile s'en va. Le voile s'en va. J'ordonne maintenant que ce voile te quitte. Que le voile me quitte. Que le voile me quitte. Ce problème-là, qui est devenu un voile de limitation, un voile de limitation, tu t'en vas. Ce problème-là, qui couvrait mon esprit, tu t'en vas. La peur, l'échec, tu t'en vas. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de mon cœur. Vous sortez de mes pensées. Vous sortez. Sortez, 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 sortez. Mon cœur n'est plus votre maison. Ce voile de haine, ce voile de haine, tu sors de mon cœur. La haine s'en va maintenant. Alléluia. Dis à la haine de s'en aller. Dis à la haine de s'en aller. Dis à la haine. Les choses anciennes n'existent plus. Alors tu sors de ma vie.

je te le dis dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, là, ta vie ne sera plus comme elle a été. Quand nous finirons cette prière, toi-même, tu vas voir que le goût de vivre va revenir. Le plaisir de la vie va revenir. Cette négativité-là, cette tâche mystique dans ton âme-là, doit quitter. C'est une tâche, c'est un voile mystique. Une tâche. Quand un truc s'était arrivé, et que ça a entaché ton âme et ton esprit. Ça souille ta personne et ça te rend négatif. Tu vois que du noir partout. Tu vas demander que toute tâche dans ton esprit et dans ton âme s'en aille. Tu vas demander que le voile s'en aille. Tu vas demander que la marque qui t'ont laissée s'en aille définitivement. Tu vas demander que le voile s'en aille, que tout voile sur ton âme, sur ton esprit s'en aille, que tout voile sur ton âme, sur ton esprit s'en aille, que le voile de la sorcellerie, sur tes enfants, sur tes pensées s'en aille, que le voile de la haine et de la vengeance s'en aille. Ferme tes yeux et tu vas ordonner que le voile se retire de ta vie. Le voile de la peur, le voile du stress, le voile de mes ennemis s'en va. J'ordonne que ce voile s'en aille. que ce voile soit détruit. j'ordonne que le voile soit détruit. J'ordonne que la peur, le voile, la peur, la limitation mentale s'en aille, 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 s'en aille. Je brise le voile. Je brise le voile. Je brise le voile. Je brise. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, il reste quelques temps pour terminer. Mais j'aimerais que tu profites de ce temps. Tu vas ordonner à toute chose qui vit en toi, qui a été plantée en toi, qui a été introduite en toi, mais qui ne vient pas de Dieu, de s'en aller. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, il se passe des choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de les sentir forcément, mais tu les verras se manifester physiquement. Tu vas ordonner à tout esprit qui vivait en toi de s'en aller. Tu leur dis de s'en aller. Toute peur de s'en aller. La crainte du futur de s'en aller. L'inquiétude doit s'en aller. Les blessures émotionnelles doivent s'en aller au nom de Jésus. Tu vas leur ordonner de s'en aller. Dis avec moi, Seigneur, j'entends maintenant que toute chose qui vivait en moi, mais qui ne venait pas de Dieu de s'en aller. J'entends à cette chose de s'en aller. Lui, j'ordonne à l'esprit derrière la peur, à l'esprit derrière la peur, à l'esprit derrière la honte, à l'esprit d'angoisse, de stress, de colère, de haine, de blessure, de s'en aller, esprit d'offense.

Lorsque j'étais à la montagne du feu et qu'on priait. Amen. À la montagne de feu et qu'on priait. Mon Père spirituel nous a appris une prière qui nous a aidé. Bien-aimé, vous ne savez pas quel est le pouvoir dans vos mains. Là où vous êtes là, il y a de la puissance dans vos mains. C'est parce que parfois, vos mains là, vous ne faites rien de bon avec ça. Alors, mon Père spirituel nous a dit de mettre la main sur la tête et de prier. La main sur la tête et de prier. Et chaque fois qu'on prenait la main, qu'on mettait sur la tête et qu'on commençait à s'imposer la main, je brise toute malédiction, tout esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, je te le donne. Sors, ne reviens plus. Sors, 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 sors. Quand on faisait ça, à la fin, là, on sentait qu'il y a des choses qui nous quittaient. On sentait qu'il y a des choses qui nous libéraient. Parce que la Bible dit que tu imposeras des mains. Tu peux aussi t'imposer la main. Alors, avant de continuer la prière, est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo pour moi? S'il te plaît, partage. Vous savez combien de fois nos prières sont combattues, bloquées, les partages, on ne, on, on ne nous permet plus de partager et autres, mais par la grâce de Dieu, notre rêve deviendra une réalité. Alors, mon ami, tu vas poser ta main sur ta tête. Tu vas poser ta main droite sur ta tête. Et lorsque tu poses cette main droite sur ta tête, tu vas ordonner à toute oppression démoniaque de s'en aller. Tu vas ordonner à tous les esprits derrière l'oppression de s'en aller. Élève la voix et ordonne maintenant. J'ordonne à tous les démons qui attaquent mes pensées de s'en aller au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits manipulateurs des pensées de s'en aller. Je vous ordonne de vous en aller. Je vous ordonne de sortir de mes pensées. Je vous ordonne de sortir toutes les puissances occultes, les mains sataniques qui torpillent mes pensées, qui manipulent mes pensées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez, 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 sortez. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Tu vas délivrer tes pensées. Tu vas délivrer tes pensées, délivrer ton âme. Délivrer ta vie et délivrer ton corps. Tu vas ordonner que tout serpent dans tes pensées s'en aille. Tu vas ordonner que tout esprit impur qui joue avec ta vie s'en aille. Tu vas ordonner que tout grand-parent qui vit en toi s'en aille. Tu vas ordonner que tout démon qui a pris possession de tes pensées, qui a pris possession de ton âme, qui a pris possession de ton corps, qui a pris possession de ta vie, s'en aille. Tu vas demander à ce démon de s'en aller. Tu vas fermer les yeux maintenant et ordonner à tout esprit, même s'il se manifeste, ordonne qu'il s'en aille. Dis-lui de partir. Maintenant, ferme les yeux. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout démon qui contrôlait mes pensées de s'en aller au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit familier, à tout génie des eaux, à tout démon de haine, de rancune, de colère et d'offense, de haine, de colère, de rancune, de colère et d'offense, de haine, tout démon de mauvaises pensées, tout esprit derrière les mauvaises pensées, je te l'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors de mes pensées au nom de Jésus. Sors 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 tout esprit familier, tout esprit humain dans mes pensées dans mon corps dans mon âme dans mon esprit dans mon cœur je te le donne au nom de Jésus Sors sors et ne rentre plus Sors sors de ma vie sors de ma famille sors de ma maison Sors 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 sors, 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 tout esprit démoniaque je te le donne je à toute oppression démoniaque de sortir. Tout démon d'oppression s'en va. Tout esprit d'oppression soit chassé. Je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse. Tout esprit, tout génie, tout démon, tout pouvoir, toute puissance du monde des ténèbres. Je te chasse de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mon âme. Sors de mon esprit. Sors, sors, sors de mes pensées. Sors, sors, sort, sors. sors, 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 sors de mon cœur.

tout desmond des eaux, tout esprit des eaux, je te le donne. Sors, 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 de mon cœur, sors de mes pensées, sors de ma vie, esprit du passé, esprit des eaux, esprit des familles, esprit des colères, esprit des haines dans la famille. Je te le donne. Sors, 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 sors au nom puissant de Jésus, tu vas reprendre la prière. Tu vas reprendre la prière. Tu vas reprendre la prière. Tu vas ordonner à tout serpent dans tes pensées, tout esprit qui contrôlait tes pensées, de s'en aller. Tu vas voir que tes pensées seront claires. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne voudra pas revenir. Mais maintenant, là, tu connais le secret. Dès que les pensées impures vont commencer, tu vas commencer à répliquer. Allier tout démon, allier tout esprit, allier tout génie, allier tout démon, allier au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas commencer à lier tout génie des eaux, tout esprit des eaux, tout pouvoir des eaux. Tu vas commencer à lier tout esprit démoniaque et tu vas voir. Même si c'est la haine qui voulait se lever dans ton cœur, dans les minutes qui suivent, tu calmes la haine. Peu importe la tempête, tu calmes ça tout de suite. Peu importe le déluge des pensées négatives, tu retournes le déluge des pensées négatives à l'envoyeur. Bien-aimé, ces derniers temps-là, je ne voulais pas dire hein, les armes que l'ennemi a forgées mais qui ont échoué. Si je vous le dis là, vous serez étonné. Même la fois passée, j'ai l'une de mes filles là qui a rêvé, un, un homme avait lancé le feu contre moi, une boule de feu, et la boule de feu s'est retournée tomber dans l'eau. L'ange de l'Éternel a dévié pour aller faire tomber dans l'eau. Depuis que je suis en train de vous apprendre à prier là, si vous saviez les attaques que l'ennemi programme, ça ne marche pas parce que je sais prier et le Seigneur Jésus est avec nous. C'est très important de savoir prier. Ils ont lancé des vagues. Ils ont lancé des armes. Ils ont lancé des tempêtes. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Alors, bien aimé, tu vas vaincre tes ennemis. Le serpent, le génie, le pouvoir, les œuvres. Merci. Un chou. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas chasser leurs œuvres. Dès que les pensées de haine commencent à venir, commence à prier. Dès que tu sens que la colère est en train de monter, dis à Dieu Seigneur, fortifie-moi. Dis à Dieu Seigneur, tu lis cet esprit. Tu lis cet, cet esprit. Bien-aimé, tu commences à dire à Dieu que tu lis cet esprit. Tu lis ce génie. Tu lis ce démon. Tu le lis. Tu prends autorité. Tu poses tes deux mains sur ta tête et tu lis cet esprit. Tout démon qui parle à ma tête, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Je prends autorité et je réduis au silence tout esprit qui parle à mes pensées. Tout génie qui parle à mes pensées. Tout démon qui parle à mes pensées. Je lis tout esprit démoniaque. Tout génie, tout démon, tout, tout pouvoir qui parle à mes pensées, qui parle à la pensée de mes enfants, qui parle à nos pensées, qui parle à mon cœur, qui parle à mon esprit pendant que je suis en train de dormir. Je te chasse ces démons-là qui vous donnent des instructions pendant que vous êtes en train de dormir. Je les chasse de votre vie. Nous détruisons toutes les semences, toutes les semences de l'ennemi au nom de Jésus. Nous détruisons toutes les semences de l'ennemi, nous détruisons tous les dépôts de l'ennemi, nous détruisons toutes les manipulations de l'ennemi, nous détruisons tout ce qu'ils sont en train de s'aimer dans notre esprit dans nos pensées. Les pensées de haine, les pensées de colère, les pensées de conflit, les pensées de jugement, les pensées d'accusation, les pensées de mépris, les pensées de haine. Je brise, je détruis, j'annule, je supprime, je détruis tout ce que les de s'aimer dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis tout au nom de Jésus. Bien-aimé, analyse ce que je dis. Amen, 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 j'ai dit Amen. Pardon, déjà Amen. Tu vas remarquer l'une des choses que l'ennemi fait. Bien aimé, on va arrêter dans 20 minutes, donc ne te presse pas d'aller. Je te promets que dans 20 minutes, on va arrêter. L'une des choses que les démons aiment faire, c'est d'utiliser vos pensées pour mépriser les gens. Tu peux mépriser un homme de Dieu parce que tu ne crois pas à son ministère. Tu peux mépriser quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Tout cela, ça se passe dans tes pensées. Tu traites la personne même d'une manière ou même c'est parce qu'elle ne sait pas. Ou surtout si tu as déjà entendu des, des rumeurs sur cette personne. Dieu seul sait ce qui se passe dans ta tête. Quand tu tombes sur des pasteurs qu'on a accusés de telle ou de telle chose. Toi seul, dès que tu entends parler, donc le diable est capable d'être utilisé pour avoir des préjugés et pour méditer, pour penser mal de quelqu'un dans tes pensées. Bien l'ennemi travaille fort. Hein? L'ennemi travaille fort. Il va te manipuler. Jusqu'à même, tu n'as pas envie de, de suivre ton pasteur. Combien de fois ils ont voulu vous faire passer, faire passer vos pasteurs pour des sorciers Parfois même, c'est leur visage, ils prennent pour venir vous attaquer. Parfois même, c'est leur visage, ils prennent même pour venir se déshabiller dans, devant vous. Le but, c'est de s'aimer la zizanie dans votre esprit. Parce qu'ils savent qu'en voyant ça, là vous n'allez plus faire confiance à vos pasteurs. Vous allez commencer à douter. Et certains s'en vont même à cause de ça. Certains arrêtent même de prier à cause de ça, et ils ne comprennent pas que non, c'est une ruse du diable. C'est une ruse en stratégie de combat spirituel. On appelle ça la diversion. Fais diversion, sèmez mes amis, et tu méprises la personne. Hein. Et parfois, ils sont tellement malins, ils vont passer par vos amis pour venir semer des rumeurs. Il paraît que, il paraît que, il paraît que. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a une femme qui me suivait avant Elle est en Angleterre. Quelqu'un allait lui inventer une histoire. Il paraît que moi, je suis j'ai fait quatre mariages. Quatre mariages. J'ai eu le temps d'aller faire quatre mariages. Ça dit, je me suis marié. J'ai dit, oui, je demande Monsieur le maire. Quatre fois. Une histoire bidon qui ne tient même pas debout. Rumeur. Alors, madame, ne me suis pas à cause de ça. C'est pour ça vous, les chrétiens de maintenant là, on ne vous fait plus confiance. Parce que vous êtes là, là, vous priez avec nous mais Parfois, ils vont vous raconter des histoires. Bidons. Vous prétendez nous aimer. Vous n'allez jamais venir demander. Ah, j'ai entendu que tu as fait quatre mariages. Je n'ai qu'à m'envoyer le nom des femmes là. Je veux savoir c'était qui ces femmes-là. Que j'ai mariées jusqu'à quatre fois. Donc, tu comprends un peu? Alors l'ennemi est capable de vous faire haïr quelqu'un. De vous manipuler. Et puis en tant que des chrétiens qui prient, qui prient, qui prient, mais qui ne comprennent pas grand-chose, vous êtes déjà tombés dans ces bêtises-là. Déjà tombés dans ces bêtises-là. Parce qu'en même temps, vous regardez les hommes de Dieu et en même temps, vous regardez ceux qui les dénigrent. J'ai dit quoi? J'ai insulté quelqu'un. Vous êtes là, là, comme si vous nous aimez. Mais en même temps, vous êtes aussi chez nos détracteurs. Les quelques personnes là qui nous restent, qui nous suivent et puis qui sont vraiment honnêtes là. Il n'y a pas beaucoup. Je peux compter les frères, les sœurs là, de vrais membres d'Océan et grâce à tout le reste, ça sont des pirates informatiques. Ils sont en même temps chez toi, ils sont en même temps chez ceux qui t'insultent. Et tu vas aller regarder la vidéo là, de ceux qui t'insultent. Les mêmes là qui sont collés à toi, là, ce sont les mêmes qui mettent les commentaires là-bas. C'est bien. Oui, c'est bien. Il faut bien l'insulter. Parce qu'ils sont là, mais ils ne t'aiment pas. Mais ils font semblant de prendre tes prières. Que Dieu ait pitié des âmes perdues. Non, mon ami, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Nous, on ne garde pas ça dans notre cœur. D'après ma fille Isabelle, mon cœur n'est pas valise. Donc, dis à quelqu'un, mon cœur n'est pas valise. Ne garde pas pour moi dans mon cœur. Tranquille. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un Mon cœur n'est pas valise. Mon ami, toi-là que ton cœur est valise là, il faut décharger ta valise là aujourd'hui. J'espère que ton cœur n'est pas valise. Hein? Parce qu'il y a des gens qui mettent tout dans leur cœur. On t'a menti hier, ça est dans ton cœur. On t'a volé, ça y est, dans ton cœur. On t'a fait du mal, ça y est, où, dans ton cœur, pauvre cœur. Que Dieu t'aide. Donc, voilà, mon cœur n'est pas valise. J'ai dit, oh, Françoise, dis à quelqu'un, mon cœur n'est pas valise. Ben, vaut mieux que drap. Tranquille, tu dis ça et puis tu avances. Tu es déchargé devant le Seigneur, tu n'as pas été hypocrite. Donc, tu vas dire à Dieu de te délivrer de toutes ces énergies négatives-là. Ma sœur! faut pas souffrir pour rien. Ton cœur n'est pas valise. <laughs> C'est dans valise qu'on met tout. <laughs> Parfois, là, vieux habit, tout ça, ça est là-bas. <laughs> vieux soutien, ça est là-bas. Donc, il y a des gens, là, je vous assure que si tu leur dis d'aller fouiller leur valise, là, ils verront les vieilles chaussures, les vieilles valises. Ils, ils verront les chaussures de Zumana, photos de je qui, les vieux soutiens, les vieilles perruques. Donc, mon ami, ton cœur n'est pas valise. Amen. Les vieux chiffons. En tout cas, donc euh, voilà, mon cœur n'est pas valise. Donc euh, voilà, il y a des gens qui traînent n'importe quoi avec eux. <laughs> il faut dire à quelqu'un, pas moi. Amen. Donc voilà. Voilà ouais, l'affaire là qui est là. Donc, dis à quelqu'un, mon cœur n'est pas valise. Je vous dis la vérité. Allez là, je vais, je vais être un peu grossier, même si vous allez m'insulter. Je vais être un peu grossier. Il faut dire à tes d'aller fouiller, ils vont trouver les vieux vieux slips là là-bas. Je n'ai pas insulté maman de quelqu'un. Il y a des gens qui traînent tout ce qui est vieux. 1990. <laughs> ils peuvent même se rappeler. Ça, ils ont porté qui. Ça, ils ont porté où. Ça, ils ont porté quand ils ont rencontré qui. A ah, des noms dessus. Il <laughs> y a des gens qui ont le temps, quoi. Donc voilà l'affaire là qui est là. Allons-y seulement. Micheline, il faut dire à quelqu'un, ton cœur n'est pas valise. C'est bon, allons, Solange. Donc voilà, tu vas dire à Dieu de te délivrer. Non, un homme de Dieu, doit dire la vérité, même si c'est choquant. Momo, ton cœur n'est pas valise. Appelle tes parents, il faut leur dire, vous m'avez fatigué, mais je vous pardonne. Natacha, ton cœur n'est pas valise. Je dis Saint-Cheu, ton cœur n'est pas valise. Jean dac ton cœur n'est pas valise. Prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, tu dis, je te pardonne. Mon cœur n'est pas valise. Antoinette, pardon, il faut appeler quelqu'un. Tu dis vraiment, hein? si ce n'est pas à cause du frère loge là, vraiment. Appelle quelqu'un, tu dis non, toi et moi, on va se parler désormais. Mon cœur n'est pas valise. Eh, hey, quoi si, j'ai dit, ton cœur n'est pas valise. Il faut dire la vérité maintenant. Ton cœur n'est pas valise. Il y a des gens pour eux là, c'est magasin. <laughs> Maga <rire> magasin. Magasin. <laughs> Magasin de friperie. Magasin de friperie. <laughs> Alors, tu vas prier. On va avancer. Les minutes qui nous restent là sont en train de finir. Donc, ma sœur, ton cœur n'est pas magasin ni valise. Ok? Ton cœur n'est pas entrepôt. Où on va aller retrouver des affaires de 1985. Amen. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, dis à quelqu'un mon cœur n'est pas valise. Au nom de Jésus, tous les bagages inutiles sortez de mon cœur. Sortez de son cœur, au nom de Jésus. Sortez de son cœur. Sortez, 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 sortez. Sortez du cœur de Delphine. Sortez du cœur de Delphine Aka. Delphine, au nom de Jésus, sortez de son cœur. Voilà. Au nom de Jésus, sois délivré. Mon cœur n'est pas valise. Toi, tu dois dire, ton cœur n'est pas magasin, <laughs> sa fille. Ton cœur n'est pas magasin. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a mis dans ton cœur soit chassé. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a sémé en moi soit chassé. Tout ce que l'ennemi a déversé dans ma vie soit chassé. Tout ce que mes ennemis ont déversé dans mon cœur, dans mon corps, dans mes pensées, soit chassé. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, libère mon esprit de tout ce que l'ennemi a utilisé pour m'attacher, pour me lier, pour me bloquer. Seigneur, libère et décharge-moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dire avec moi, Seigneur. J'ordonne à toute puissance du monde des ténèbres qui oppresse mes pensées, mon cœur et mon âme de sortir et de lâcher prise. Tu sors tout esprit démoniaque qui oppresse mes pensées, qui oppresse mes émotions, qui oppresse mon cœur, qui oppresse ma vie. Sors, 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 sors. J'ordonne à tout démon, à tout génie des eaux, à tout esprit qui contrôlait mes pensées, mes émotions de s'en aller. Au nom du Seigneur Jésus, sors et ne reviens plus. Tout esprit démoniaque qui tourmentait mes pensées, qui tourmentait mon cœur, qui tourmentait mes émotions, qui me tourmentait. Tout esprit démoniaque qui me tourmentait. Je te chasse, 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 je te chasse. Je te chasse, je te chasse. Au nom du Seigneur Jésus, sors et ne reviens plus. Sors, sort, sors, 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 sort, sors, 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 sors au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde comment tu te sens bien. Regarde comment tu te sens à l'aise. Respire un peu seulement, tu vas voir. Maintenant, tu vas ordonner à tout serpent qui contrôlait ton cœur. Tout serpent, tout serpent, tout dragon qui contrôlait ton cœur, il s'en aller au nom de Jésus. Tu vas ordonner à tout esprit guerrier, esprit guerrier qui contrôlait tes émotions qui contrôlait tes pensées, qui contrôlait tes réactions, de s'en aller. Au nom puissant de Jésus, répète ceci avec moi. Esprit guerrier. Esprit. Esprit guerrier. Esprit guerrier. Esprit démoniaque. Bien aimé, même si c'est un esprit violent, même si c'est un esprit de paresse, tu lui dis esprit de paresse. Toi, ce démon-là, qui oppresse mon esprit, ta mission est terminée. Toi ce génie là qui m'oppressait, ta mission est terminée. Toi cet esprit là qui m'oppressait, ta mission est terminée. Tu t'en vas maintenant. 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 J'ordonne à tout esprit guerrier, à tout esprit de guerre qui est dans mon cœur, tout esprit démoniaque dans mon cœur de s'en aller dans ma vie, de s'en aller. Tout génie, tout esprit, tout démon ayant pris possession de ma vie, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, au nom du Seigneur Jésus. Tout esprit tout démon assis sur mon cœur assis sur mes pensées assis sur mon âme assis sur mes enfants assis sur ma maison assis sur ma femme assis sur nos cœurs au nom de Jésus je te le donne sort 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 tout serpent tout dragon tout génie dans mes pensées dans mon corps dans ma vie dans mon âme je te le donne sort 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 et ne reviens plus tout esprit

tout esprit, toute idole, tout esprit, toute idole de ma famille qui vit en moi, je te le donne. au nom puissant de Jésus. Bien mais nous sommes vers la fin. Aujourd'hui là tu dois posséder tes possessions. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Maintenant, l'une des raisons, je termine avec ça, j'espère pouvoir terminer, bien sûr. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont beaucoup de pensées négatives, c'est lorsque leur âme, leur esprit est fait, leur esprit est fait prisonnier ou leur leurs âmes sont manipulées. Si tu commences à être victime, ça veut dire que l'ennemi a mis une emprise sur toi. L'ennemi a une emprise sur toi. Alors ce que je vais te demander, c'est de faire une prière où tu vas ordonner à ton âme et à ton esprit de sortir. Avant de faire cette prière, voudrais-tu s'il te plaît partager la vidéo pour ne pas qu'on nous coupe, s'il te plaît. Et aussi, si nous finissons. Puisque nous sommes en train de nous battre pour créer Océan des Grâces TV. Et bien aimé, vous savez, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de faire une nouvelle version de nos sites Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Et la nouvelle version de nos sites Internet, ça me demande beaucoup de travaux. Vous savez, si tu veux faire ce qu'il y a de mieux, tu dois donner tout ce que tu as de mieux. J'ai béni le nom de Dieu. Et vous-même, vous allez constater qu'effectivement, nous sommes en train de tout changer, tout améliorer. On ne on va on pas rester là pour que les gens nous privent de tout. Je suis désolé. On ne va pas rester là pour que les gens nous privent de tout. Vous allez remarquer que le site Océan des Grâces a été entièrement, presque entièrement, renouvelé. On veut rendre l'expérience formidable. On veut que les gens soient bien. Alors, tu es là, peut-être que tu n'as jamais soutenu nos programmes. Actuellement, nous sommes dans un grand défi. Je ne vous donne pas les détails, mais le Seigneur vous permettra de savoir de quoi je parle. Nous sommes dans un grand, un grand, un grand défi par rapport à la chaîne télé et nous allons le créer. Nous allons le... Créer. Les grâces qui te font beaucoup de bien, mais tu n'as jamais participé au soutien. Par rapport à la chaîne télé. Alors, bien aimé, si tu es là, que tu as envie de nous aider, il y a beaucoup de gens qui nous aident. Quelques personnes vraiment fidèles. Mais nous oublie pas, aide nous à avancer parce que quand nous allons créer cette chaîne, c'est vous qui allez en profiter. Bien aimé, nous avons jusqu'à plus de quatre chaînes, sites internet que nous aménageons, d'où nous mettons des prières gratuites. Nous faisons des programmes gratuits et vous allez là bas, vous téléchargez. Gratuitement les vidéos. Les prières qu'on monte pendant des heures. Je fais un montage à quatre à, à heures du temps. Donc, vous pouvez comprendre que quand je commence un programme de prière, je fais jusqu'à combien de jours Montage vidéo tout le temps. Ça veut dire que parfois, même moi, j'organise le jeûne. Je jeûne, en même temps, je travaille. Je jeûne. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver rendez-vous avec le destin. Tous les programmes qui sont là-bas gratuitement là. Ça demande un effort incroyable. Donc, si vous voulez aussi être des partenaires de notre site Internet ou d'Océan des Grâces, ça va nous faire plaisir. Vous avez tout simplement qu'à visiter le www.océandesgrâces.com et puis nous soutenir. En passant, avant de conclure, n'oubliez pas que nos livres sont en RDC. Nous avons des livres en RDC. C'est le numéro que j'ai affiché là. RDC Congo. Nous avons des livres en RDC. Nous en avons aussi. En Martinique, voilà, euh, nous avons aussi notre représentant en Angleterre. Elle n'a pas encore des livres là-bas, mais elle peut gérer beaucoup de choses. C'est quelqu'un de fidèle et bien, de loyal. Une sœur vraiment bien que Dieu la bénisse. Et nous avons aussi euh, en Martinique, euh, en Martinique, nous avons aussi des, 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 bon, des contacts en Guadeloupe. Mais pour l'instant, le stock là-bas n'existe plus. Nous avons aussi euh, le Gabon qui dessert le, le, le Cameroun aussi. Et nous avons vraiment, bien aimé, euh, voilà le, la Martinique. Alors, si vous voulez vraiment vous défendre, apprendre à prier, bien aimé, c'est bien d'avoir des pasteurs qui prient pour vous. Mais vous savez tout comme moi que nous ne savons pas où notre monde s'en va. Vous voyez, les gens ont fait l'erreur d'avoir seulement à compter sur les hommes. Mais lorsque la situation tragique que nous avions vécu ces derniers temps est arrivée, ça a été douloureux pour beaucoup de personnes qui avaient des problèmes, mais n'avaient personne, n'avaient pas d'église où aller. Par conséquent, il est important de se préparer et de s'armer. Nous avons des livres qui sont disponibles. Bien-aimés, merci à ceux et celles qui nous soutiennent depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Occident et autres. Et aussi merci à ceux qui font tout simplement que participer. Votre présence aussi est importante pour notre ministère. Parce que si votre âme est sauvée, Dieu se souviendra de quelqu'un qui s'est battu pour qu'une personne n'aille pas en enfer. Dieu se souviendra d'une équipe qui a travaillé. Mais malheureusement, tout le monde ne voit pas ça ainsi. Voilà. Ils sont juste là pour leur délivrance. Et puis après, quand la délivrance passe, là, ils sont ni venus connus. C'est quand ils sont coincés seulement qu'ils soulèvent le téléphone pour appeler les hommes de Dieu. Alors, vous qui soutenez, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, lorsque, lorsque euh, nous prions, nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à nous concentrer, parce qu'avant de nous rendre compte qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans notre vie, l'ennemi aurait déjà pris possession, s'étant emparé de nous et nous contrôle. Quand tu, es, quand tu es possédé, tu te sens lourd. Mais quand tu es déchargé de ta possession et délivré, tu te sens léger. Bien-aimé, je voudrais que tu fasses cette prière. Il n'est pas question que tu sois esclave ou prisonnier de quelqu'un. Ma sœur, il n'est pas question que tu sois esclave ou prisonnier de la sorcellerie familiale. Il n'est pas question que tu sois esclave. Ou prisonnier de la haine. Il n'est pas question que tu sois esclave ou prisonnier de la colère. Il n'est pas question que tu sois esclave ou prisonnier des réseaux sociaux. Si tu es devenu esclave de quelque chose qui te contrôle, c'est que tu as vraiment un gros problème. Alors, tu vas faire cette prière. Amen. Et demander à l'Esprit de Dieu de te délivrer de tout lieu. Où on te retient captif ça sera le dernier sujet pour clôturer mais tu vas appeler ton âme tu vas appeler ta vie tu vas appeler ton nom tu vas appeler et une fois que tu vas appeler tu ordonnes tu t'ordonnes de sortir de là où ils t'ont emprisonné tu t'ordonnes de sortir de là où ils t'ont enchaîné tu t'ordonnes de, de, de sortir de là où ils sont allés te cacher Répète ceci avec moi. Ma vie ne passera pas inaperçue sur cette terre des vivants. Je réussirai au nom de Jésus. Répète cette prière avec moi. Ma vie ne passera pas inaperçue sur cette terre des vivants. Ma vie ne passera pas inaperçue. Sur cette terre des vivants, je réussirai. Tu vas déclarer cette parole encore. Eloge qui si tu peux dire Eloge », tu peux dire mon nom, tu peux dire le nom de qui tu veux. Tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre des vivants. Tu réussiras. Ma vie, si tu t'appelles Véronique, tu dis Véronique. Tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre des vivants. Tu réussiras et tu marqueras ta génération. Même si tu t'appelles Marie-Hélène. Marie-Hélène, gertrude, tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre des vivants. Tu réussiras et tu marqueras ta génération. J'ai détruit tout voile mystique qui cache mon étoile. J'ai détruit tout voile qui cache mes yeux. J'ai détruit tout voile qui cache mes pensées. J'ai détruit tout voile qui cache ma vie. J'ai détruit tout voile qui cache mes pensées. J'ai détruit le voile de l'oppression. J'ai détruit le masque et le voile de la sorcellerie. Maintenant tu vas appeler ton âme pour le dernier sujet. Éloge et qu'ici. Je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Sors de tout lieu où tu es en captivité. Sors de tout lieu où tu as été enfermé, alléluia. Sors de tout lieu où tu as été attaché. Je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Sors et reviens. Mon esprit, mon âme, mes pensées, peu importe où vous êtes emprisonnés, je vous ordonne de sortir. Sortez. Sortez de la captivité. Éloge. sort, 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 sort de la captivité. Sors de la prison. Sors de la manipulation. Sort, 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 sort. Je te la donne au nom de Jésus. Sort, 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 de la prison. Sort de l'emprise de l'ennemi. Sort. Sort, 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 de la prison, sors de la boue, sors de la prison, sors de la forêt, sort, 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 sors de toute prison spirituelle. Sors de là où tu as été attaché. Mon âme, mon esprit, je vous ordonne. Sortez, 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 sortez de la prison, sortez de la captivité, sortez des forces sceptiques. Sortez, 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 mon âme, mon esprit, je vous ordonne de sortir

je clôture cette prière par le sang de Jésus. Alléluia. Je sors cette prière. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je verrouille cette prière par le sang de Jésus. Toute attaque de l'ennemi soit nulle et sans effet. Toute manipulation de l'ennemi soit nulle et sans effet. Tout complot de l'ennemi soit nul et sans effet. Tout ce que l'ennemi va essayer de faire soit nul et sans effet. Toutes les manipulations de, mon, de ma pensée, de mon âme, soient nulles et sans effet. Tout ce que l'ennemi va faire pour injecter en moi la haine, la colère, la rancune, soit désormais nul et sans effet. Maintenant, j'ordonne que toute chose qui m'a été lancée depuis le monde des ténèbres sorte de ma vie.

Qui m'a été lancé, toute parole qui m'a été lancée, tout envoûtement qui m'a été lancé, tout enchantement qui m'a été lancé, tout sortilège qui m'a été lancé, tout malheur qui m'a été lancé, toute malédiction qui m'a été lancée, toute parole qui m'a été lancée, au nom de Jésus, sort et frappe l'envoyeur, sort, 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 sort

Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Waouh, 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 waouh. Wow. C'est parce que je vous ai promis qu'on allait arrêter. Il se passe des choses formidables. Il se passe des choses merveilleuses. Mais je vais tenir promesse aujourd'hui. Alléluia. Ouh! Il se passe des choses incroyables. Regardez comment les sœurs sont en train d'avoir leur délivrance. Regardez comment les sœurs sont en train d'expulser des choses de leur vie. Regardez comment les sœurs sont en train de sortir de la captivité. Je vous donne rendez-vous bientôt. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia qui a été béni, qui a senti quelque chose. Qui, qui a senti quelque chose? Qui a senti que vraiment cette prière-là, aujourd'hui, on a touché quelque chose. Bien-aimé, est-ce que tu te sens léger par rapport à quand tu avais commencé la prière? On va terminer bientôt, ne fuis pas. Je sais qu'il est tard chez vous, OK? Voilà. On va terminer bientôt. Est-ce que tu as senti que tu as eu ta percée aujourd'hui, que tu as été délivré? Bien-aimé, je t'invite au programme. Je prophétise. Vous avez remarqué que le programme, là, je n'ai pas encore fixé la date finale. Vous savez que quand tu veux organiser quelque chose pour Dieu, ce n'est pas dans la chair. Tu peux avoir l'inspiration, mais il faut les conditions. Vous voyez Il faut les conditions. Mais on va commencer déjà à préparer le programme. Je prophétise. Et même si Dieu le voulait, ça peut être un autre programme, mais j'observe. Alors, bien aimé, tu peux te connecter à Océan des Grâce. Tu peux créer ton compte. Tu peux créer ton compte à OcéanDesGrâces.com Notre site internet est là. Océan des com. Vous allez remarquer que d'ici deux semaines, le visage du site va changer. Et aussi, on évolue. On évolue pour... La chaîne télé, on évolue très bien, ne vous inquiétez pas. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la force. Bien aimé, vous allez remarquer, et moi et l'autre, je vais vous le dire, quand les prières ne sont pas violentes là, l'ennemi ne bouge pas. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Quand les prières ne sont pas autoritaires, l'ennemi ne bouge pas. Mais vous allez remarquer que toutefois qu'on va dans les églises et puis on prie violemment et sérieusement là, quand on vient là, c'est comme si on, a, on nous a enlevé des poids, des kilos. Parce que le monde des ténèbres, c'est autorité contre autorité. Donc, si dans ta prière là, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour exercer l'autorité, tu finis de prier là, ta même lourdeur est là. Mais tu vas voir que quand tu pries avec autorité, là, quand tu lèves la voix pour prier, quand tu finis de prier, tu as l'impression que toi-même tu sais que la prière t'a fait du bien. On n'a même pas besoin de te dire, touche-toi pour voir, touche-toi pour dire, pour dire que tu es guéri. Toi-même tu sens que tu as été déchargé de quelque chose. Une preuve qu'en venant dans ce programme-là, tu étais vraiment chargé. Tu étais vraiment chargé. Maintenant, imagine, un moment comme ça, tu as été libéré. Imagine-toi en train de prier dans la même salle que nous. Je vous invite le 1er juillet, le 1er avril. Le 1er avril à Montréal, avec le pasteur Moussa Bamba, dans la même église où on s'en va là. 1er avril, vendredi 1er avril, si je ne me trompe pas, 1er vendredi du mois d'avril, bien-aimé, on a un grand programme de délivrance. Je dis, tu veux la délivrance, non? Tu es à Montréal. Vous là, ici là, tout le monde n'a pas le temps pour Dieu. C'est quand on est serré, on, a, on cherche Dieu. On cherche les hommes de Dieu pour prier pour nous. Moi, je t'invite. Tu veux prier, non? Bien aimé, tu veux prier jusqu'à ce que tu vas dire Wallahi, Moi, je t'invite. C'est tout. Moi, là, je ne suis pas dans les histoires de deux minutes de prière au téléphone. Il ne faut pas m'embêter pour ça. Tu peux m'appeler pour me saluer, mais il ne faut jamais me dire que faux oh, homme de Dieu, je t'appelle pour que tu pries pour moi. Ça, là, je ne supporte pas. Parce que je ne suis pas dans les petites prières des minutes là. Moi, je ne supporte pas. Je n'aime pas. Moi, je préfère tout sous onction. Même si je place un, c'est bon. Ou bien je préfère qu'on s'asseille là, qu'on affronte l'ennemi en direct. Tranquille. Donc, bien aimé, tu viens là, là, à Montréal. Maintenant, si tu es trop fâché là, tu vas sur Océan des Grâces. J'ai dit, 1er avril, 1er vendredi du mois d'avril, tu viens. On va mettre le feu partout. Tu veux délivrance, non. Faut venir en faire délivrance. <laughs> Faut venir en te délivrer. Maintenant, tu veux faire délivrance, tu veux prier, tu veux te libérer. Faut te connecter. Rendez-vous d'ici le mercredi. Vendredi. Rendez-vous d'ici. Mon ami, toi, tu es où à Singapour? Moi, j'ai fait comment? Ben, tu es jusqu'à au bout du monde là-bas. Soit tu prends ton avion et puis tu viens. Voilà. Alors les enfants de Dieu, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup. Et euh, je suis content qu'on ait fait ce programme. Vous savez, moi, mes programmes, même si je suis fatigué, je vais faire. Sauf si je n'ai pas envie de faire. Vous savez, nos paroles, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec nos décisions. Et euh, je vous remercie. Pour vos soutiens. Et aussi, je voulais préciser quelque chose. J'ai balancé une ancienne prière que je voulais partager parce que ça fait du bien. Mais il se trouve que dans ce programme-là, on a donné les dates d'une conférence à Paris. C'était la conférence de 2020. Alors, on n'a pas pu la faire. On n'a pas encore fixé la date pour Paris. On a déjà été contacté pour la Martinique et, le, euh, et la Guadeloupe. J'ai dit. Je m'organise avant de donner la date. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres pays qui nous ont contactés. Ouganda et autres. Mais bien aimé, moi, j'observe d'abord certaines choses. Et puis, parce que je n'ai pas envie que vous veniez prier. Et puis, bon, ben, on, on ne prie pas. Moi, là, quand tu viens là, tu vas prier. Si tu veux prier là, il faut venir. Voilà. Tu veux prier, tu veux délivrance, non? Tu te déplaces et puis tu viens. Ce n'est pas on qui dit, moi quand je me déplace, à bien aimé, j'aime prêcher, mais quand je me déplace, à, je ne perds pas trop de temps pour la prédication. Parce que prédication, on a ça tous les jours. Quand il me déplace, ça, c'est pour délivrance. Donc si tu veux, tu viens, si tu veux, tu restes chez toi. Mais il faut venir. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous sur Océan des grâce Océan des grâce Bien aimé, tu dis à tes frères, tu dis à tes sœurs. le frère Élogé qui ici a organisé un programme qu'on appelle Je prends. Je prophétise. Je prophétise. Ce programme-là, je vais tout simplement vous donner les clés. Bien aimé, tout a une clé. La vie a une clé. Même le cœur que tu vois là-là. Le cœur a une clé. Le cœur a une clé. Les portes ont une clé. Dieu l'a bien dit, non? Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand tu ouvres avec cette clé-là, personne ne peut fermer. C'est la vérité. Quand tu ouvres, la personne ne peut fermer. C'est parce qu'il y a des secrets qui vous manquent. C'est pour ça que depuis là vous vous promenez partout. Sinon le jour là que vous allez découvrir là. Moi depuis que Dieu m'a donné moi ma clé, la clé de mon ministère. Quand Dieu m'a révélé la clé de mon ministère là, ça a pris dix jours seulement pour que mon ministère soit connu à travers le monde. Et moi j'aime partager ce que j'ai de bon. Certains je partage, vous voyez non Et pourquoi Parce que si on est au même niveau d'information là, c'est mieux. Voilà, quand tu vas appeler, c'est pour dire non, que c'est pour dire bonjour, ou bien c'est pour soutenir le ministère, c'est pas pour venir raconter ta vie. Parce que si on te tient en captivité, avec le, le, la, la vérité, on te tient en laisse. Tu dois appeler toujours quand tu as besoin d'expliquer rêve. Non. Bien aimé, j'ai un livre des rêves qui est là. On a quatre livres de prière. Si tu veux, tu appelles pour dire, homme de Dieu, j'ai envie d'acheter tes livres de prière, tu m'appelles. Même si tu prends les quatre livres, là, je te fais un bon cadeau. C'est toi qui décides. Maintenant, si tu dis que tu veux acheter aussi un livre, ce n'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de bonnes choses. Désormais, toute personne qui va essayer d'entrer dans vos pensées ne trouvera pas de chemin pour entrer. Désormais, tout individu qui veut s'introduire dans vos pensées, que le feu de Dieu les brûle. Tout individu qui veut s'introduire dans vos cœurs, que le feu les brûle. Ça veut dire que moi, je déclare qu'aujourd'hui, là, même si les gens t'ont parlé mal, ça ne restera plus dans ta tête. Même si les gens t'ont insulté, je prophétise que ça ne restera plus dans ta tête. Même si ton mari t'a blessé, ça ne restera plus dans ton cœur. Fais cette prière tous les jours. Peu importe ce qu'on va me dire, ça ne restera plus dans ma tête. Faites cela tous les jours. Seigneur, protège mon cœur. Mets la joie dans mon cœur. Mets la paix dans mon cœur. Cette prière-là, ça va changer votre vie. Bien-aimés, il y a des gens qui m'ont agressé, il y a des gens qui m'ont accusé à tort. Ce qui m'a aidé là, c'est la prière. Et dit Seigneur, même si on me parle mal là, que ça reste pas longtemps dans mon cœur. J'ai prié et puis ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Demandez et vous recevrez. Bien-aimé, je vous donne rendez-vous d'ici, demain ou après-demain, pour détruire les malédictions. On est déçu J'ai dit, on est là-dessus. Soyez bénis. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Pose, si tu veux, tu mets tes deux mains. Pose ta main sur ton cœur. Maintenant, répète cette prière avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu. Remplis mon cœur de joie. Dis-le, Seigneur, remplis mon cœur de joie. Dis-le, Seigneur, remplis mon cœur de ta puissance. Remplis mon cœur! Alléluia! Hey. Dis-le, remplis mon cœur de ta puissance. Dis-lui, remplis mon cœur de ta puissance. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant je prie pour toi. Pendant que je tends cette main, tends aussi la main vers moi. Et sache que maintenant, je t'envoie la puissance de Dieu. Je t'envoie la force de Dieu. Je t'envoie tout ce qu'il y a de positif. Je t'envoie la guérison. Je t'envoie la restauration. Je t'envoie la paix. Je t'envoie la puissance. Et je t'envoie la grâce de l'Éternel. Reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va dire merci à Dieu et on va terminer. Éternel, nous bénissons ton nom pour toutes ces vies qui ont été touchées. Nous bénissons ton nom pour ta puissance et pour ton esprit qui s'est manifesté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es saint. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es présent. Mais Père, j'ai promis que nous allions arrêter. Esprit de Dieu, nous devons arrêter. Je n'ai pas envie de violer ma parole, Père. Mais je ne veux pas te résister aussi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ta puissance soit sur tes enfants. Seigneur, enveloppe tes enfants de ta puissance divine. Enveloppe tes enfants de ton manteau divin et conduis-les. Que chaque personne qui part de ce programme marche dans la victoire. Que chaque femme qui part de ce programme marche dans la victoire. Que chaque homme qui part de ce programme marche dans la victoire financière, la victoire conjugale, la victoire professionnelle, la victoire spirituelle. Je prophétise cette victoire sur Véronique. Je prophétise cette victoire sur Hila. Je prophétise cette victoire. Je prophétise cette victoire sur ta vie. Merci Seigneur du tout puissant. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Je prophétise cette victoire sur quoi Je prophétise cette victoire. Je prophétise cette victoire. Je prophétise sur cette victoire. Je prophétise sur ta vie la victoire financière. Je prophétise sur ta vie la victoire dans les voyages. Je prophétise la victoire dans les opportunités. Je prophétise la victoire sur toute femme qui m'écoute. Je prophétise la victoire des chrétiens. Je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire sur Jacqueline. Je prophétise la victoire sur toute main qui n'a jamais réussi des projets. Amen. Je lève les yeux, vers les montagne, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours, le secours me vient d'Adonaï qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu toujours, je louerai Dieu. Toujours, j'ai loué Dieu de tout mon cœur, j'ai loué Dieu, j'ai loué Dieu de tout mon cœur. Toujours, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, Yahvé est bon, Alléluia, Yahvé est bon, Il est bon. Oh, toi. Je délie ta main, ma sœur. Je délie ta main. Cette main-là qui avait été maudite, je la délie. Je vois des fils qui sont en train de libérer les mains d'une femme. Les mains d'une femme, les mains d'une femme. Je prophétise que tes mains soient déliées, que tes mains soient déliées, que mes mains soient déliées, que tes mains soient déliées. Que tes mains soient déliées. Alléluia. Ouf. Jésus, par ton sang précieux, enlève mes iniquités. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux qu'un rebelle. Maintenant j'entends ta voix. Qui m'appelle au pied de ta croix maintenant? Je suis confus, brisé. Je me rends. Je vois une porte ouverte et j'aimerais que tu déclares seulement cette parole. Si le Seigneur dit que je refuse de te laisser partir, mon serviteur, alors le serviteur doit se soumettre. Alors je veux qu'une femme déclare. Jante, ta ma destinée. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es marié, tu as besoin de cette prière. Ta destinée finale, ce n'est pas ton mariage. Ton mariage fait partie de l'une de tes destinées. Tu as besoin aussi de cette prière. Tu entres dans ta destinée financière. Dis avec moi, j'entre dans ma destinée financière. J'entre dans ma destinée professionnelle. J'entre dans ma destinée légale. J'entre dans ma destinée selon le plan de Dieu. J'entre dans ma destinée internationale. J'entre, 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 j'entre dans ma destinée internationale. Il te ramène tes bénédictions maintenant. Ils vont te les restituer. Ils vont te les restituer. Ah oui, ils vont te les restituer. Ils vont te les restituer. Ils vont te les restituer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont te restituer ta vraie vie. Ils vont te restituer ton vrai, ton, ton vrai destin, ta vraie potentialité, tes vrais potentiels, ton vrai potentiel. Alléluia. Les chaînes se retirent maintenant de ta vie. Alléluia. Maman Éléonore, les chaînes se retirent maintenant. Le voile se retire maintenant. La couverture sur ta maison se retire maintenant. La couverture mystique. Alléluia. La couverture mystique. Se rétit, et j'ordonne que la couverture mystique se rétit. J'ordonne que cette couverture mystique sur ta vie se rétit. Bien-aimé, répète avec moi, j'ordonne que la couverture mystique se retire. J'ordonne, 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 j'ordonne que les chaînes, que les liens se rétit. J'ordonne, 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 pas! Vous serez visités. Soyez visités. Soyez visités. Bien-aimés, j'ai déjà donné ce genre de prophétie. Il y a des femmes qui ne m'ont pas cru, mais elles sont tombées enceintes et elles sont venues témoigner. Vous savez, l'une des choses que je déplore à Océan des Grâces, il y a des femmes stériles qui ont enfanté parce qu'on a prophétisé. Il y a des femmes qui ne tombaient pas enceintes, qui sont tombées enceintes. Les gens ne témoignent pas. L'ingratitude limite la main de Dieu. Mais que la gloire soit rendue à Dieu de ce que ces anges sont maintenant là. Bien-aimé, bien-aimé, je te le dis. Dans moins de trois mois, tu tomberas enceinte. L'impossible deviendra possible. Je te le prophétise. Si tu sais que c'est de toi qu'il s'agit, pose la main sur ton ventre et reçois. L'impossible deviendra possible l'impossible deviendra possible l'impossible deviendra tout possible oh oui oh oui je le prophétise je le prophétise tout ce que l'ennemi avait déclaré impossible dans ta vie devient possible je prophétise que l'impossible devienne possible. Je prophétise que l'impossible dans ma vie devienne possible. Je prophétise que les bonnes choses impossibles deviennent possibles. Je prophétise que les bonnes choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Je prophétise que les voyages deviennent possibles. Je prophétise que 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 les finances deviennent possibles. Je prophétise que les accomplissements deviennent possibles. Je prophétise que la restauration devienne possible. Je prophétise que tout devienne possible. Je prophétise sur ma vie, sur ta vie, sur nos vies, sur ma maison, sur mon foyer, sur mes affaires, sur mes projets. Je prophétise que mes projets deviennent possibles. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise sur ta vie, sur tes finances, sur tes mains, sur tes projets. Bah pas Tes patrons changeront des discours. Ils changeront de discours en ta faveur. Ils changeront de discours à ta faveur. Ils changeront de discours en ta faveur. J'ordonne maintenant qu'ils te rendent cette finance qu'ils te doivent. Ils te doivent, mais ils sont en train de te faire un procès alors que l'ange de l'éternel les oblige à te rendre ton argent. Ils te doivent de l'argent et ils sont en train de te faire un procès. Mais aujourd'hui, que le Seigneur retourne tout en ta faveur. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur retourne tout en ta faveur. 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 Hallelujah. Je prophétise maintenant que tout ce que l'ennemi avait déclaré impossible dans ma vie devient possible. Je prophétise la restauration. Je prophétise la paix. Je prophétise la joie. Je prophétise. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Je prophétise. Que tout devienne possible. Tout devienne possible. Tout devienne possible. Les bonnes choses deviennent possibles. Je prophétise. Qu'au des Grasses TV devienne possible. Je prophétise. Que ton ministère devienne possible. Je prophétise. Que les sources s'ouvrent. Que les sources s'ouvrent. Que les sources s'ouvrent dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Je prophétise que tout individu qui avait la même mise sur ton dossier, libère. Tout individu qui bloquait le financement, libère. Tout individu qui bloquait tes projets, libère. Tout individu qui bloquait tes affaires, libère. Je prophétise, je prophétise. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise le déblocage dans ma vie, le déblocage dans la vie de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Je prophétise l'ouverture des portes qui ont été fermées. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise la restauration, la restauration, la libération. Je prophétise. Alléluia. Bien-aimés. Il y aura un retour brusque dans ta vie. Toi, cette femme-là en Allemagne, il y aura un retour brusque dans ta vie. Un retour brusque dans ta vie. Un retour brusque dans ta vie. Tu seras même étonné. Tu seras même étonné. Tu seras même étonné. Tu seras même étonné. Alléluia. J'ai pris maintenant que tout ce que l'ennemi avait rendu impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Par la gloire et pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu, tout ce que l'ennemi avait rendu impossible devient possible. Pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, tout ce qui était bloqué soit débloqué, tout ce qui était retardé soit accéléré, tout ce que l'ennemi avait volé soit libéré, toutes nos vies soient libérées, 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 soyez libérées, soyez libérées. Au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes lèvent l'air lenteau. Ma prière pour toi, bien-aimé, que cette semaine se passe différemment et positivement. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. Tu vas expérimenter une nouvelle grâce. Maintenant que tu as posé ta main sur ta tête, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Maintenant, j'invoque sur toi la rosée du ciel. Sur tes projets, la rosée du ciel. Maintenant que le lait et le miel coulent sur toi de la tête jusqu'aux orteils, j'invoque sur toi la rosée du ciel. Dis avec moi, j'invoque sur moi la rosée de la grâce. La rosée de la faveur. La rosée de la grâce. La rosée de la faveur. Maintenant, j'invoque sur toi. La faveur. Maintenant, j'invoque sur toi. La grâce. Maintenant, j'invoque sur toi. La rosée de la faveur. J'invoque sur moi la faveur, j'invoque sur moi la grâce, j'invoque sur moi la puissance, j'invoque sur moi la force, j'invoque sur moi l'onction. Oui, bien-aimé, dis avec moi. J'invoque sur moi la rosée de la faveur, la rosée de la grâce, la rosée de l'abondance, la rosée de la grâce, la rosée de la compassion. La rosée, je reçois la rosée, je reçois la faveur, je reçois. Bien-aimé, j'invoque sur toi la faveur, 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 la la faveur, 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 au nom de Jésus. Je vais maintenant faire une prière pour toi. Bien-aimé, tu n'as jamais eu le courage de mettre ta bouche dans la vie des gens. Tu n'as jamais eu le courage de me parler à quelqu'un. Tout ce que tu as dit à ton mari, tout ce que tu dis à ta femme, ça passe pour quelque chose de mal. Tout ce que tu dis à tes amis, tout ce que tu dis à tes frères, ça passe pour quelque chose de mal. De temps à autre, tu as même envie de dire des choses, mais tu préfères te taire. Parce que tu n'as pas envie que ta parole déclenche une dispute. Désormais, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a mis dans ta bouche. J'ai détruit l'envoûtement dans ta bouche. J'ai détruit tout ce qui magnétise ta voix et transforme ta voix. Tout ce qu'ils ont déposé dans ta bouche, les appareils mystiques et invisibles qui transforme ta voix, qui transforme ta voix en négativité, qui transforme ta voix en répugnance. Nous détruisons maintenant ces choses-là qui font que tout ce que tu dis énerve les gens, qui font que tout ce que tu dis crée des problèmes, qui font que tout ce que tu suggères est rejeté. J'ai détruit tout ce qu'ils ont mis dans ta bouche. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait de toi. J'ai détruit tout le mal qu'ils ont fait. Tout le mal qu'ils ont dit, même s'ils ont dit, peu importe ce que tu dis, même si c'est bon, ceux qui l'écoutent seront en colère. Je brise cette parole, je brise cette malédiction, je brise, je brise la parole de ceux-là qui disent que, peu importe ce que je dis, même si je dis du bien, même si je donne des bons conseils, ces conseils se termineront en conflit et dispute. Je brise ce qu'ils ont dit, je brise ce qu'ils ont fait, je brise la malédiction, je brise tout ce qui fait que ce que je dis, ce que je demande, ce que je parle est rejeté. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, j'annule, je brise, j'annule tout ce qu'ils ont fait sur toi, pour qu'on te repousse, pour qu'on ne t'aime pas, pour qu'on ne t'apprécie pas. Je brise, je brise, je brise, je brise le manteau de condamnation sur ta vie. Dis avec moi, je brise le manteau de la condamnation. Je brise le manteau de la condamnation. Je brise le manteau de la haine. Je brise le manteau de la. Haine. La condamnation. Je brise le rejet, je brise le mal, je brise le rejet, je brise le manteau du rejet, le manteau du rejet, le manteau du rejet. Je brise. Au nom de Jésus. Seigneur, enveloppe-moi de ton onction de grâce, enveloppe-nous par ta puissance, enveloppe-nous. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, nous te disons merci et te confions cette soirée, cette matinée pour d'autres. Père, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Accompagne-nous et donne nous la victoire que l'honneur et l'adoration te reviennent que l'élévation te revienne que la puissance te revienne au nom de Jésus amen qui a été béni ce soir Qui a été béni ce soir ou ce matin. Va avec la paix, veille sur tes pas, fais attention à tes pensées. Dès que des pensées impures et négatives commencent à venir, dès que la haine commence à monter dans ton cœur, parle à ton cœur. Tu seras étonné combien ça marche. Quand tu vas commencer à te parler, éloge, reçois la paix. L'esprit de colère, tu es vaincu. L'esprit de dispute, tu es vaincu. Je te garantis tu seras étonné. Commence à parler à ton cœur en disant à Dieu, désormais si quelqu'un me dit quelque chose de mal, que cela soit nul et sans effet. Désormais si quelqu'un me provoque, que cela soit nul et sans effet. Cette petite prière va changer ton histoire. Tu seras étonné. Et très souvent, nous ne le faisons pas assez. Vraiment, soyez bénis. Vous devez savoir. Et même senti que je suis en train de m'efforcer pour arrêter. Parce que là où ça va là, si m'amuse, on part pour 15 heures. Mais que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur est Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur est fort. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Alors, faisons-lui confiance. Si quelqu'un dit qu'il a envie de soutenir le ministère, peut-être que tu ne l'as pas encore fait depuis le mois est fini, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des gens qui, qui ont appelé, il y en a qui soutiennent, mais il y en a qui n'appellent jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été un peu touché par Dieu, je ne sais même pas quoi. Tu veux acheter des livres, tu peux appeler. Après ce programme, je vous laisse le temps, au moins 30 minutes, pour ceux qui veulent soutenir et pour ceux qui veulent acheter des livres. Si quelqu'un dit qu'il a besoin de prières, tu n'as qu'à reprendre le programme. Voilà, tu n'as qu'à reprendre le programme. Et puis aussi, si tu dis non, le programme est long, il y a un autre programme de prière qui est en ligne là, comme, qui est là. Le programme de hier. Briser les, les, les dettes de sang. Si tu veux, tu peux prendre le programme d'avant-hier. Si ces programmes-là, il y en a. On a plus de 2000 vidéos en ligne. 2000, plus de 2000, on peut même dire 3000 vidéos. Sur toutes mes pages Facebook, là, avant de venir sur YouTube il y a des vidéos il y a des gens qui sont jamais allés sur ma première chaîne YouTube Facebook c'est là-bas j'ai fait des vidéos des directs pendant des années avant de venir ici alors si quelqu'un a envie de de prier en privé allez-y sur notre site internet wwwocéan des grâces je vous invite au programme je prophétise bien aimé. Je vous invite à Je Prophétise. Le programme se passera. Tu me donnes une paire de gifles avec 2 millions d'euros. Je reçois avec un triple effet immédiat une manifestation rapide. <laughs> Amen. Je reçois avec un triple effet immédiat avec une manifestation rapide au nom de Jésus. Ça casse manifesté cette année même. <laughs> Voilà, soyez bénis. En tout cas, je suis content, je suis béni. Je me sens moi-même bien et je sais que j'ai fait du bien à quelqu'un. Je sais que j'ai fait du bien à quelqu'un. Tout ce que je veux, rends gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé d'être reconnaissant envers moi, mais je veux tout simplement que tu dises merci à Jésus. Avant d'aller dormir là, pendant cinq minutes, assieds-toi et dis merci à Jésus. S'il te plaît, ne sois pas ingrat à ton temps. Avant, pendant cinq minutes, dis à Jésus, tout ce que j'ai entendu là, ça, ce sont des formations que d'autres personnes payent. Mais nous, on l'a on gratuitement. Bénis Dieu pour ta vie. Voilà. Rends toute la gloire à Jésus. Pour moi, là, si tu m'appelles, là, c'est bon. Tu ne m'appelles pas, c'est ton problème. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonne nuit à vous. Bonne journée. Je ne vais pas rester. Je vais vous laisser partir, vous reposer. Portez-vous bien. J'attends l'appel de ceux qui veulent acheter des livres ou bien soutenir le ministère. Si tu as trop sommeil aussi, va dormir. Ciao.